Thierry Corel, Quentin Le Guillou, bonsoir. 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 Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Donc Thierry Corel, moi je suis agriculteur dans les Alpes de Haute-Provence. Je suis en agriculture biologique, j'élève des vaches allaitantes en GAEC. Donc c'est un groupement d'associés d'exploitation en commun avec mon cousin, mon père. Voilà, on a une centaine de vaches et puis 200 hectares de culture où on produit essentiellement du blé, du foin et puis du colza aussi, voilà, un petit peu de céréales. Tout ça en bio, en agriculture biologique. Je suis installé depuis 2010. Et je suis aussi engagé dans le syndicat Jeunes Agriculteurs et je suis secrétaire général national de Jeunes Agriculteurs. Puis j'ai gravi mes échelons aussi petit à petit dans le syndicat parce qu'on a commencé très localement, cantonal, puis départemental, puis régional, histoire de se faire les armes. Et puis pour finir au national, pour essayer de mener les combats dans lesquels on croit quand on s'installe en agriculture. Quentin Le Guillou. Quentin Le Guillou, donc moi je suis installé depuis 2016. L'ouest parisien, je suis au nord de l'Eure-et-Loir, donc 60 km de Paris. En grande culture, uniquement de la grande culture, donc céréales, colza, blé, orge, maïs, un peu de pois, févrole, enfin voilà, vraiment tout ce qu'on retrouve dans les grandes cultures. 2016, une exploitation où j'étais salarié, arrivé à la retraite, mauvaise année, très mauvaise année en 2016. L'exploitant m'a dit je peux plus, j'ai plus rien, j'ai pas envie de. Je ne peux plus continuer, donc est-ce que tu veux reprendre, est-ce que tu veux t'installer? Donc il m'a accompagné, au bout d'un an de démarches administratives et autres, j'ai réussi à m'installer et à reprendre l'exploitation. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça fonctionne plus ou moins. Voilà, j'ai essayé de me lancer dans un nouveau modèle un peu agricole, agriculture dite de conservation, c'est-à-dire j'ai vraiment tout revu, toute la ferme qui était avant en labour. Moi j'ai tout arrêté, tout en semi-direct, sous couvert, vraiment diminuer les charges fortes sur le GNR, parce qu'aujourd'hui c'est les charges. Donc voilà, installé comme ça, aujourd'hui ça fonctionne, marié, deux enfants, chez Jeunes Agriculteurs aussi. Depuis 2009 dans le syndicat Jeunes Agriculteurs, j'ai commencé par le canton, département, la région, et puis maintenant au national depuis 3 ans et demi, secrétaire général adjoint. Et puis voilà, hein, comme on dit, on est à fond dans le syndicat, à fond dans la défense agricole. On a décidé de vous recevoir tous les deux parce que depuis le 8 décembre, on a verrouillé cette interview. On avait déjà repéré que les Allemands étaient un petit peu fâchés. Et on s'est dit, vu que dans notre village, le panneau était déjà retourné, on s'est dit, on va contacter les agriculteurs. Et vous avez été les premiers à répondre. Donc c'est pour ça qu'on vous reçoit. On vous reçoit aussi parce que pour nous, les agriculteurs sont la première ligne de transformation de la calorie fossile en calorie assimilable par l'homme. Et donc, vous êtes exposé à tout un tas de menaces, que ce soit climatique, géopolitique, énergétique, de ressources et tout un tas de choses. Et on était très contents de recevoir des jeunes agriculteurs qui n'en veulent. Première question avant de vous charcuter un peu. Pourquoi vous êtes engagé dans un syndicat et est-ce que vous touchez du pognon de ce syndicat ? Alors bon, je vais me lancer du coup. Ouais, alors pourquoi moi je me suis engagé ? Honnêtement, au début, ça s'est fait au travers de quelque chose qui nous fédère assez bien tous, c'est la convivialité. En fait, il y a eu une petite réunion de canton où on m'a dit écoute, viens boire une bière, puis tu verras, tu pourras parler de tes problèmes. Avec modération, la bière ? Avec modération, la bière, évidemment. Hein, ça caractérise évidemment les agriculteurs. Et donc, on est parti là-dessus. Et puis, c'est vrai qu'on a très vite échangé sur les problématiques, notamment à l'installation. Et voilà. Et puis après, au bout d'un petit moment, on m'a dit, ça serait peut-être pas mal que tu montes au département. Écoute, on a besoin d'un petit coup de main pour filer un coup de main sur des problèmes qui sont locaux, quoi. Voilà, on a un préfet qui veut pas trop lâcher sur le curage des fossés ou voilà, des trucs qui me parlaient, quoi. Et donc j'ai dit, je veux bien prendre un peu de responsabilité. Et puis voilà, ça m'allait bien d'être un peu des fois véhément aussi et de pousser avec le cri du cœur. Voilà ce qui m'avait posé problème dans mon parcours à l'installation et ce qui me semblait poser problème pour me développer. Et donc, au début, on commence comme ça, on met un doigt et puis l'engrenage est parti. Et puis, on se prend assez bien au jeu aussi, finalement, de défendre le métier. Parce que, moi, quand je me suis installé, c'était avant tout un choix de vie, hein, finalement. De dire, moi, je vais être agriculteur. Par contre, ça conditionne que je vais peut-être mettre aussi une partie de ma vie sociale entre parenthèses, malheureusement, au début, parce que je vais passer beaucoup d'heures sur mon tracteur, derrière mes vaches. Et donc, c'est parti comme ça. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres personnes qui étaient avec moi, qui partageaient aussi la même philosophie de vie et qu'on menait les mêmes combats.
Et donc, voilà, on a commencé comme ça. Et puis après, ben, j'ai pris un peu du grade. Voilà, comme j'étais celui qui criait des fois un peu plus fort que les autres, on m'a dit, bah, tiens, vas-y, commence, passe devant, et puis on te suivra. Puis on finit président de département. Et puis, comme on continue à crier toujours un peu plus fort que les autres, on finit président de région. Et puis voilà, ça se fait comme ça. En même temps, on développe son exploitation. On a aussi des expériences de vie. Et voilà, qui nous apprennent aussi d'autres choses. Et on se rend compte qu'il n'y a pas complètement que le travail. Et qu'il y a aussi voilà, des interactions sociales qui nous ouvrent un peu l'esprit. Et puis, pour le coup, jeune agriculteur, le syndicat, ben, ça nous ouvre l'esprit. Parce qu'au départ, c'est des copains. Et puis, on s'aperçoit qu'autour, il n'y a pas que des gens qui sont que des amis. Et quand on commence à discuter avec voilà, des personnalités politiques ou autres, ou quoi, on s'aperçoit que ben, là, c'est un panier de crabes. Quoi, et qu'il va falloir naviguer au milieu de tout ça et qu'il va falloir apprendre très vite. Et pour le coup, JIA, ça nous aide beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a aidé beaucoup. Et puis voilà, on finit au national. Et alors, tant qu'on est département, région, et même au national, on a, pour revenir sur la question du financement, comme ça on l'évacue tout de suite, mais on a des remboursements des frais kilométriques. Voilà. Ça varie en fonction des départements. Voilà, c'est laissé libre à chaque département, un jeune agriculteur, d'indemniser au tarif qu'il veut. Et puis après, on a des indemnités journalières. Voilà, moi, à titre personnel, j'ai une indemnité journalière de 100 euros en tant que secrétaire général de jeunes agriculteurs, 100 euros par jour que je passe pour défendre le métier d'agriculteur. Voilà. Donc moi, ça me paye un salarié sur mon exploitation, parce que quand je suis à Paris, évidemment, ou en déplacement, je ne suis pas sur mon exploitation. Et donc ça me permet de rémunérer, bon, ben là, en l'occurrence, une apprentie sur mon exploitation, qui j'espère, fera d'une pierre deux coups, je motiverai, voilà. Voilà. Tu passes un coucou. Oui, salut Ambre, si tu regardes, voilà, dédicace à Ambre. On va te venger, Ambre, t'inquiète. Quentin. Pierrick a quasiment tout dit. En fait, jeune agriculteur, moi j'étais sorti d'études, fraîchement diplômé. Quel type d'études, combien de temps d'études? Alors, j'ai jamais aimé l'école. L'école m'a pas trop aimé. En quatrième. Il ne faut pas que tu formules ça comme ça. Il faut que tu dises que tu n'étais pas adapté au système éducatif français. On va dire ça comme ça. Bon, moi et l'école, ça ne fonctionnait pas. Voilà, on n'arrivait pas à apprendre. J'étais au collège, dans un collège public. Arrivé en quatrième, on m'a dit bon, bah, c'est soit tu t'en vas, soit tu penses à redoubler. Et je me suis rapproché d'une école agricole, une MFR, Maison Familiale Rurale. C'est des écoles qui sont des écoles privées, agricoles, pour les trois quarts, où dedans, il y a une partie de stage ou d'apprentissage. Et moi, c'est ça qui m'a plu. En fait, quand je suis allé voir l'école, on m'a dit « tu vas avoir 17 semaines de cours, une semaine à l'école, une semaine en entreprise ». Que du bonheur. Donc moi j'étais stagiaire à l'époque, donc sans forcément de rémunération, hein, mais le fait de pouvoir se dire on va aller sur le terrain, on va aller dans des fermes et on va pouvoir aller voir des fermes, aller travailler sur des fermes, ça c'est vraiment en fait, bah, moi c'était un élan, ça m'a donné envie. Donc troisième j'ai commencé, j'ai fait ensuite deux années de BEP en production végétale et ensuite un bac pro sur deux ans, conduite gestion d'exploitation agricole. Pareil, une semaine d'école, une semaine de stage. Et à chaque fois, en changeant de stage, en changeant de secteur, je travaillais dans un élevage de chèvres, j'ai travaillé dans une exploitation pour mon BEP en grande culture, une petite exploitation de 100 hectares grande culture. Et puis j'ai fini sur mon année de bac, une exploitation grande culture et qui avait de l'élevage aussi, volaille, œuf. Donc j'ai pu voir un petit peu ce qui se faisait par chez moi, les différents types d'agriculture. Une agriculture peut-être un peu plus raisonnée, une agriculture un peu plus forte, hein, une agriculture un peu plus vers le bio. Enfin voilà, vraiment une notion d'élevage. Et un jour, un voisin qui m'appelle, qui me dit « bah tiens, il y a une fête sur le département, sur le canton, sur la commune à côté. Nous, c'est Festival de la Terre, que ça s'appelle. Donc c'est une fête agricole. » Où tous les ans ça se réunit, concours de labour, les courses de... Alors nous, j'en ai plus de moi à se battre, c'est tracteur-tondeuse, donc course de tracteur-tondeuse. Et puis on étale ancien matériel, différents concours, présentation vraiment de l'agriculture locale aux gens. Je suis venu, j'ai rencontré des agriculteurs voisins.
Je leur ai demandé est-ce que je pouvais me rendre utile pour essayer d'aider un petit peu. Donc j'étais à gauche, à droite, piqueter le concours de labour, servir des bières, enfin voilà, vraiment la base. Et puis on passe une bonne journée. Puis le lendemain, on nous dit bah tiens, on organise une réunion où on va débriefer un peu tout ça et puis peut-être s'organiser. Petit voyage avec l'école qu'on a, avec l'argent qu'on a récolté, voilà, on a gagné 2-3 000 euros, ça vous dit, on paye un petit peu un truc, et puis bah voilà, c'est parti, on a mis le pied dedans. Et puis comme a dit Pierrick, bah d'un seul coup, il y en a un qui ouvre un petit peu plus sa gueule que les autres. On lui dit bah tiens, il y a des places au département, ça te dit de monter d'échelon, et puis bah voilà, département, région. Région, j'étais bien, mais je me suis dit bah le boulot maintenant, il faut aussi le monter, parce qu'au département, c'est ce que disait Pierrick, on a les problèmes vraiment qui sont locaux, on rencontre son député, on rencontre préfet, les présidents de com, d'agglo, discute un peu sur tous les problèmes qu'il y a, mais on voit qu'il y a toujours des problèmes au-dessus, et on essaye d'aller les débloquer, d'essayer de trouver des solutions sur tout ça. On a des idées, on essaye de les apporter, et on se retrouve arrivé au national. Moi, je suis dans un échelon juste en dessous. Moi, je suis, c'est mon chef, c'est secrétaire général. Moi, je suis adjoint. Donc moi, c'est 80 euros d'indemnité journalière sur quand je suis ici à JA, que je passe mon temps aussi sur JA, parce que maintenant que je suis au national, je voyage aussi un petit peu dans la France pour aller amener la parole JA, amener ce qu'on fait et essayer aussi sur le terrain d'écouter. Donc on se promène un petit peu partout. Moi ça me permet, j'ai un salarié en groupement d'employeurs. En fait, c'est un groupement qui a été créé sur 3 exploitations où on se partage un salarié. Donc moi, l'indemnité me paye en partie aussi une partie du salarié. Me ramène aussi sur mon temps, en fait, tout le temps que je suis ici. En ce moment, je suis à peu près 2-3 jours semaine sur Paris ou à voyager un petit peu en région. Donc c'est quand même du temps qu'on n'est pas sur les exploitations. On fait des erreurs sur nos fermes quand on n'est pas là, bien sûr. Moi, ça m'est arrivé mes premières années sur Paris de me dire c'est bon, tout roule. Et puis après un mois de septembre complet sur Paris, on rentre fin septembre et les cultures, elles n'ont pas survécu. Il y a des choses, il y a eu des attaques, il y a eu des insectes qui ont tout détruit. Et là, c'est un manque à gagner direct. Donc on se repose, on se remet un peu en question, on discute. Et puis après, il y a toute la vie sociale à côté. L'épouse, les parents, voir est-ce qu'on peut essayer de gérer une entraide, les enfants. Je suis papa de petits, donc on a envie de les voir aussi. Donc on essaye de rentrer le plus possible. Moi, j'ai l'avantage d'être à 60 km. Voilà, c'est un gros avantage que j'ai par rapport à Pierrick qui doit, lui, traverser toute la France. Donc je me suis payé le petit scooter et puis maintenant, je fais mes allers-retours ici en scooter pour pouvoir essayer de passer un maximum de temps avec la famille, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a, c'est ce qui nous tient fort aujourd'hui comme on est. Première question, votre taux d'endettement. Est-ce que vous avez un crédit? Est-ce que vous avez été obligé de sortir du pognon? Vous en avez encore pour combien de siècles à rembourser? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Et essayer de tirer ce sujet concernant les autres agriculteurs. Alors moi, je me suis installé hors cadre familial, c'est-à-dire que je n'ai pas repris l'exploitation de mes parents. Ma mère était agricultrice, elle est toujours agricultrice. Mon père était dans un autre domaine, il est dans le GIT. Il a rejoint le GAEC d'ailleurs en 2019. Donc c'est un cursus un peu inverse de d'habitude, c'est les gamins qui reprennent les exploitations des parents. Moi, j'ai installé mon père et je me suis installé hors cadre familial, donc je suis parti avec un compte à la poste. J'avais 19 euros quand je suis débarqué à la Banque Populaire. J'aurais dit écoutez, voilà, moi j'ai pas le permis de conduire, je vais faire agriculteur parce que j'avais 19 ans, je l'avais raté, enfin bon bref, voilà. Le mec sérieux, qui présente bien et tout, voilà, j'arrive avec mon petit dossier et voilà, je vais faire agriculteur, j'ai besoin de 150 000 balles pour m'installer, je vais acheter un tracteur et 4 hectares de terre et un peu de cheptel et tout. Et j'ai proposé ça à 2 banques, et Crédit Agricole, Banque Populaire. Banque Populaire m'a suivi, c'est des acteurs historiques du monde agricole. Et donc ils m'ont suivi, la Banque Populaire m'a suivi, et donc là il a fallu rentrer dans ce qu'on appelle le professionnalisme, quoi, parce qu'il faut rembourser, on rigole plus, on joue plus avec les tracteurs dans le sable, et c'est plus pour rire. Quoi. Et donc petite transition, parce que c'est un rêve, je le dis, c'est un projet de vie, puis là c'est un projet financier. Donc on est parti. Je suis parti tout seul, donc 150 000 euros, puis j'ai remboursé, puis ça se passe bien. Alors il y en a des aides à l'installation, la fameuse dotation jeune agriculteur, 36 500 euros, moi à l'époque, que je touche, voilà. Je conserve de côté pour pouvoir m'assurer un peu de revenus, histoire de quoi vivre. À l'époque, je suis en couple avec mon ex-épouse et voilà, on a un projet d'enfant, donc bon, il faut un minimum assurer le revenu, quoi. Puis bon,
un peu de fierté quand même, peut-être déplacé, mais vouloir assumer le foyer familial. Donc on part là-dessus, je pars là-dessus et je rembourse. Et puis petit à petit, ça fait son chemin, ça fait son chemin. Et aujourd'hui, voilà, je continue. Donc je rembourse mon premier tracteur, mes premiers prêts, puis je continue. Puis je continue à acheter un peu de matériel, un peu de terre, un peu de cheptel, un peu de ci, un peu de là. Et ça se développe, ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, concrètement, on a acheté une exploitation en 2020 dans le centre de la France, en Saône-et-Loire, pour 600 000 euros. J'ai réinvesti sur mon exploitation entre-temps. Honnêtement, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais 600-700 000 euros, sans problème. Donc je suis à 1 million, 1,5 million d'investissement aujourd'hui. J'ai un projet, on a un projet de bâtiment photovoltaïque sur l'exploitation où il va falloir remettre 400-500 000 euros. On arrive à rembourser, enfin j'arrive à rembourser, la banque me suit, maintenant voilà, il n'y a plus de problème avec ça. Mais la question de l'endettement, en fait, elle a très vite été... Moi, je me suis dit, j'ai pas de pognon, j'ai juste mon courage, mon envie, il va falloir que j'y aille. Ma production, certes c'est compliqué, certes c'est ci, c'est là, mais apparemment dans la société, si on y croit, on investit et qu'on bosse, on arrive à des résultats. Ouais, voilà, j'y vais et j'arrive à rembourser. Aujourd'hui, ça se passe bien. J'ai fait des choix d'entreprise qui font que je me tire pas un gros salaire. Honnêtement, je me prends 1000 balles par mois sur l'exploitation. Après, pour être honnête, mon exploitation, c'est mon assurance de bagnole, elle est sur l'exploitation. Une partie du gasoil, elle est sur mon exploitation. L'électricité, c'est pas de l'argent de poche, mais je veux dire, c'est pas à mettre c'est à mettre en perspective avec un salaire de smicard aussi ou quoi au caisse. Même s'il faut désmicardiser la France, Donc j'estime vivre bien. Je veux dire, j'ai construit ma baraque. Je veux dire, j'ai remis. Ta femme travaille ? Ouais, ma femme travaille. Alors. Paradoxe de la chose, elle est conseillère agricole à la Banque Populaire depuis peu, donc à croire. Tu fais signer crédit, non ? Non, elle n'a pas le droit, j'ai dû changer d'agence parce qu'il y avait conflit d'intérêts, donc non, très, mais... Très bonne réponse. Oui, mais du coup, voilà, mais pour dire que finalement ça fonctionne, bon, par contre, c'est beaucoup d'investissement moral aussi, quoi, de se dire il faut y aller et voilà. Moi, de mon côté, du coup, 2016, bon, dans la présentation, pas tout dit, j'ai mon père qui est agriculteur quand même sur une exploitation à côté. Donc moi, fils d'agriculteur. Depuis combien de temps ? Mon père, il est agriculteur depuis 84. Il a 65 ans, il a encore pour 2 ans. Il aurait pu arrêter il y a 1 an ou 2, mais l'amour du métier continue. En fait, c'est ça. Avec combien sa pension de retraite ? On en a discuté justement ce week-end parce que on a essayé de tout ressortir un petit peu. Il devrait tourner autour des 1400, 1500 euros à peu près de retraite. Et on va dire qu'il est très bien loti parce qu'il a eu des bonnes années, parce qu'il a cotisé taux plein sur la MSA. Là, nous, la MSA, c'est Mutualité Sociale et Agricole, chez qui on cotise, comme les artisans à l'URSSAF ou autres. Voilà, nous, c'est la MSA. Donc, il a vraiment, vraiment bien cotisé des années. Il a eu des très bonnes années dans les années 2000. Il est sur un 1004, 1005. Aujourd'hui, c'est pas majorité des exploitants agricoles qui, après 40 ans de carrière, vont sortir 1500 euros. C'est combien la moyenne en ce moment ? On espère avoir au moins des agriculteurs qui vont toucher plus de 1000 euros. Maintenant, on en a qui vont pas. Il y en a qui sont à 600, ouais. 600, 800 balles. Hein, finalement, c'est dur. Hein, des personnes qui ont quand même trimé sur leurs exploitations. Hein, et je dis bien trimé parce que moi, je me suis installé, il y a du matériel. Mais on prend des personnes qui ont aujourd'hui 75, 80 ans, qui ont connu tout à la main, avec le matériel qui est arrivé, de l'endettement sur des premiers tracteurs, nouveaux. Technologie qu'on a pu connaître qui est arrivée au fur et à mesure dans les années 70-80 et aujourd'hui sont arrivés au bout du bout et vont sortir 600-700 euros. Aussi, avec une exploitation déjà payée. Oui, avec une exploitation payée mais qu'ils ont reléguée derrière. Alors certes, ils l'ont revendu un montant, certes, ils ont eu un montant au moment de la cession d'exploitation, mais j'espère pour eux qu'ils ont eu des très bons placements parce qu'en fait, aujourd'hui, avec 600-700 euros, il n'y a pas grand monde qui peut vivre aujourd'hui comme ça. On appelle ça survivre. C'est survivre totalement, c'est une survie. Bon, donc, mon père toujours en exploitation. Moi, je me suis installé donc 2016. 2016, très mauvaise année chez nous. À gros aléas climatiques, donc une grosse pluie sur juin. Les cultures, catastrophe.
Mon père me dit, bon, bah, c'est super, tu reprends l'exploitation du voisin chez qui t'es salarié. Sache que moi, je ne vais pas pouvoir t'aider financièrement. Je vais pouvoir t'aider éventuellement, j'ai du matériel, je vais te prêter un peu de matériel, tu vas reprendre du matériel aussi sur l'exploitation, mais je ne vais pas pouvoir t'aider financièrement. Donc moi j'avais un peu plus de 19 euros, j'avais mon livret jeune qui venait tout juste de finir, j'en avais 26 ans, donc la banque m'avait dit « Ah, il faut ouvrir un autre compte, 1500 euros en poche, je vais voir la banque et je dis « Il me faut 600 000 euros ». Et là, 600 000 euros, il me fait « Ok, ça marche, pas de problème, bah, tu nous sors un PE, donc un plan économique. » Un petit rein. Déjà, on bosse tout. J'ai tout peaufiné. Je suis allé voir donc le cédant chez qui lui il a arrêté et je lui dis bon bah donne-moi tes rendements, donne-moi ta comptabilité, donne-moi tout ce que tu peux et je vais essayer de tout travailler. Les cultures, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux aller tirer un peu d'argent, essayer. Et la banque nous dit bon bah il faut nous sortir un plan économique sur 5-7 ans, donc avec une vision sur 5-7 ans qui est aujourd'hui intenable. Hein, parce que sur 5-7 ans, bah, on l'a vu, on a eu le Covid, on a eu l'Ukraine. Donc je plains les jeunes qui sont installés sur 2020-21, c'est intenable. Donc moi, 2016, j'arrive avec mon plan économique et ils me disent « Ok, pas de problème, tu vas nous rembourser 58 000 euros par an, on te prête de l'argent. » Bon, bah, je dis « Ok, c'est parti. » Ils me disent « Quel objectif que vous souhaitez vous tirer ?»« Bah, je vais essayer de me prendre 1 000 euros. » « D'accord, aïe, c'est un peu serré, bon. » Donc, ils m'ont accompagné, je suis allé prendre l'ACRE, création d'entreprise, donc qui donne la moitié du chômage qu'on pourra avoir, enfin bon, bref, etc. Donc, j'ai pu récupérer un peu d'aide, je crois qu'à l'époque, 11 ou 12 000 euros que j'ai pu récupérer sur l'ACRE. La DGA, donc moi, j'étais dotation jeune agriculteur, on était sur une nouvelle DGA par rapport à toi. Donc, moi, je suis allé chercher 11 000 euros d'aide à l'installation que j'ai mis sur un compte que j'ai gardé pendant 4 ans parce que je me suis dit un jour on ne sait jamais, il y avait tellement de à l'époque en fait à l'époque au moment où j'ai eu la DGA il fallait respecter des critères, il fallait que le résultat bénéfice net de l'exploitation soit supérieur à un SMIC et inférieur à 3 SMIC. Je me suis dit, si je touche pas assez d'argent, si je crée pas assez d'argent et que je suis inférieur à un SMIC, catastrophe, ça veut dire que mon exploitation n'est pas rentable et en plus, il faut que je rembourse les 11 000 euros. Hérésie totale. Au-dessus, si elle sort 3 SMIC, bon, bah, tant mieux, ça veut dire que l'exploitation fonctionne bien, donc il faudra que je les rende aussi. Donc je les ai mis de côté et je me suis dit, pendant 4-5 ans, je vais les garder parce que je suis pas à l'abri de quoi que ce soit. Heureusement pour moi, j'ai fait une moyenne, je crois, à 2, je crois, SMIC sur mes 5 années d'installation. Tant mieux, ça a très bien fonctionné. Quand on dit 2,2 SMIC, 2,2, ce n'est pas ce que je prends. En fait, on a notre chiffre net avant impôt. Donc derrière, on retire les impôts, qui vient nous en prendre une bonne partie. Et puis, bah, on a les petits coups durs. On ne sait jamais, un tracteur, un moteur. Un moteur, c'est 10, 15 000 euros. Donc, on ne va pas tout chercher. Aujourd'hui, moi, je me prends 1500 euros par mois sur l'exploitation. Mon épouse est salariée à mi-temps sur une entreprise et l'autre mi-temps, je l'ai embauchée là depuis 6 mois parce qu'on a créé des pâtes. On fait des pâtes sur la ferme. Des pâtes, des pâtes. Ouais, des pâtes à manger, des pâtes sèches. Voilà, je fais une culture de blé dur. Blé dur pour faire les pâtes. Donc Notre-Dame-des-Landes, ils faisaient ça, des pâtes super bonnes. Ouais, bah moi je suis en pâte semi-complète. Donc en fait, je prends mon blé. J'ai un moulin à côté, une minoterie. Je lui emmène mon blé, il me l'écrase et il le passe 2 fois. En fait, au début, la première fois, on l'a écrasé complet. On a mélangé avec de l'eau, on a fait des pâtes, c'était des pâtes complètes, c'était immangeable. Personne ne voulait en manger. Nos parents nous ont dit, mais comment vous allez vendre ça? C'est immangeable, c'était des pâtes très marron, très foncées, très fortes. Donc on a refait repasser une deuxième fois, réécraser une deuxième fois, et du coup, on est arrivé sur des pâtes semi-complètes. Et ça a très bien fonctionné. On avait commencé, moi tout seul, 2019-20, période Covid. C'était les gens, ils faisaient le petit papier uniquement pour venir nous acheter des pâtes. Ça cartonnait. Tu remplis toutes les normes pour pouvoir faire des pâtes? Je ne sais pas s'il y a des normes pour faire des pâtes. Étant donné que... On reparlera de problèmes de normes, on va parler d'économie, ouais, on va parler d'intelligence économique. En agriculture, je ne mets pas 2 dans mes pâtes. En fait, si demain je mets un œuf dans mes pâtes, alors là, je touche des choses vraiment invraisemblables. Parce qu'en fait, là, il y a une sécurité hygiène bien plus élevée que si j'en mets pas. Moi, aujourd'hui, j'ai un labo. Donc, en fait, tout blanc, carrelé, voilà, en fait, tout propre. Qui a payé le labo? Moi. Donc, bah, j'en ai repris un petit en plus. Donc, machine à pâtes, séchoir pour sécher les pâtes.
Parce qu'en fait, comment sont faites les pâtes? C'est de la farine, hein. Farine et de l'eau. On crée les pâtes. Derrière, je les mets dans un séchoir. Ça tourne. Combien tu vends ça le kilo? Le kilo, là, je suis à, je ne veux pas dire bêtises, 3,57. 7 euros le kilo. 3,50. Direct producteur. Direct producteur. Avec un emballage qui ressemble à un vrai. Je suis en emballage carton. On s'est dit. Aujourd'hui, alimentaire. Contact alimentaire, bien sûr. Hein, bah, mon emballage me coûte 80 centimes la boîte. 80 centimes la boîte, je vends ma boîte avec les pâtes dedans, 3,50 €. Sur 80 centimes de boîte seule, en plus, bah, faut retirer une grosse part d'électricité parce que bah, mon séchoir, voilà, donc là, il m'en coûte un petit peu. Ma matière première, mon blé. Mais en fait, mon blé, lui, qui représente le blé dur, 400 € la tonne, donc on fait vite la division, on est à 40 centimes du kilo. Donc sur 500 grammes de pâtes, 20 centimes. Donc sur mes 3,50 €, j'ai que 20 centimes de farine dedans, de blé qui me coûte vraiment. Mais en fait, j'ai tout mon coût à côté, mes machines qu'il faut payer, mes remboursements, l'électricité, une part de l'eau, le salaire de mon épouse aujourd'hui. Et aujourd'hui, malheureusement, suite Ukraine, les gens, il n'y a plus de revenus nulle part. Alors on voulait parler tout de suite, t'as fini ou pas? Vas-y. Non, dis-moi. Non, mais en fait, ce que tu vois, sur le côté des pâtes, pour finir, ça a très bien fonctionné Covid. Là, aujourd'hui, je suis en train de me poser la question d'arrêter. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sortait 4-5 tonnes de pâtes à l'année. Là, je vais faire très difficile de 1,5 tonnes de pâtes. Mais je comprends les gens, mais c'est normal, moi aussi. J'ai travaillé avec des GMS. Les GMS, c'est quoi le coup, les GMS? GMS, les grandes surfaces. Intermarché, Leclerc, Auchan, peu importe. Je suis allé les voir, eux ils étaient contents, ça a redonné une belle image. Ils m'ont pas négocié les prix. Pour le coup, pour ça, moi ils m'ont pas négocié les prix parce que c'était du direct. Moi, directement je leur vendais, ils m'ont pas négocié les prix, ils ont mis en rayon. Très bien, super. Ils ont pris une petite marge dessus. Moi je leur vendais 2,80 € la boîte, prix de vente pour eux. Ensuite derrière ils margeaient dessus, donc là en ce moment ils sont à 3,80, 3,90 la boîte chez eux. Donc ils prennent leur part de marge, sauf que quand il y a ma boîte à 3,80 €, 500 grammes, et qu'en dessous, bah, en ce moment on a 1 ou 2 € le kilo de pâtes en grande marque, Lustucru, Panzani ou autre, pas de marque. Bon, et où, allez, on va dire les marques européennes, marques européennes, ouais, les marques européennes, les grandes marques distributeurs, etc. Mais moi, je suis en face de la concurrence, je peux pas suivre. Je peux pas suivre. Donc, quand ils me disent baisse tes prix, bah ouais, mais moi, en fait, j'ai à rembourser derrière. J'ai à tout payer. Donc, non, je peux pas descendre. Donc, en fait, aujourd'hui, nous, ça se dégringole. Et là, aujourd'hui, on se pose la question de continuer vraiment ça. Parce que, bah, on arrive au bout du truc, quoi. J'ai entendu plein de choses dans votre présentation. Le coût de production, l'énergie, l'électricité. On n'a pas parlé de bouclier tarifaire. J'ai entendu Ukraine. J'ai entendu concurrence peut-être, ou même pas concurrence déloyale, pas encore. Qui prend le sujet géopolitique? Qui va prendre le sujet guerre économique? La première question que je vais vous poser, c'est vous, en tant que syndicat, vous êtes plus proche de la FNSEA, vous êtes FNSEA, vous êtes jeunes agriculteurs, avec d'autres syndicats, vous êtes que tout seul vous? On va mettre ça tout de suite au propre, au clair pour tout le monde. FNSEA, c'est un syndicat, jeunes agriculteurs, c'est un syndicat. Pour le coup, on partage quelques positions et quelques accointances avec la FNSEA. On fait liste commune pour les élections chambre d'agriculture, ce qui est le bras technique du syndicalisme sur le territoire des... Bon, voilà. Donc on est plus ou moins OK avec les... On est plutôt OK avec la FNSEA. Ceci dit, nos adhérents ne sont pas constitués de tout à fait les mêmes agriculteurs. Nous, on a des nouveaux agriculteurs qui arrivent dans le milieu, chez jeunes agriculteurs, qui adhèrent au syndicat. La FNSEA est plus sur une position, mais parce que c'est l'essence même de leurs adhérents, conservatrice en fait. Et donc, des fois, ça diffère un peu, mais c'est la ligne politique globale qu'on partage aujourd'hui. On la partage. Qu'est-ce que tu entends par ligne politique? C'est-à-dire politique en termes de protéger les intérêts des agriculteurs ou une ligne politique, c'est-à-dire gauche-droite, extrême-droite, extrême-gauche? On est apolitique. En tout cas, on se revendique comme apolitique chez jeunes agriculteurs, la FNSEA aussi. Quand je dis ligne politique, c'est la vision en agriculture, où on dit, bon, ben, faut quand même un minimum de production, faut quand même un minimum de protection des agriculteurs sur le territoire, parce que voilà, on n'est pas on veut pas le business à tout va partout. Et voilà, donc c'est en ça qu'on se rapproche aussi de la
ligne politique qu'on défend avec la FNSEA. Ton bras droit y confirme ? Ouais, totalement, totalement. Aujourd'hui, pas de politique chez JIA. JIA, enfin, on peut même regarder d'un autre œil la FNSEA ou quoi que ce soit. FNSEA, c'est pareil. Il n'y a aucune politique. Que ça soit un gouvernement de droite, de gauche, de... Après, il y a toujours des discussions plus ouvertes avec certains. Ça, c'est clair. Voilà. Il n'y a pas, parce qu'on en a qui ne veulent pas soit nous voir, d'autres, au contraire, qui essayent plutôt de venir nous caresser pour nous dire « venez me voir ». Non, nous, on essaye vraiment de fonctionner le plus droit possible. L'idée, c'est vraiment la défense agricole. Voilà. Il y a des textes de loi qui tombent, il y a des normes supplémentaires. Il y a l'Ukraine, parler de géopolitique. Clairement, aujourd'hui, une concurrence déloyale où... On va y rebondir. On y reviendra, mais voilà. La Confédération paysanne, que... vous entretenez des rapports avec eux, pas du tout ? Avec la Confédération paysanne, on a des échanges, on a des discussions. On essaye, chez JIA, on essaye un petit peu plus d'ouvrir des fois un petit peu le débat. Malheureusement, des fois, il y a des choses qui se font en face qu'on ne peut pas tolérer. Quel type ? Je vais parler les bassines, je vais parler Sainte-Soline. Dès qu'il y a de la dégradation, Confédération paysanne... C'était peut-être pas eux Non, c'est pas eux, mais... Mais ils se sont fait voler les drapeaux, alors. Voilà, on a vu des drapeaux Confédération paysanne, ils ont soutenu, ils ont poussé, ils sont sur une ligne de conduite qui est beaucoup plus radicale en termes d'agriculture. Ils souffrent peut-être plus ? Je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment de la souffrance. C'est un. J'ai pas envie de dire modèle, mais bon, allez. C'est un modèle agricole différent. Où eux, ils vont peut-être plus prôner le bio, et pas encore, et pas que à 100%, mais un modèle plutôt très familial, petite exploitation, où ils vont pouvoir essayer d'embaucher un maximum, etc. Il n'y a pas de problème. Moi, quand je ferme les yeux, j'ai envie d'y croire. C'est super. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, ça manque. Ça manque clairement de revenus. Moi, je veux bien demain, dans le plus beau du monde, j'ai 184 hectares, me dire je vais diviser ma ferme en 18, tout le monde 10 hectares, on embauche à plein, on fait tout à la main, sauf que c'est pas possible. Qui c'est qui va payer derrière ? Quel revenu on va pouvoir sortir sur tout ça ? Même si on vendait mieux nos produits, enfin, on peut parler du bio. Le bio, aujourd'hui, vit une grosse crise quand même sur le bio, où moi, par les côtés grande culture, où en grande culture, le prix des céréales bio est vendu le même prix, voire peut-être 10 euros de plus que du conventionnel. Alors qu'il n'y a pas les mêmes rendements. Les rendements sont divisés par deux. C'est un calvaire à gérer. Voilà, en termes de charges, pour moi, en grande culture, mes voisins bio chargent de carburant. Hein, GNR, c'est plusieurs passages pour essayer d'éliminer les mauvaises herbes. Des rendements moindres, il y a un peu de fumier, un peu de lisier qui sont mis dessus. Mais ça manque. Enfin, voilà. Donc, il y a un manque sur tout ça. Et puis à la finalité, ils ont plus de charges. Et puis ils vont vendre 10 euros plus cher que conventionnel. Ou alors même on va lui dire, bah non, on n'a pas trouvé le débouché, donc je te mélange au conventionnel. Donc non, la filière bio aujourd'hui vit une grosse crise. Donc quand on voit la Confédération paysanne, au contraire, on est là plutôt de leur dire, ouvrez-vous, venez plutôt vous battre aujourd'hui pour tous les agriculteurs qui existent aujourd'hui. Peu importe en fait que ça soit tel modèle, ou comme ci ou comme ça. En fait, aujourd'hui, c'est tout le monde qui est dans le même panier. Il faut reprendre un petit peu les rênes, là, et puis essayer de s'entraider, de s'accompagner et trouver la solution ensemble demain pour amener et ramener un peu de revenus sur les fermes agricoles. Alors, avant qu'on commence l'interview, on a discuté un petit peu. Vous m'aviez dit que vous aviez regardé Jean-Marc Jancovici. C'est quelqu'un qui a quand même des points de vue acérés sur la production, la mécanisation et les répercussions de l'augmentation du coût énergétique sur vous-même d'ailleurs. Au départ, je parle sous votre contrôle, mais au tout départ de l'agriculture, un agriculteur, il nourrissait lui et 0,5 ou voire une ou deux personnes maximum derrière. La mécanisation est arrivée et là, ça a permis de nourrir plus de personnes. Le nombre d'agriculteurs en France se réduit comme peau de chagrin. Il y a des questions de suicide, des questions de surendettement, des gars qui n'en peuvent plus. On va aborder aussi ce type de sujet. Sur la question guerre économique, vous êtes un syndicat, jeune, beau et dynamique, les gars. Derrière, est-ce que vous faites de la prospective ? Alors certes, vous avez peut-être des climatologues qui vont vous expliquer qu'il y a un orage de grêle qui va arriver. Il y a peut-être les viticulteurs qui sont connectés directement avec les satellites météo, avec les météorologues pour savoir si ça va geler. Ils vont peut-être mettre des lanternes, voire même faire voler des hélicoptères au-dessus de leur parcelle pour éviter que ça gèle. En termes de prospective, guerre économique,
Est-ce que vous êtes comme le petit dindon qui va à l'abattoir, c'est-à-dire vous avez un prisme de lecture qui n'est pas éclairé, personne ne vous conseille. Si vous aviez fait de la veille sur la guerre avec les Russes, les Ukrainiens, si vous aviez regardé Thinkerview à partir de 2016, vous auriez peut-être pris des mesures proactives pour éviter de vous retrouver en short avec l'augmentation du coût des intrants, des engrais, le coût de l'électricité, le coût de tout ça. Est-ce que vous, en tant que syndicat, ou est-ce que vous avez déjà entendu autour de vous, mis à part les banquiers qui font de la spéculation sur certaines denrées alimentaires, est-ce qu'il y a des gens de l'État qui vous filent des infos un petit peu comme le phare dans la nuit pour éviter de vous faire dézinguer par manque de prisme de lecture, par manque de visibilité sur des éléments extérieurs qui vont vous impacter grandement, ou c'est, vous voyez, vous êtes le capitaine, vous supportez le capitaine de pédalo qui navigue à vue et qui fait de temps en temps un petit coup de corne de brume pour essayer de savoir s'il va pas se prendre un rocher. Ouais, en fait c'est ça. On est seul. On est seul. Je veux dire, le capitaine, il n'est pas là. En fait, c'est ça qu'on a crié, le cri du cœur là qu'on a fait il y a quelques temps. En fait, c'est ça. C'est il est où le capitaine ? Comment je te lance ? Ouais, non, mais enfin, en fait, c'est ça. C'est il est où le capitaine ? Il n'y a pas de vision. On voit qu'on va dans le mur parce que bon, enfin, je veux dire, on regarde les infos, on regarde ce qui se passe autour de nous. On voit que, enfin, la guerre économique, elle est là. La guerre géopolitique de l'alimentation, elle est plus que là. Et en fait, on se dit, on est tout seul. On est tout seul. T'es tout seul, c'est-à-dire continue de faire ton champ, on va te filer un peu de subvention et de PAC. Ouais. Et puis surtout, tu nous emmerdes pas avec ton tracteur et tes conneries. Ouais, voilà, parce que nous, on a des vrais enjeux de bonhomme qui sont les enjeux électoraux. Sauf que nous, on dit en face, on a des enjeux de souveraineté alimentaire, on a des enjeux parce qu'on tient la géopolitique, que vous le vouliez ou non, que vous restiez au gouvernement ou non, de toute façon, c'est comme ça. Et ça, c'est immuable. Par contre, il y a deux, trois trucs qui changent. C'est le commerce international n'a plus tout à fait la même tronche que ce qu'il était avant le Covid, je veux dire, voilà. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont nos repères ? Tout ça, c'est bouleversé. Enfin, on le disait tout à l'heure avec le coût de l'énergie, de l'engrais. Voilà, les interlocuteurs qu'on avait hier sur l'engrais et l'énergie, ce ne seront pas les mêmes que demain. Et ces gens-là ont partagé deux, trois enjeux de souveraineté alimentaire. Et on n'a pas que des petits camarades là-dedans. On n'a pas que des petits camarades là-dedans. Les gens qui étaient a priori fréquentables hier ne le sont pas aujourd'hui. Pour les gens qui sont censés nous donner une vision. Et moi, j'ai l'impression qu'on n'a juste aucun indicateur qui vont dans le bon sens, que ce soit en France, mais on le voit en Europe, partout, en fait. On est tous mobilisés, on ne dit pas tous la même chose, mais le message de fond, c'est de dire, on n'a pas de vision. On va dans le mur, on n'a pas de vision, et de l'autre côté, mais en fait, si nous, on se remet pas en question, et si vous ne nous mettez pas en capacité de se remettre en question, parce qu'on est comme ça avec les finances, et parce que vous nous avez mis comme ça pendant 30 ans, parce que de quelques politiques qu'on parle. Ils n'ont pas été fichus de nous donner une vision claire et nette, quelque bord que ce soit. C'est même plus le sujet. Et donc, en fait, se dire, vous nous répondez avec des mesures, alors très bien, on va pallier à l'urgence, on y reviendra peut-être sur les mesures voilà, très, très, très terre-à-terre, très actuelles, quoi. Mais nous, ce qu'on demande, c'est quand on dit on change de logiciel, c'est la vision. Enfin, comment on va pouvoir se positionner ? Moi, je veux bien qu'on dise, bah, écoutez, en France, on va faire de l'écologie, on va faire de l'environnement, et on va vendre ça aux autres touristes européens, et ils viendront se promener en France. Mais qu'on nous le dise, qu'on nous paye pour ça, mais que ce soit honnête et que ce soit fait, voilà. On dit, bah, vous, les agriculteurs, de toute façon, vous allez finir à 100 000 têtes ou 200 000 bonhommes. On vous paye, vous nous entretenez le paysage. Dans les Alpes, vous foutez du loup, comme ça, on va se promener. Dans les Pyrénées, on met un peu d'ours, on fera peut-être un remake de Yellowstone, et puis ça ira très bien. Sauf que nous, si on ne nous le dit pas, on ne peut pas faire les bons choix. Et on met en danger des gens, et voilà, on arrive à des drames humains, des sociétés qui font faillite, voilà, des drames familiaux. Et ça, va falloir à un moment donné qu'on le mette sur le papier et que chacun porte ses responsabilités. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'est-ce que vous voulez de nous ? Est-ce qu'on veut continuer de la production vraiment sur le territoire ? Auquel cas, va falloir faire des concessions parce qu'on ne pourra pas tout se permettre en termes d'écologie et de dogme lié à ça. Et si c'est le cas, comment on s'inscrit dans tout le visage géopolitique européen et international ? Parce que bon, on ne pourra plus acheter du gaz pas cher, et qu'on ne peut plus acheter du gaz pas cher, et que voilà. Je te rassure, ils n'ont qu'un prisme de lecture performant. Ils naviguent à vue. Nous, on les a vus sur la guerre en Ukraine. On a vu le truc se préparer. On a fait des émissions concernant Poutine qui montre ses muscles et ses nouvelles armes. On a même fait venir un scientifique qui était en pointe à l'époque sur ce type de technologie. Mais les mecs, ils sont borgnes. Ouais, ils aveuglent au mieux borgnes. Et ça, c'est inquiétant.
Ouais, je vais rajouter. Enfin, on reprend, on va retourner un petit peu en arrière. On va aller dans la France des années 80-90, à l'agriculture, au top. Ça fonctionnait. Enfin, moi, je veux en parler. Mon père, il m'a dit, dans les années 80-90, ça va, on sortait un peu de revenus. Aujourd'hui, il regrette, oui et non. Il m'a dit, j'ai préféré tout dépenser, faire des enfants et acheter des Golf. Mais en fait, j'aurais dû acheter... Des Golf GTI, bien sûr. Bah, la jeunesse. Mais il m'a dit, à refaire, aujourd'hui, j'aurais dû acheter des murs dans le milieu de Paris ou des trucs du genre pour essayer de créer, mettre d'investissement, essayer de placer de l'argent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, où est l'agriculture française quand on regarde sur la carte monde? Il aurait pu acheter une Citroën VTS quand même, merde. Et aujourd'hui, ça pèse plus rien. Aujourd'hui, l'agriculture française, quand on prend le monde, ça ne pèse plus rien. Moi, je suis beaucoup sur les cours, Euronext, c'est eux qui... Chicago, tout ça, j'essaye de suivre un petit peu. Il y a une application qui est Agritel, qui nous donne les cours sur Euronext, qui nous donne un petit peu les tendances journalières sur le lendemain, etc., qui jamais nous dit ça monte, ça descend, attention, prévoyez. Parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas le magicien qui est capable de nous dire... Ils n'ont peut-être pas le droit de te donner des conseils. Hein. S'ils essayent d'en amener des conseils, parce qu'ils sont là pour essayer de conseiller, et au contraire, eux, plus l'agriculteur va avoir des revenus, plus peut-être l'agriculteur pourrait derrière, après, leur acheter des conseils. Donc, ils essayent d'en amener un petit peu. Mais aujourd'hui, personne n'est capable vraiment de dire. Après, je suis d'accord, il y a géopolitique, Ukraine, d'un seul coup, c'est arrivé. Bah, pouf, non, c'est pas d'un seul coup. C'est pas d'un seul coup. En fait, oui, on avait vu venir, il y avait la Crimée, il y avait des choses, il y avait plein de choses qui s'étaient mises en place. Sauf que, à quel moment exactement on allait pouvoir se dire, c'est là, ce jour-là? Moi, je veux bien, on peut me dire, ben, pourquoi vous n'avez pas anticipé sur de l'achat d'engrais, etc., etc. Eh bien, on est au bout. Moi, je ne peux pas me dire, tiens, là, les prix sont redescendus, la géopolitique n'est pas terrible, allez, hop, je m'investis pour les 3 prochaines années, parce qu'aujourd'hui, j'ai personne qui va me dire, t'es sûr de toi? Non, moi, je ne te suis pas. Aujourd'hui, les banques vont nous dire, bah non, je ne te suis pas. Soit tu te le caches toi-même, tu l'achètes cash direct tout de suite. Sinon, moi, je ne te suis pas. Je ne vais pas t'acheter de la fourniture que tu vas mettre dans un coin de ton bâtiment en quantité extravagante pour te prévoir les 3 prochaines années. Qui va l'assurer? Qui va l'assurer? Puis ça se trouve, bah, ça va repousser. Et puis ton acte géopolitique sera arrivé dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc aujourd'hui, bah, voilà, on était arrivé à bout. On a eu un manque. Bah, d'un seul coup, bah, voilà, la date fatidique est arrivée. Invasion. Hausse des matières premières. Hausse des matières premières sur les céréales. Les agriculteurs ont sauté dessus en se disant « Allez, c'est cool, on va pouvoir vendre un petit peu plus ». Ça fait 10 ans qu'on avait les marchés qui étaient très, très calmes. Très calmes. C'était un vent plat total qui se faisait. Quand on allait rechercher 2 euros, on était gagnant comme tout, on était content, c'était la fête au village, c'était vraiment tout, tout plat. Et d'un seul coup, pof, les parties sur les marchés, ça a explosé là-haut. Tout le monde a acheté dessus. Ça a rechuté. Les charges, engrais, phyto, etc., électricité... Ça a suivi, mais sur un pas de temps légèrement différent. Tout petit écart. Et puis d'un seul coup, bah là, actuellement, c'est ce qu'on critique maintenant, ce qu'on subit, l'effet ciseau. C'est-à-dire, bah, ça s'est croisé. Les prix, là, on me propose d'acheter mon maïs 150 euros la tonne. 150 euros la tonne, c'est un prix que mon père vendait dans les années 2000. C'est un prix qu'on a vendu en 2016. C'est un prix aujourd'hui où bah, on retire tous les systèmes d'inflation. Hein, on est revenu très, très bas. 150 euros, je vends à perte. Mon maïs, il faudrait que je vende 230, 240 euros pour être à peu près équilibré et essayer de me sortir quelque chose. J'ai 10 hectares de maïs, c'est pas énorme, heureusement. Mais là, je le vends à perte. Donc, je l'ai toujours, il est en stock chez moi, en me disant peut-être que je vais aller rechercher 10 euros de plus en espérant, mais je suis pas à l'abri que bah, j'en perde encore 10 euros. Et les charges, là, je suis en train de payer mes charges de l'année dernière, où j'ai acheté des engrais à 650, 700 euros la tonne. Sauf que En 2018-2019, j'ai acheté 200 euros la tonne. On a fait x3 sur les charges, on a fait x2 sur le prix du céréal, super. Et là, pouf, je rembourse mes charges et je vends à 150 euros. Là, j'ai plus d'argent. L'année dernière, on va être clair, hein, l'année dernière, fiscale, je déclare 46 000 avec le revenu de mon épouse. Cette année, c'est le revenu de mon épouse qui va me sortir quelque chose. Je me prends de l'argent, hein.
mais parce que j'en ai besoin sur mon exploitation, parce que j'en ai besoin personnellement, parce que j'ai deux enfants, parce qu'il y en a un qui est à l'école, l'autre, la petite, elle a 16 mois, il faut payer les couches. Donc je prends de l'argent, il faut payer la nounou. Là, je viens de faire une demande sur un accompagnement, sur l'aide, je vais avoir une aide au logement supplémentaire qui va arriver là. Enfin voilà, je demande de l'aide. Là, aujourd'hui, c'est, il faut nous trouver quelque chose. Mais je reste un petit peu un côté optimiste en me disant, c'est une mauvaise année là. C'est parce que t'es jeune, ça. Oui, mais parce qu'on a envie d'y croire. Parce qu'on a envie d'y croire et parce qu'on sait qu'on peut encore changer certaines choses. Mais il faut nous écouter. On a, l'année dernière, chez Jeunes Agriculteurs, on a travaillé sur un rapport d'orientation pour essayer, alors c'est tous les ans, on travaille toute l'année sur des rapports d'orientation sur différents thèmes. Et l'année dernière, c'était sur l'adaptation au changement climatique, l'anticipation du changement climatique. On a tout posé, on a regardé, on a dit, tiens, il y en a qui nous disent 2 degrés, il y en a qui nous disent 4 degrés, il y en a qui nous disent qu'on pollue, d'autres qu'on pollue moins, qu'il faut arrêter l'élevage, qu'il faut en augmenter, qu'il faut mettre plus de ci, plus de ça. On a essayé de tout regrouper. On a essayé de tout remettre et on a travaillé, nous, internes, avec le réseau Jeunes Agriculteurs, pour essayer de trouver des solutions. Essayer de trouver des solutions pour comment travailler avec le changement climatique, comment essayer d'adapter nos exploitations sur l'avenir. Et l'avenir, aujourd'hui, en fait, là, c'est ce qui manque clairement aujourd'hui. Là, vision. Une vision. La vision, elle est où aujourd'hui? Nous, c'est ce qu'on réclame. Là, il y a eu toutes les manifs qu'on a eu là sur le dernier temps. On n'est pas à l'abri que ça reparte. Elle est où, la vision? On n'a aucune vision. On demande une vision sur du long terme. On demande de l'installation. Je vais reprendre mon installation. Je me suis installé avec un plan économique sur 5-7 ans. En 5-7 ans, j'ai tout vu. Je suis installé 2016. Covid, Ukraine, dégringolade. J'ai tout vu. Mon plan économique, je ne l'ai pas tenu. Je ne pouvais pas le tenir. Donc on demande une vision. Nous, c'est ce que disait Pierrick. Au pire, il faut nous le dire. Hein. Si on veut devenir des fonctionnaires, qu'on nous le dise maintenant. Moi, on me donne 3000 euros par mois. Je deviens un fonctionnaire, je mets tout en herbe, tout en jachère, tout en fleurs. Pas tous 3 000 euros par mois, les fonctionnaires. Hein. Mais agriculteurs, enfin, moi, c'est ce que j'essaie de dire à certains quand même. On est quand même le premier. On est 3 fois par jour dans les ménagers, matin, midi et soir. On nourrit les gens, on est la base. Et aujourd'hui, les deux qui se font avoir, c'est la base, le consommateur. Entre deux, il y a un manque quelque part. On ne sait pas trop où va l'argent. Mais ça, c'est un autre sujet, on y reviendra. Et aujourd'hui, on dit, à ce moment-là, vous voulez qu'on soit fonctionnaire, vous voulez qu'on entretienne le paysage, vous voulez plus de phyto, vous voulez plus de ci, vous voulez comme ça, vous voulez... Ok, pas de problème, vous nous payez, on vous fait ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais on veut du revenu aujourd'hui, on veut vivre de l'agriculture. Enfin, je suis né sur une exploitation, j'étais dans un tracteur à 1 an et demi, j'étais sur un tracteur. À 3 ans, j'ai eu un accident, je suis passé sous un tracteur. Et je suis là aujourd'hui et je continue. Toujours beau gosse, hein, ça va. Il me reste qu'une cicatrice. Os occipital, traumatisme crânien, hélicoptère Rouen, enfin la totale. Ah, on est souple à cet âge-là. Ah oui, très souple, ça s'est plutôt bien reconstruit. Le sol, ça a été très compliqué sur l'exploitation. Quand il se passe ça, mon père qui était au volant, moi quand on est tombé du tracteur, ça fout un choc quand même sur l'exploitation. Hein. Donc pendant 1 ou 2 ans, il n'y a plus de tracteur. Hein. J'ai plus vu un tracteur. Il n'y a plus de gamins dans les tracteurs. Ah non, c'était terminé. Et puis, en fait, l'agriculture, c'est dans le sang, en fait, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, c'est dans le sang, c'est une envie, on a envie de la suivre, on a envie de la pousser, on est libre. Et aujourd'hui, c'est ça qui dérange, c'est la liberté. C'est la liberté. Vous n'êtes pas aussi libre que ça. Mais je vais vous remontrer vos chaînes et puis on va en reparler. Oui et non. En fait, je veux dire côté libre, c'est-à-dire, si moi, demain matin... Les semences, tu les achètes où? Les semences... Alors, je fais une partie que je récolte et c'est moi qui fais mes semences. T'as le droit de faire ça? Bien sûr. Bien sûr, j'appelle, moi je garde mes semences, je récolte mon blé, on va prendre un blé, on va prendre une variété, variété X. Pas breveté ? Ah si, c'est les variétés qui sont brevetées, mais aujourd'hui on peut garder cette semence. C'est sur ton coup là. Ah oui, totalement, parce qu'elle est dans le catalogue des semences. Catalogue des semences autorisé et vendu dès le départ. Au moment de l'achat de cette semence-là, on paye une petite part de taxe dessus, sur les renouvellements de semences qui vont servir pour renouveler et pour créer des futures semences. Moi, au moment que je vais reprendre ces semences-là, à la fin, c'est déduit aussi. J'ai ma fiscalité, j'ai ma comptabilité, tout ça, c'est créé en charge dessus. Quand je vends le reste de mes semences, je paye aussi, je vais vendre 200 euros la tonne mon blé, on va me prendre 1 euro, 1,50 euro
sur mes 200 euros qui vont permettre de payer la recherche de semences, le renouvellement des semences et tout ce qui gravite un petit peu autour sur la recherche pour mes futures semences. Donc oui, ça c'est autorisé. Là où après, je vois bien un peu, après c'est sur les variétés anciennes, c'est sur les variétés qui sont plus dans le catalogue ou qui sont sorties, des variétés aujourd'hui qu'on ne peut plus trop travailler. Là, celle-ci crée un peu débat parce que soit elles sont source à maladie ou soit elles sont plus recherchées, soit plus personne ne peut la tenir. Bon, là, c'est un autre sujet. Soit tu sais pas la faire pousser. Aujourd'hui, moi, je suis sur une variété, je suis bête et méchant. Hein. On me sort un catalogue, on me dit, celle-là, tac, elle va bien. Celle-là, attention, elle est un peu plus à risque à maladie. Celle-là, bonne production, mais elle aime pas la sécheresse. Bon, je regarde mes qualités de sol, je regarde ce qui fonctionne chez moi, je fais ma sélection. Tu les regardes comment, tes qualités de sol ? Analyse de sol. En fait. Combien ça coûte ? Alors, il y a. Sur quelle profondeur ? Alors, il y a plusieurs analyses. On va dire. On va avoir la simple reliquat azoté, c'est-à-dire tous les ans, moi je suis dans une zone vulnérable, dite vulnérable, aujourd'hui il y a une grosse partie de la France qui est en zone vulnérable, donc c'est-à-dire avant de mettre pour pouvoir mettre de l'engrais dessus, il faut que je prenne une petite carotte de terre sur 30 et 60, moi je ne peux pas descendre plus parce que mon profondeur de sol, après je suis sur une sol dure, mais dans les vraiment grosses terres profondes, ils peuvent même aller chercher à 90 cm de sol, ils en font 3. Ils analysent et dedans ils sortent le reliquat restant qui a 90 centimètres de profondeur. C'est que dalle. C'est que dalle. Maintenant, c'est. Tes racines, elles descendent à combien de ton blé que super. Ouais, alors après, ça dépend des cultures et ça dépend aussi des types de sol et de la faisabilité. Mais une racine qui descend à 90 cm, on est déjà sur des sols quand même très performants, des sols qui fonctionnent très bien. Moi, chez moi, quand elles touchent la roche, elles sont à 60 cm, elles essayent de se créer un chemin, on arrive vraiment au bout. Après, il y a des variétés, il y a des cultures qui vont plus loin que d'autres. L'avoine a un système racinaire beaucoup plus profond. Ouais, ça perce, ça va fort. Sur ton analyse de sol, il te propose combien. Donc là, sur mon analyse de sol, j'ai mes reliquats, j'ai mes restes. Combien de petites bêtes qui sont vivantes ? Quel type de. Alors, ça, c'est une autre analyse de sol. Ça, c'en est une autre après. Pour connaître ce qu'on a dans le sol, phosphore, potassium, le bore, le zinc, le fer, tout ce qu'il y a dedans. Matière organique, le pH, voilà, la totale. Ça, c'est la grosse totale. Donc, celle-là, elle coûte 250-300 euros. Moi, j'en fais 3 par an. Systématiquement, tous les ans, je me dis, il faut que j'en fasse 3. J'ai mes parcelles, je fais un roulement tous les ans pour voir s'il faut des choses que je rapporte ou pas. Parce que tout ce qu'on apporte, ça coûte. Et si je peux m'en passer, je le fais. Parce que à la fin, c'est là que ça peut revenir. Donc, je peux te poser une question ? Vas-y. La qualité des sols en France, elle est comment ? Avec une agriculture intensive depuis les 30 dernières années, avec des intrants à gogo, est-ce que la qualité des sols en France, elle peut résister à on arrête de mettre des choses dedans et quels vont être les rendements ? Aujourd'hui, ça va résister sans problème. Aujourd'hui, demain, on se dit stop, on arrête tout phyto et on met des cultures. Et plus d'engrais, plus d'insecticides, tout ça ? On va perdre des rendements. Combien ? On est sur, je veux pas trop m'avancer, mais on est sur un bon plus de 50% de perte. Pourquoi ? Parce que c'est les engrais en moins. Tu fais combien en blé ? En blé, chez moi, je fais 7 tonnes, 5, 8 tonnes de blé à l'hectare, pour 1 hectare. Combien de tonnes d'engrais ? Et je mets, c'est en unité azotée, alors attends que je refasse le calcul comme ça de tête, je vais être à peu près à 400 kilos total, qui vont me représenter 150, 160 unités d'azote. En fait, parce que quand on achète, c'est comme sur les produits phyto, quand on achète le bidon qui fait 10 litres, dedans il y a un poids de matière active. S'il est gradé à 0,39, s'il est gradé à 0,33, voilà, c'est sur une base 1. Donc je vais mettre. K. 2. 3. Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Vas-y. Donc en azote, tu mets combien ? En azote, 430-450 kilos à peu près, qui me représente 150 unités d'engrais sur un champ de blé. Sur un champ de colza, je vais être plutôt autour de 180 unités. Le colza un peu plus gourmand en azote. Et à l'inverse, en face, on a les pois et les févroles, où on met zéro. Parce que dessus, sur les racines, on a des petites boules blanches qui s'appellent des nodosités. Et ça, le pois capte l'azote de l'air, le redonne dans le sol, nourrit la plante, et derrière, quand la plante, le pois ou la févrole est récoltée, on sème un blé dedans. On sait que moi, dès le départ, quand je mets un blé derrière des pois, je vais retirer entre 30 et 40 unités, parce que la culture d'avant l'a relâché dans le sol. Donc ça va faire bénéfice à mes cultures. Et tout seul, toi, à faire ça ?
Est-ce qu'il y en a de plus en plus qui essayent de travailler ces sols? Ah, il y en a de plus en plus. Alors, oui, pour des questions économiques ou pour des questions de, on arrête de balancer n'importe quoi dans les sols? Bah, parce que ça coûte cher. Parce que quand je t'écoute, j'ai l'impression d'entendre un mec à Amsterdam qui m'explique la culture semi-hydroponique du chanvre textile. Tu vois, c'est-à-dire, si tu mets pas d'intrants, non, ça va pas le faire. Alors, c'est pas de l'hydroponique. Non. Mais ça mais commence à y ressembler quand même. Moi, je me dis, je suis en sorte de permaculture industrielle. C'est-à-dire, je suis en grande culture. En transition, quoi. Ouais, en fait, je suis en culture de conservation des sols. Donc, je travaille plus mon sol. Je récolte, je sème un couvert. Donc, un couvert, c'est de la moutarde. C'est de la moutarde. Pas pour consommer en moutarde, mais bon, je la récolte pas. La moutarde, elle va créer un système racinaire qui va aller capter l'azote, qui va le remonter dans la plante. Au moment de la destruction de la plante, choup, elle le relargue. Bénéfice pour la culture qui suit. Pois févrole, elle capte dans l'air, bénéfice derrière. De l'avoine, gros système racinaire, elle structure le sol. Au moment qu'elle est détruite, mon blé est dedans, les racines, le chemin, il est fait. Il y a plein de petites cultures comme ça. On crée ça, au moment de ma destruction, je laisse tout le paillage sur le dessus. Donc tout le paillage qui est sur le dessus va me recouvrir le sol. Maintenant, grosse permaculture, on va mettre 10 cm de paille. Dedans, ça va vraiment, la chaleur va éviter de pénétrer, vraiment garder l'humidité. Moi, en grande culture, je vais jouer sur 1, 2, 3 cm. Mais tous les ans. Tous les ans. Quand je me suis installé, j'étais à 1, 2 de pourcentage de matière organique sur mon sol. Là, en ce moment, les dernières analyses que je viens de recevoir, je suis entre 2,5 et 2,7. Donc, j'ai augmenté mon taux de matière organique. En augmentant le taux de matière organique, je capte mieux l'eau. Quand il pleut, les pailles conservent plus l'humidité. Donc, je suis moins source d'érosion par la pluie. Avec un sol couvert et non travaillé, je suis moins aussi à l'érosion par le vent. Quand on travaille un sol, tout ce qu'on voit voler, c'est la poussière et autres, c'est de l'argile. C'est la meilleure des terres. C'est la plus belle, c'est la... Voilà. Et celle-là, aujourd'hui, quand elle s'envole, malheureusement, elle se retrouve sur nos capots, elle se retrouve sur les toits, elle se retrouve sur les routes. C'est pas le but. L'idée, c'est vraiment de la garder. Moi, je suis plutôt parti là-dessus. Et puis, c'est surtout mon gros point, c'est en termes de finances. Je voulais faire des économies de matériel et des économies carburant. Carburant, aujourd'hui, une agriculture, on va dire une exploitation moyenne, va consommer entre 100 et 120 litres de carburant à l'hectare. Là, sur l'année 2023, je suis à 56 litres, exactement. Moissonneuse et moisson comprises. Donc, parce que c'est la moisson qui me coûte le plus. Hein, la moissonneuse doit consommer quasiment 30 litres, elle toute seule à l'hectare. Donc, tout compris, voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, j'ai diminué par deux mes coûts de carburant, donc beaucoup moins dépendant. Et puis, j'ai des sols qui fonctionnent mieux. Et tes rendements ? Et rendement, j'ai vu une petite baisse sur le début. Là, aujourd'hui, je suis en train de revenir à stabiliser un peu. Malheureusement, je suis sur des sols où, ce que je disais, j'ai 60 cm de terre. En dessous, j'arrive sur de la roche, j'arrive sur du dur. Les dernières années, vraiment à coup de sec, là. Alors oui, avec ma matière organique, je vais, avant que ma culture décroche et qu'elle fane, je vais peut-être gagner 2-3 jours. En fait, on a le changement climatique qui est clairement là. Et quand tu te prends un coup de sécheresse qui dure un mois, je suis comme tout le monde. Plof, ça crève. On va reparler des bassines et des rétentions d'eau. Pierrick, quand on tend ton bras droit, au niveau de votre syndicat, ça parle de ce type de changement de pratique, ouais. Genre arrêter de labourer 40 cm de profond, ouais. C'est-à-dire retourner des organismes qui ne devraient pas être à 10 cm proche de l'air. Est-ce que cette psychologie change? Ouais. C'est pour des questions financières, pour des questions de respect de l'environnement, pour des questions de coûts, pour des questions de... On s'adapte parce qu'il faut survivre. J'ai envie de te dire, t'as un peu tous les profils chez GIA. T'as les mecs qui sont là pour l'économie, qui se disent le semi-direct, l'agriculture de conservation des sols. J'ai fait mon calcul, je consomme 2/3 de moins qu'en bio. Hein. Par exemple, moi, je suis à 176 litres à l'hectare. Je laboure à 30 cm de profond, sinon j'ai de l'herbe partout. Et je produis 2/3 de moins que Quentin à l'hectare. Mais c'est la réalité. Hein. Moi, je ne peux pas amener d'azote minéral. Enfin, bref. Et donc, en fait, il y a une partie des gars qui se disent, des gars et des nénettes, hein, 30% de nénettes qui s'installent en agriculture. De femmes qui s'installent en agriculture. Donc, il y a tous les profils. Il y en a, c'est vraiment pour l'économique, le business. Et voilà, si demain, ça revient, le business avec les produits phyto, ça partira sur les produits phyto.
Et il y a des profils qui sont quand même, moi j'estime, la majorité, qui se disent « mais en fait, nous, on n'a pas envie de pourrir le sol de nos gamins, on n'a pas envie de laisser une terre dégueulasse. Et l'agriculture de conservation, ça constitue un modèle qui est plutôt vertueux. L'agriculture bio, sur des modèles d'élevage extensif, c'est-à-dire du pâturage sur de la prairie permanente ou des estives ou quoi, bah, ça constitue quelque chose de vertueux. Et voilà. Et donc, en fait, il y a quand même plutôt des gens qui sont sensibles à ça, sur le côté environnement purement, quoi, écologie et sensibilité. Parce qu'on est né aussi à un siècle où, enfin, moi, je veux dire… Vous avez 33 ans, tous les deux. Ouais. Et donc, les questions environnementales, j'ai l'impression qu'elles me concernent un peu plus que quand je discute avec mon grand-père qui dit attends, le bidon, il y a combien là? Ouah, faut doubler la dose. Et sans masque. Et sans masque, voilà. Et je vais touiller avec les doigts. Enfin, j'exagère à peine, quoi. Pas loin. Ouais. Et donc, moi, non, je vais mettre une combinaison de cosmonautes. Il va se foutre de ma gueule, mais c'est pas grave parce que, voilà, je vais essayer de garder ma santé le plus longtemps possible parce que d'abord j'ai pas envie de mourir sur mon tracteur à 60 et quelques années. L'espérance de vie d'un agriculteur en France c'est combien en ce moment? Bonne question. Et je me demande si j'avais pas vu un article passé comme quoi même les agriculteurs vivaient plus. Alors mais attends. Alors, si t'as pas la source, tu gardes ça pour toi. Ah bah je garde ça pour moi, mais s'il y en a qui veulent regarder, je pense qu'ils peuvent regarder. Parce que même là, d'un coup, je suis curieux. Je sais pas l'espérance de vie moyenne d'un agriculteur. Déjà la moyenne nationale, je ne sais même plus combien on est maintenant. Mais en tout cas, ce que je me dis, c'est que bon, moi, j'ai pas envie de mourir sur mon tracteur. J'ai pas envie de voilà, j'ai envie après mon activité professionnelle de bah voilà, je sais pas, d'aller voyager dans le monde, faire du bateau, d'autres trucs, parce que voilà, il y a d'autres trucs qui m'attirent dans la vie que de travailler. Peut-être former des jeunes. Ou former des jeunes, voilà, et en tout cas donner l'envie, mais aussi à un moment donné dire ben stop, enfin moi j'ai contribué voilà, à l'alimentation, à la défense syndicale, et enfin, voilà, j'ai d'autres projets de vie aussi. T'as les enfants, tu vas pas être... Ouais, j'ai un grand de 10 ans et un autre qui va avoir 3 ans là, fin avril. Et donc voilà, j'ai aussi envie de. Enfin, cette sensibilité-là, moi je me dis. Enfin, les enfants, on les élève à la ferme, on les élève dehors, en tout cas, enfin voilà, quand on est agriculteur. Et je me dis, mais. Enfin, pourquoi, sous prétexte qu'il faudrait produire pour des raisons économiques, alors qu'on a les capacités de le faire différemment, peut-être que mon grand-père ne les avait pas à l'époque, et qu'aujourd'hui on les a, pourquoi on ne les saisit pas? Et en fait, c'est tout ce public-là qu'on a chez Jeunes Agriculteurs, notamment, mais qu'il y a aussi dans d'autres syndicats, qui se disent, ben voilà, on veut produire différemment, par contre, on veut gagner du pognon, on veut avoir une vie sociale, et on ne veut pas faire ça toute notre vie. Et donc, ben, l'agriculture de conservation des sols, pour le modèle grande culture, fonctionne. Et puis, il y a d'autres modèles qui fonctionnent pour la viticulture, pour l'élevage, et voilà. On reparlera de la transmission des exploitations et du renouvellement des agriculteurs. On revient sur le côté géopolitique, guerre économique. Il y a un acteur étatique qui va voir les syndicats pour faire passer le message qu'eux, ils anticipent ça ou pas du tout? Il y en a un qui est chargé de cette mission à la base. Hein. C'est qui? C'est le ministre de l'Agriculture. Hein, le celui qui sait combien? Alors, un hectare, ça fait combien? Non, pas celui-là. C'était pas celui-là. Le bon ministre de l'Agriculture. Mais merde, fais gaffe, il est aux finances. Bref, bon, il a peut-être pris des cours de maths, j'en sais rien. Il a pris des cours d'écriture. Ouais, oui, c'est vrai, pas faux. Il a pris des cours de littérature. Bon, je ne suis pas sûr que ça nous aide beaucoup dans la situation économique du pays, mais bref. Non, normalement, celui qui est censé nous apporter la vision, parce qu'il a cette capacité à prendre du recul parce qu'il consulte les OPA, les syndicats, tous les acteurs. Les services de renseignement, si grand bien lui fasse, de nous dire, ben voilà les gars, il faut que vous alliez là-dedans parce que c'est la vérité, parce que voilà. Est-ce que vous avez entendu, il faut réarmer l'agriculture? Ah oui, il faut tout réarmer en ce moment. Est-ce que vous avez entendu, il faut militariser l'agriculture? Celui-là, je ne l'ai pas entendu. T'inquiète pas, ça va venir. Ah, bon, on se prépare, alors... Tu te prépares comment, alors? Là, on entend les Allemands qui disent « Dans 5 ans, il faut être prêt à la guerre ». On entend les Polonais qui sont en train de couiner un petit peu, les Estoniens, les Lituaniens, les Finlandais, les Suédois sont tous en train de faire « Ouï, 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 ouï ». Il y a le monstre russe qui est parti depuis les 8 dernières années, qui a designé son économie en mode économie de guerre, comme on a des pignoufs, on n'a rien vu venir. Et ils viennent de se rendre compte que y a une stratégie de guerre, une économie de guerre qui est mise en place, et qu'avant que le mammouth ralentisse, le mammouth risque un petit peu de leur marcher sur leur plate-bande. Donc,
Vous, vous êtes en première ligne pour nourrir les gens. Vous êtes l'armée de l'estomac. Donc militariser l'agriculture, bon ça ils en sont pas encore là, mais vous inquiétez pas, ils vous appellent quand ça va commencer à chauffer. Et réarmer l'agriculture. Alors réarmer l'agriculture, enfin en fait tout ça, moi je veux bien, mais amener les gens à avoir peur pour se dire qu'on a pris les bonnes décisions politiquement, je pense qu'ils ont pas encore bien compris l'enjeu de leur métier, ces gens-là. Parce que c'est pas en cultivant la peur, notamment chez les agriculteurs, parce qu'on parle de ça, qu'on va amener les agriculteurs à prendre des bonnes décisions. Moi, je pense qu'il faut surtout se dire, attendez, il y a des enjeux colossaux, tous les autres pays, il faut réarmer, machin et tout. Mais on peut se dire qu'il y a certaines choses qui fonctionnent très bien et qu'on a un savoir-faire en agriculture en France et qu'on a une traçabilité. Et il y a des repères forts qu'on valorise pas du tout. On nous a tous amenés à faire de la qualité. Moi, le premier, je me suis dit, voilà, faut faire du bio. J'ai fait du bio. Je suis incapable de valoriser mes produits en bio. J'arrive pas à les vendre sur le marché bio. Il n'y a plus de marché bio. On l'a pété. On nous a fait monter en gamme. Très bien. C'était l'Eldorado et tout. Super. Ça ne marche pas. Et donc, en fait, quand on dit réarmer l'agriculture, c'est quoi? C'est on fait peur aux mecs et on leur explique qu'on va droit dans le mur et que de toute façon, nous, on est incapable de prendre des décisions. Enfin, moi, je le lis comme ça. Quand on dit je vais réarmer l'agriculture, on excite tout le monde. Mais c'est quoi l'objectif final? C'est de faire du bruit avec sa bouche et agiter les bras? Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Sauf que nous, ce qu'on demande, c'est... Ok, vous vous faites peur, vous vous gérez la peur. Moi, je pense que le politique, tant qu'il commandera avec la peur, il sera incompétent. Et bon, ça fonctionne comme ça. Bon. J'ai l'impression qu'ils gèrent quelque chose, là? Non, ils subissent. Ils subissent. Enfin, je veux dire, ils subissent. Et nous, derrière, on subit bêtement parce que, voilà, on prend tout dans la tronche. Et ça, ça ne nous amène pas à avoir une vision. Et pourtant, on demande une vision. Et donc, en fait, à un moment donné, ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils ont la capacité à pouvoir prendre du recul parce qu'ils ont accès à des informations, à une vision qu'on n'a pas. Enfin, je veux dire, c'est pas... À l'Europe, ils voient bien comment leurs petits camarades réagissent quand ils appuient sur tel ou tel bouton ou qu'ils déclenchent tel ou tel truc. Et pourquoi, nous, ils nous remettent... Enfin, pourquoi ils nous ramènent pas ça pour qu'on se le mette en perspective? Parce que moi, j'ai envie de nourrir mon pays. Enfin, je le fais. C'est un choix de vie, je me régale à faire de la bouffe et de la faire comme il faut. Et j'ai envie de le faire. On parlera de l'abattage de tes vaches un peu plus tard. Oui, pas de problème. Et en fait, voilà, je veux dire, c'est ça qu'on leur dit, mais en fait, pourquoi vous n'êtes pas capable de nous amener une vision alors qu'il y a tous les signaux? Et cette culture de la peur pour prendre des décisions, en agriculture, on sait que ça ne fonctionne pas. Bon, après, il ne faut pas être complètement myope, se dire non, tout va bien, vous inquiétez pas, il ne se passe rien. On voit bien que voilà, on se prépare à des conflits armés, on parle beaucoup d'armement, tout le monde remet des milliards sur l'armement de chacun de son pays. On n'est même pas tous d'accord entre. Enfin, c'est illisible pour l'agriculteur lambda qui veut produire. Voilà, et c'est ça qu'on dénonce. Et quand ces mecs-là sont élus, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de leur mandat et de leur fonction. Et qui prennent des décisions et qui nous disent bon ben voilà, ça sera comme si ça sera comme ça, plutôt que voilà, des grandes concertations, des machins, des trucs. On n'a plus le temps là. On n'a plus le temps, faut bombarder. Pour le coup, tiens, voilà, faut bombarder. Non mais c'est vrai, je veux dire, enfin si on réarme l'agriculture, faut qu'on bombarde. Il faut qu'on... On réarme où ? Eh bien on réarme parce qu'on va installer des jeunes, parce qu'on va former des salariés en agriculture aussi, parce que tout le monde n'est pas voué à devenir un chef d'exploitation agricole, tout le monde n'est pas voué à être entrepreneur, agriculteur ou paysan, tout le monde n'est pas voué à devenir paysan, comme ça on parle de tous les modèles. Et voilà, et donc il faut former aussi des salariés, il faut, voilà, c'est ça réarmer, c'est pas vous dire, ben on va vous filer du pognon parce que vous gueulez un peu plus fort que d'habitude, et comme ça vous allez vous taire. Ça c'est pas régler les problèmes. Même si, évidemment, ça concerne toute une frange de personnes qui sont dans le besoin, parce que, je le disais tout à l'heure, la politique de 30 ans en arrière, qui n'en était pas une et qui n'apporte rien, et ben, si ces gens-là prétendent qu'ils sont mieux que leurs prédécesseurs, ben, qu'ils nous le démontrent. Quentin. Non, mais il y a un truc quand même qui existe et qu'on connaît tous, c'est quand même l'histoire. Et sur l'histoire, je pense qu'on l'oublie très vite. En fait, l'agriculture a toujours trinqué dans tous les sens, dans toutes les guerres, tout le temps. On avait besoin des agriculteurs pour aller au front quand il y a eu les guerres. Il fallait redonner vite, agriculteurs, produisez, il faut nourrir, et vas-y, on y va. Et c'est là que derrière, il y a eu des miracles, j'ai envie de dire, les avancées phyto, les avancées engrais, mécanisation, technologie qui sont arrivées après les secondes guerres mondiales, parce qu'il fallait vite redonner à manger. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des pas de temps où on a loupé plein de choses. Et puis on a dit non, l'agriculture, c'est rien. Et puis quand finalement tout le monde avait faim, ah zut, oui, c'est pas le tout d'envoyer du monde à la guerre, mais il faut peut-être les nourrir quand même un petit peu. Là, aujourd'hui, enfin, je suis désolé, il y en a un qui doit bien rigoler et bien se frotter les mains, quand même. Hein. Voilà. Chercher, hein, il est complètement à l'est. Lui, là, il a regardé, on y a tous tapé dessus. Ah bon, hein, ça envahit. Allez, tiens, on te met ça. Et là, toute l'Europe bouge sur l'agriculture. Et
je ne veux pas dire, mais l'agriculture aujourd'hui russe, aujourd'hui ils sont là, demain ils sont là-haut. Eux, réchauffement climatique, hein, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, on va se le dire, réchauffement climatique, ça fonctionne. Ça va aider la Russie pour demain, clairement. Parce que ça libère parce qu'aujourd'hui, la Sibérie est en train de reculer au fur et à mesure. La glace et les neiges sont en train de fondre. Le permafrost. Totalement. Mais le méthane. Ah ben ça redégage, mais après on n'a pas les mêmes politiques environnementales. Entre nous, la France, on essaye de faire plus vert et être le plus vert dans l'autre tous les se copains. Marre avec l'épée de ses vaches là. Voilà, nous en France, il va bientôt falloir qu'ils mettent des sacs pour les récupérer. Là-bas, en Russie, il n'y a pas de problème pour ça. Hein. C'est pas grave, on y va. Avez goûté les tomates en Russie? Non. 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 Ça vaut le coup. Ah, ça vaut le coup. Ah bon? Ah ouais, d'accord. On va se garder ça. Ah non, mais ça, c'est un truc extraordinaire. Non, mais eux, ça, c'est un truc qui m'a choqué, d'ailleurs. Le goût des tomates en Russie, c'est à milieu du goût des tomates qu'on a en France. Hein. Et ouais. Pourtant, j'ai des copains qui font des variétés anciennes, de machin, de bidule. Ah, mais on continue, je te coupe avec... Oui, mais voilà, l'agriculture russe... Eux, tous les ans, se libèrent des milliers d'hectares supplémentaires parce que voilà, ils en retrouvent. Ils sont capables. Et puis là, ils en veulent un peu chez les Ukrainiens. Bah, en plus, de temps en temps, là, il y a une petite guerre. Alors, on va détourner deux, trois bateaux, ça récupère un peu, ça renfloue les stocks. Tous les ans, ils tapent des records. Tous les ans. Tu suis ça comment ? Euronext Agritel, c'est la petite application que je suis. Dessus, ils nous mettent, on a tous les rapports qui tombent, monde, pour les États-Unis, rapport USDA. USDA, c'est le ministère de l'agriculture américaine, qui tous les 15 jours nous sort un rapport sur l'état des stocks et l'état des récoltes monde. On connaît les plus grands tricheurs, on va dire, les petits menteurs monde, ce sont les Russes et puis les Chinois. Alors les Chinois, ils sont côté menteurs, mais le problème du Chinois, de Chine... Si tu dis que c'est des menteurs, il faut leur donner des chiffres. Mais en fait, c'est pas en fait pour eux, malheureusement, le côté mensonge, c'est qu'en fait la Chine est tellement grande qu'il y a tellement de petites exploitations que si dans toutes les exploitations il y a une tonne de blé qui est stockée quelque part, ils sont pas capables de la quantifier. Donc ils nous annoncent en fait des chiffres, finalement ça se rattrape. Voilà, c'est un peu au doigt mouillé. Alors ils arrivent à mieux quantifier, c'est de mieux en mieux. Mais du coup, quand on fait les bilans annuels, on fait le bilan hors Chine et le bilan avec Chine. Parce que la Chine est un gros importateur quand même. La Chine a un aléa climatique sur une grosse partie de la région. En fait, la Chine a divisé, parce que c'est les productions et que ça fonctionne mieux dans une région qu'une autre, entre le blé, entre le riz, entre toutes les autres cultures. Et du coup, ça, quand il y a un aléa climatique sur un endroit, ils deviennent 100% importateurs. Donc la Chine, on reste toujours très méfiant sur la Chine parce que du jour au lendemain... Et l'Afrique, elle n'aime pas trop en général. Ah bah non, du tout. Et puis après, de l'autre côté, on avait les Russes. Les Russes qui ont raconté énormément de choses sur les dernières années. Et là, les Russes, tous les ans, ils viennent depuis 2016, 17, ils arrivent. On tape du record. Oh, nous, non, c'est pas vrai, c'est des mensonges. Puis tous les ans. Puis en fait, on regarde ce qu'ils annoncent. Et puis après, un truc que peut tout le monde voir, hein, c'est l'exportation. Qu'est-ce qu'ils sortent? On connaît la population, on connaît l'exportation. On n'est pas loin d'avoir le tonnage qu'ils ont produit chez eux. Et en fait, non, ils mentent plus. Ils mentent plus. Aujourd'hui, la production en Russie, elle est exponentielle. Là, aujourd'hui, on tourne quasiment entre 90 millions et 100 millions de tonnes. Si on continue sur le graphique comme ils sont là, je veux pas dire bêtises, mais dans 15-20 ans, ils sont à 150 millions de tonnes. La Russie... Imagine s'ils prennent l'Ukraine dans son intégralité. Bah, je veux même pas en parler. Enfin, bon, voilà. En termes de pression géopolitique, compliquée la géopolitique. Très forte, aujourd'hui, très forte. C'est malheureux, hein, mais l'alimentation, l'agriculture, est une place forte des échanges, des discours, des géopolitiques. On peut serrer et fermer le robinet et affamer quelqu'un. Et comme avec les robinets de gaz. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, l'agriculture, c'est de la calorie. Ouais, mais c'est ça. On sous-alimente ou on suralimente. Les marchés étaient forts. Juin, juillet, on commençait à avoir une petite baisse sur les marchés céréales. Et grosse récolte en Russie encore cette année. Poutine annonce, j'ai des bateaux en trop, j'ai du blé en trop. Je vais envoyer gratuitement en Afrique des bateaux. Bon, il a mis du temps quand même. Ça a mis du temps. Quand ils sont partis, on les a vus. Hein. Pouf. Là, le marché est complètement en bas, parce que envoyer l'alimentation, et nous, on n'était plus en termes de concurrence, ils les envoient à zéro. Donc on a des pays qui sont arrivés à côté, ils ont dit, attends, ils les envoient à zéro. Moi, je vais vous les acheter quand même. Mais au lieu de les acheter à $200, je vais vous les acheter que 160. Bah non.
Bah, regardez, oh, oh, un bateau supplémentaire qui va gratuitement. Vous êtes sûr? Parce que sinon, j'appelle... Antonnage, ça ne représentait rien du tout. Antonnage, ça ne reproduit rien, sauf que c'est un message très fort. Hein. C'est un message très fort. Quand on commence à envoyer un ou deux bateaux gratuitement sur un pays, c'est un message très fort. Ça veut dire, les gars, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qui va bien. Vous avez voulu m'attaquer sur la finance? Regardez, j'envoie gratuitement. Vous m'attaquez sur l'agriculture? Regardez, j'envoie gratuitement. C'est un message. Hein. Les répercussions de l'Ukraine, là, on voit les agriculteurs polonais qui râlent parce que c'est pas les mêmes normes, c'est pas le même prix. Les poulets qui sont pas élevés comme chez nous, les œufs qui sont pas produits comme chez nous, le blé qui est pas produit comme chez nous. Et ça passe, il n'y a pas de taxe douanière, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez me développer un peu ça? En fait, ouais, sur l'Ukraine, ils sont pas dans l'Union européenne, ça aura échappé à personne, évidemment. Ils y sont peut-être bientôt. Bon, voilà. En tout cas, nous. Ça va être savoir quel impact qui rentre dans l'Union européenne pour vous, les agriculteurs. Franchement, c'est une catastrophe. Faut pas. Quoi? Parce qu'en termes de production, de standards de production et de quantité de production, ils vont être obligés de se foutre avec nos normes. Mais jamais de la vie, ça marche pas comme ça en Europe. Ça marche comme ça à la télévision européenne, mais ça marche pas comme ça sur le territoire européen. Les Espagnols ont pas le même degré de normes pour l'utilisation des phytosanitaires sur leurs légumes qu'en France. Les Italiens. Sur ton coup là. Il y a des produits qui sont utilisés en agriculture en Espagne, pardon, qui sont plus utilisés en France. Il y a un truc, la ferme des 1000 vaches en France, ça n'existe pas. On en a fait un totem. Moi, j'habite à 3 heures de l'Italie en bagnole. Vous descendez dans la plaine du Pô, des fermes où il y a 4000 animaux à l'engraissement, c'est légion, ça pose problème à personne. Donc, les mentalités sont différentes au sein des pays. Et donc, la relation avec l'agriculture, déjà sur les pays qui font partie de la communauté européenne, ne sont pas tout à fait les mêmes. Je ne parle même pas de la question sociale, hein, du SMIC espagnol, du SMIC français. Et donc, il y a quand même cette question de distorsion de concurrence qu'on dénonce, nous, au sein de nos petits camarades de l'Union européenne. Si demain on fait rentrer l'Ukraine, il y a un gars qui fait du poulet en Ukraine, il pèse 1 milliard d'euros à lui tout seul. Les Bretons, là, on dit que c'est de l'élevage industriel, il va falloir qu'ils s'énervent les cocos, parce que, je veux dire, l'autre, s'il éternue, ses poulets, ils arrivent, c'est colossal. Et sur la céréale, c'est pareil, je veux dire, les fermes ukrainiennes, c'est 20 000 hectares. Nous, apparemment, voilà, quand on a 700... Petit joueur. Ouais, le mec... Président de la FNSEA avec ses 700 hectares, je veux dire, c'est un Mickey, quoi. Bah oui, ouais, c'est un Mickey à côté d'un Ukrainien qui en a 20 000 et qui embauche je sais pas quelle ethnie pour conduire ses tracteurs. Enfin, je veux dire, de quoi on parle? Et c'est ça qui nous pose problème quand on dit on va faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Moi, j'ai pas de problème avec les Ukrainiens. Ravi, super, génial, on a besoin de plein de monde et tout. Mais avant ça, faut qu'on harmonise en Europe. Tout à l'heure la question des produits phyto. Il y a la question de l'interprétation, ne serait-ce que du cahier des charges bio. Il n'est pas toujours interprété pareil par les organismes certificateurs italiens, espagnols ou français. Et ça crée de la concurrence, ça crée de la défiance quand on est tous là en plus à agiter la peur parce qu'il y a des vrais enjeux. Et ça, ça ne nous rassure pas et c'est un problème. Et c'est un problème que je ne suis pas sûr que le fait de dire on va faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, je n'ai pas l'impression que ça nous amène vers de la sérénité. Juste, on met en perspective ce que je disais tout à l'heure. Si on nous déclare comme le parc du Yellowstone, là, les Français, en disant bah, les gars, on va faire venir nos touristes chez vous et vous entretiendrez le paysage pour faire ça. Après tout, ma foi, si les Ukrainiens ils ont 20 000 hectares et qu'ils font du poulet à 3 balles sur nos étals... Donc c'est pas grave, de toute façon on sera le parc du Yellowstone et on sera payé pour l'entretenir. Le poulet de chez nous qui va bien là. Le bon poulet du fermier du Gers ou même breton là à 20 balles le kilo. Bon label rouge. Ouais, le poulet loué, enfin le poulet classique. Oui, c'est une marque. Bon, ah oui, c'est vrai, non, bah, le poulet de Bresse, enfin on a des labels rouges sur du poulet, il est bon. Moi, enfin je veux dire. Ma mère, elle est à la Confédération Paysanne, elle produit du poulet fermier. Salut Sylvie. j'en aurais pas ses dédicaces ce soir. Et en fait, elle fait un poulet. Bon, mais je veux dire, moi, je peux pas manger un autre poulet. Depuis que je suis né, je mange ce poulet-là. C'est un poulet fermier, mais c'est un poulet que. Tu manges assise dessus, quoi. Dessus pendant 3 jours, parce que le poulet, il va faire 2,5 kg, 3 kg. Et que c'est un poulet qui elle vend 18 balles du kilo, mais parce que son aliment, il est fait à la ferme, avec des céréales qui sont récupérées 30 km autour, et parce qu'elle a une production confidentielle, c'est moins de 1000 volailles par an, et elle arrive à en vivre. Et donc, en fait,
moi je me dis, comment quelqu'un qui mange ce poulet-là, qui achète ce poulet-là, demain il va pouvoir manger un poulet ukrainien plumé avec je sais pas quel produit, ou enfin je veux dire, c'est le gap, il est trop important. Et donc en fait, ce qu'on dit, c'est, moi je veux bien du peuple ukrainien en Europe, il n'y a pas de problème, hein, mais sur la production agricole, waouh, nous on n'est pas prêts. Nous on n'est pas prêts parce qu'on a 30 ans de politique de retard, on n'est pas sur les mêmes enjeux. Et c'est tout le sujet là qu'on a avec aussi les traités transatlantiques, les traités Mercosur, de commerce, ouais, ah, Mercosur, le Chili, bon, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, je le disais tout à l'heure, en fait, nos petits camarades d'hier ne sont plus nos collègues d'aujourd'hui. C'est des ennemis. Ah, c'est pas à moi de répondre à la question, c'est les politiques qui peuvent y répondre. Moi, je me sens pas menacé directement par la Russie ou par les Chinois. Mais en tout cas, ça redessine la mondialisation, ça redessine le commerce international. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on aille en Océanie, essayer de vendre quelques sous-marins, quelques trucs qui viennent de chez nous. Ça marche pas, ça. Ouais, ils nous ont fait à l'envers, pas faux. Mais alors du coup, on va essayer en Amérique du Sud. Peut-être que ceux-là sont... On a refourgué plus... des vieux porte-avions, je crois. Ouais, bon, on a deux, trois reliques à refourguer. Nous, ce qu'on dit, pourquoi pas. Il y a Atos, on a refourgué Atos, refourgué quoi d'autre, ouais, Alstom. Moi je trouve qu'en commerce international, Technip, sur nos reliques, on n'est pas mauvais. Bah, c'est même pas qu'on s'est refourgué, on se les a fait piquer peut-être, ouais, non. Ouais, ouais, sous vendu, on les a... Je pense que, ouais, on se les a fait piquer, on nous a vendu ça comme on les avait refourgués, mais enfin bon, bref, chacun mettra le curseur où il veut, mais moi ce que je dis, c'est que allons vendre notre agriculture dans le monde entier. Elle est, enfin je veux dire, moi j'ai, enfin, le président de GIA qui fait du comté, il est dans le Doubs. Il est dans le Doubs. Où ça, dans le Doubs? À côté Besançon. À Métabier? Non, Bouclan. À Bouclan. Petit village. C'est à côté de Mout, non? Oh, j'en sais rien. Je suis allé une fois, j'ai dû me perdre là-bas. Et... Parce que tu n'avais pas les yeux ouverts. Ouais, certainement. Et non, si tu regardes les sommets, en général, c'est bon. S'il nous regarde, je suis mort. Le Doubs, c'est très... Non, il fait du comté. C'est magnifique, là-bas. Le Doubs, c'est magnifique. Ils ont une production de fromage qui est extraordinaire, qui est valorisée dans le monde entier. Enfin, on reparlera un peu pollution après, ok? Oui. Mais ça, mais parce que c'est le vrai sujet avec le commerce international, c'est aussi ce qu'on dit. Hein. Ouais. Je veux dire, on est là à nous dire, ouais, mais vos vaches, elles polluent. Enfin, les miennes, elles polluent parce que, voilà, elles ruminent pas assez, ou je les nourris pas assez bien, et du coup, elles polluent trop. Et en attendant, on fait traverser des bateaux réfrigérés qui, eux, bon, ils marchent au croûte. Hein. Le croûte, c'est du pétrole non raffiné. Donc, tu mets une vache morte dedans, il digère pareil, le bateau. Hein. Il avance avec, quoi. Et en fait, c'est vraiment absolument dégueulasse. Mais ça pose de problème à personne parce que ça fait de la... Enfin, je caricature un peu, mais il faut que chacun prenne conscience que cette alimentation-là, vraiment, elle est toxique pour eux quand ils la bouffent. Et pour la planète. Quelle alimentation? Celle qui traverse les océans dans un porte-container qui se gave au passage de dollars. Pollue aussi, voilà, je veux dire, il marche au coude. Moi, j'ai mangé alors, je vais me faire frapper par les gens du Mont-Saint-Michel. Mais j'ai mangé de l'agneau du Breton. Donc le Mont-Saint-Michel est en Bretagne, donc et pas en Normandie. Merci. On va se faire fracasser par les Normands. On les embrasse. J'ai mangé du mouton de Nouvelle-Zélande. Je suis pas mort, hein. Bon, non. C'était surgelé. Oui. Mais c'était pas cher. C'était pas cher. Et je sais... Il était moins bon que celui du Mont-Saint-Michel. Voilà. Ah. Mais au-delà de la qualité gustative, en fait, c'est que... Enfin... C'est la méthode. C'est la méthode. Et puis, je veux dire, quand on a un label rouge en France, je veux dire, dans l'agneau, il y a de l'agneau, point. C'est de l'agneau, c'est de la viande. Tu m'autorises à te couper? Vas-y. Ou à vous couper, vas-y, vas-y. Si tu voulais prendre la parole. Comment on fait pour nourrir les pauvres? Quand on voit une inflation dingue, quand on voit que 80% de la population, je demande à me faire un fact-checker, 80% de la population gagne autour de 2200 balles. Là, ils viennent se taper 20% et des patates d'inflation sur la bouffe. Il y en a qui perdent leur boulot, alors on veut nous faire croire qu'il faut traverser la rue pour choper n'importe quoi comme taf, ça va bien se passer. Comment on fait pour nourrir les pauvres? Eh bien déjà, on ne demande pas à ceux qui gagnent 1000 balles qui font la production alimentaire de ce pays d'être la variable d'ajustement. On sort les doigts des poches et on va au travail pour pouvoir être en responsabilité, redonner du pouvoir d'achat. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être la variable d'ajustement de tout ça. Et le problème, il est à l'envers. Le problème, en fait, il est à l'envers. C'est qu'on demande à nous, agriculteurs, de produire mieux, pas cher, pour nourrir une population
qui est sur les revenus de moins en moins élevés et où aujourd'hui... On tape de plus en plus dans le budget alimentaire, les Français, là. Hein. Clairement. C'est donc, tout ce qui n'est pas là, nécessaire. En fait, il y a un problème. Je pense qu'il faut tout reposer, là. Et ça serait bien qu'un jour, il y ait là-haut, que ça s'allume. Quoi, non, mais un éclair de lucidité là-haut. Ah, bah, un éclair de lucidité. On dit, bah, tiens, et si le consommateur, au lieu de toucher 2200 euros de moyenne, touchait 3 ou 3500 euros de moyenne en France, il pourrait peut-être se permettre d'acheter des produits convenables à un éleveur, convenables à un maraîcher, et de se faire plaisir avec de la bonne alimentation. Aujourd'hui, en fait, on est plutôt en train de dire ouais, « le consommateur, c'est compliqué. Bon, alors attends, je vais signer avec le Mercosur, je vais te faire venir 10 000 vaches élevées dans un parc où il n'y a pas un brin d'herbe nourri à l'alimentation interdite en France, interdite dans l'Union européenne, qui s'appelle la farine animale. » Farine animale aujourd'hui, hein, on peut repartir de la vache folle, t'es farine animale, source. Pas de problème. Farine animale sur France, hein, vache folle dans les années. Prions. À cause du prion. Oui, à cause du prion, mais on était arrivé où on s'est dit stop, là, faut arrêter l'histoire un petit peu quand même. On va donner à manger à des vaches de l'alimentation qui. Bref, on passe sur du cannibalisme, là, l'histoire. Donc, et nous, on va continuer à importer ça. Alors en fait, qu'est-ce que c'est ces traités vraiment de Mercosur? On en importe déjà, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il y a des frais de douane. Là aujourd'hui, on va signer un traité Mercosur ou Nouvelle-Zélande ou quoi que ce soit. T'es vraiment sûr de ton coup avec les farines animales, hein? Ah oui, farine animale. Farine animale sur le Mercosur, t'es sûr à 100%. Brésil, Paraguay, Argentine. C'est quoi ta source? Ah bah ma source, c'est l'agriculture USDA, fabrication, alimentation... du Sud, pas parler sur les États-Unis, aller peut-être sauter sur les États-Unis. Le producteur de vaches, là, il dit quoi ? Moi, j'en sais rien. Moi, je regarde pas ce qu'ils font ailleurs, parce que de toute façon, ils font de la merde. C'est moi le meilleur producteur. Voilà. Non, mais t'es français, dire... toi, non ? Exactement. Ouais, je suis un peu chaud. Termine, Quentin. Mais non, mais aujourd'hui, en fait, voilà, c'est là le truc, c'est que on va dire, l'agriculture, ça coûte cher. On n'arrive pas à produire. Pas cher pour un consommateur qui n'a pas de revenus. Donc du coup, on va importer des choses qui respectent plus du tout les critères et le cahier des charges français. On va faire venir, ce qu'on dit, la merde. Non, en fait, moi, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut ramener du budget partout chez tout le monde. Il faudrait que tout le monde puisse se dire « Cool, j'ai du revenu, je suis bien, je suis aisé. » Tu crois au Père Noël ? Ah, j'aimerais bien y croire. Sauf que quand on dit au gouvernement et à l'État « S'il vous plaît, aidez l'agriculteur pour ramener un revenu », en fait, c'est nous, mais c'est consommateurs aussi hein, qu'on parle. Hein. Les manifs et tout ce que vous avez vu, c'est pas uniquement agricole. Hein. C'est consommateur, agriculteur. Je suis consommateur. Hein. Moi, je veux du revenu sur mon exploitation. C'est pour pouvoir manger aussi. Moi, je me retrouve maintenant agriculteur à aller faire les courses. Non plus dans une grande surface de grande marque, mais peut-être à me dire, tiens, je vais peut-être plutôt me rapprocher de Lidl. Et puis, d'une autre marque, mais sur du pas trop cher, et puis de prendre de la marque de distributeur pas trop cher. Il y a des trucs bien chez Lidl quand même. Mais bien sûr qu'il y a des trucs bien, pas de problème. Pas de marque, et puis, on a dit, hein. Avec des bonnes marques qui respectent des critères des cahiers des charges français ou qui produisent du français. Mais je vais essayer de faire ça. Et de temps en temps, je vais me faire un petit plaisir, je vais prendre de la viande. La viande, moi, sur aujourd'hui, on a réduit quasiment de 50, 60%. Moi, dans la maison, on en achète moins. Mais je comprends pas. À 17 ou 18 euros le kilo de steak haché en grande surface. Attends, chez nous, c'est plus cher. Parce que moi, je suis à 60 km de Paris, et puis on va juste sur les applications de drive. Hein. Moi, j'aime bien, de temps en temps, je vais sur les applications de drive, je me prends un bled complètement paumé dans le centre de la France, et puis le kilo de steak haché, je vais le trouver à 14 euros, donc même un peu moins cher. En même temps... Combien de matières grasses dans ton steak haché à 14 euros? Là, je vais chercher sur du 5%. J'ai une femme qui essaye de bien manger et qui ne veut pas trop de matières grasses. Donc du coup, de temps en temps, je lui dis rien, mais j'espère qu'elle ne me regarde pas. Mais j'achète pourquoi un petit 15%. Pourquoi tu n'appelles pas ton pote qui produit de la vache et qui te dit « Voilà, je te fais un colis frais et je t'envoie mon kilo à 15 balles le kilo ?» Parce que moi, je me fais livrer de la barbac d'un petit producteur qui a ses vaches qui sont que sur de l'herbe. Il s'est mis dans son petit syndicat de producteurs de vaches et il me fait vachement moins cher, et j'ai des beaux morceaux, j'ai de quoi si je veux congeler un peu, si je veux faire mon bourguignon. Bon, certes, il y a un peu trop de plastique pour moi, parce que c'est tout sous vide, oui. mais j'ai de la qualité. Pour le coup, c'est exactement ce que je fais. Ouais. Je fais de la vente directe, sous vide, en carton, livré et tout. J'ai arrêté parce qu'en fait, ouais, la rémunération, j'y suis plus en fait. Le truc, c'est que mon coût d'emballage, mon coût de rémunération des gars qui transforment ma prestation de service, elle a triplé. Et donc en fait, mon... En combien de temps ? Oh bah là, depuis la sortie Covid, enfin guerre en Ukraine, l'inflation que tout le monde connaît, là.
Et donc, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, le gasoil livraison, amener ma bête à l'abattoir, je veux dire, voilà, c'est du temps, c'est machin. Et du coup, ben, mon kilo de viande que je livrais chez les gens à 17-18 euros en bio, avec tous les beaux morceaux, hein, parce que c'est un beau colis, 10 kilos. Il y a du filet, il y a de la basse-côte. Il y a de la joue. Ouais, pour les privilégiés, ouais, les intimes, ils ont la joue. Mais voilà, mais sinon, voilà. Et ben, j'y arrive plus, je suis obligé de vendre, enfin, je suis obligé. Le prix de la vache en circuit long a remonté, le prix du bovin a remonté. Et donc aujourd'hui, j'ai plus intérêt à vendre ma production, ma vache à la coopérative ou au maquignon. Moi, je suis un peu anti-maquignon, c'est un système un peu archaïque, mais en tout cas à la coopérative pour pouvoir, voilà, et en fait je valorise mieux mes vaches comme ça que de les vendre directement aux consommateurs. Moi, au bout, ça m'embête, parce que je trouvais que le truc était plutôt sympathique. Je veux dire, les gens, ils voyaient leur les vaches, ils venaient, ils passaient à la ferme, machin, et tout, on vendait les vaches. Moi, je vais te manger. Et ouais, voilà, bah oui, c'est le cycle de la vie, quoi. Et en même temps, donc, voilà. T'avais aussi les consommateurs. Et puis il y avait les consommateurs, il y avait une relation, un retour sur le produit. Enfin, c'est super gratifiant quand t'es agriculteur, on te dit, bah là, t'es bien, oh là, c'était pas terrible, faut que tu me fasses ça. Et voilà, et aujourd'hui, je le fais plus. Aujourd'hui, je vais chercher, parce que voilà, la dimension économique, moi, j'ai ma boutique à faire tourner, j'ai dit qu'il y avait certains nombres, centaines de milliers d'euros à rembourser. Il aurait fallu vendre plus cher. En face de ça, le consommateur, bah, il y a des endroits où. Il peut plus. Moi, les caissettes, j'en ai acheté, j'ai des éleveurs aussi à côté. Yveline, il doit rester, alors là, je ne veux pas te citer de source ou quoi que ce soit, mais il doit peut-être rester 3 ou 4 éleveurs qui, pour le coup, essayent de faire de la caissette. Le truc, c'est, bon, bah, d'un seul coup, tu reçois le message, ces caissettes-là, dans une semaine, ah ouais, ok, bon, attends, il y en a pour 175 euros de la caissette et tout le truc. Bon, c'est 20 super. Kilos, non, plus. Ah, je suis sur du 10-15 kilos, là. 10-15 kilos, bon, bah, bon, tu vas payer ton... Bon, ok, voilà, tu t'es content, t'as un bout de morceau. Bon, bah, nous, on a plutôt fait le choix de dire, bah, on va diminuer un petit peu la consommation de viande. Le jambon, ça va bien, on va acheter de la barquette de jambon, ça va bien. Le petit, il est content, un peu de steak haché. Un ou deux morceaux de tourne-dos dans l'année, parce qu'on adore ça. Dans le mois, je veux dire, parce qu'on adore ça. Alors, des fois, on s'en dit non. Et puis, bah, on est plutôt à se dire, bah, dès qu'on a réussi à un peu mettre de côté, les enfants sont pas là, ils sont à l'école. Bon, bah, ce midi, on se fait un bon petit resto sur le bistrot du coin qui achète chez les producteurs locaux et qui fait jouer tout le monde. Tes enfants vont te regarder, là. Et là, ouais, bah, profitez bien de l'école pendant ce temps-là, papa. Tant il va manger un petit resto. On se fait un bon plaisir, une bonne fois pour toutes. Et voilà, là, au moins, ça est là. Enfin, mais on peut parler de tout. Moi, je suis très friand de cinéma. Bah, le cinéma, déjà, on a eu les enfants, voilà, donc ça a calmé. Et puis, au fait, aujourd'hui, stop, quoi. Oui, non, on peut pas. Enfin, je peux plus. On fait des choix. On fait des choix, donc on essaye de réduire différentes choses. On réduit un peu d'alimentation, on réduit un petit peu de loisirs. Ça fait un an et demi que je ne suis pas parti en vacances. Mes dernières vacances, c'était un week-end chez lui cet été. Il m'a accueilli chez lui. On a pu manger de la viande et déguster des produits locaux plus ou moins liquides. Et on a bien profité. Et voilà, ça c'est un petit plaisir et ça fonctionne très bien. Quelle est la partie de l'agriculture française qui souffre le plus selon vous ? C'est l'éleveur en montagne qui essaye de faire conserver des races qui vont bien. C'est le petit maraîcher Canchy. Pour le coup, j'ai l'impression que c'est un peu universel à toutes les filières. J'ai l'impression que il y a des gars dans chaque filière qui vont être capables de générer de la valeur avec pas beaucoup et qui vont s'en sortir. Et puis, il y en a pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, je le disais là tout à l'heure, c'est le côté chef d'entreprise, hein, mine de rien. Ben, y a des fois, quand les planètes elles s'alignent pas, ça veut pas, et puis c'est dur, quoi. Et donc c'est là que ça décanille. Il y a des secteurs qui sont vraiment en difficulté. La viticulture française, pourtant on disait la viticulture, Saint Graal, enfin, production de valeur ajoutée et tout, machin. Là, les mecs, ils dégustent. Eux, c'est beaucoup dû... Enfin, il y a deux facteurs identifiés principaux, je dirais. La baisse de consommation. Bon, ça fait un petit moment, ça fait depuis 56 qu'on a arrêté l'alcool à la cantine, enfin le vin à la cantine, donc ça, voilà. Mais la baisse de consommation de vin en France, elle baisse. Voilà, c'est remplacé bière, enfin voilà. Des trucs moins chers. Pour notre génération, moi, le vin rouge, le vin blanc, c'est associé au repas de famille le dimanche. C'est pas forcément l'alcool que je bois à la maison. Voilà, je suis pas un poivreau qui boit à la maison, mais je veux dire, si j'ai un alcool à consommer, je veux dire, ben voilà, en famille, entre amis, c'est plutôt bien. À consommer avec modération. À consommer avec modération, évidemment.
Et donc, le vin rouge, il est le vin dans sa globalité, il est soumis à cette baisse de production et au réchauffement climatique. La vigne dans le sud, c'est la galère. Je veux dire, ça prend du soleil, c'est des degrés d'alcool en pagaille. Ils n'arrivent plus à faire du bon vin. On peut faire de la poudre à canon, non? On peut faire du gel hydroalcoolique avec le binard. On en a fait. On peut faire marcher les voitures. Ça fonctionne aussi. Mais les viticulteurs, ils se lèvent pas le matin pour faire du gel hydroalcoolique ou de l'alcool, ou de l'essence pour la voiture. Et là, on est dans une crise. Les viticulteurs, ils sont vraiment dans la difficulté par rapport à ça. Il y a des bassins qui s'en sortent mieux que d'autres. Le Champenois n'est pas tout à fait confronté au même problème que la Gironde. Encore une fois, c'est des produits qu'on est capable d'aller valoriser historiquement à l'étranger et à l'export. Je vous donne deux, trois sujets qu'on va aborder là. L'Europe, le réchauffement climatique, les bassines. Oui. On commence par quoi ? Quentin, tu choisis. Fais-toi plaisir. On part sur les bassines ? Les bassines. Allez, bassines, qu'est-ce que tu veux savoir sur les bassines ? Les bassines pour vous, c'est bien, c'est pas bien ? Ouais. C'est la privatisation de la flotte pour des gros agriculteurs ? C'est quoi ? Alors, sur les bassines... C'est un truc qui va s'évaporer ? Ça va être de l'eau qui va être en contact avec des plastiques ? Qu'est-ce que c'est ? Tu vois, sur les bassines, moi j'aime bien, on vient me chercher un petit peu en ce moment, pas mal, parce qu'on a été les chercher fort cet été, tous nos opposants. Puis là, aujourd'hui, je leur dis, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On a vu tout ce qui est tombé. C'est qui vos opposants ? On va parler de certains groupes très écologistes ou anti-phyto, très environnement. Vous avez discuté avec eux ? Oui, bien sûr qu'on arrive à discuter. Quand on a le salon, on va les croiser, salon de l'agriculture, on va pouvoir tenir la parole pendant une petite heure. De temps en temps, on est auditionné ou questionné sur une question environnement. S'ils sont là, on arrive à échanger ou à avoir un truc. Dernière en date, c'était sur une interview, post-interview média, là, pendant les mobilisations. Je suis sorti, on a croisé et on a discuté, un peu houlement, un peu fort. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas du tout la même vision sur les rétentions d'eau, sur ce qu'on appelle les bassines ou les méga-bassines. Parce qu'en fait, j'ai posé la question, ok, d'accord, qu'est-ce que vous proposez, vous ? Moi, j'ai envie de dire à certains, ok, d'accord, c'est peut-être pas, pour moi, c'est même clair, c'est pas les bassines qui vont révolutionner l'agriculture de demain. Faut pas croire qu'on va faire des bassines partout et que ça va révolutionner. Est-ce que ça ralentit l'adaptation, les bassines ? C'est même pas une idée d'adaptation, c'est pas ralentir, c'est... Aujourd'hui, pour cultiver les plantes, arbres, vignes, céréales, etc., faut de l'eau. Pas de tortiller, faut de l'eau. Donc comment on va aller chercher cette eau-là ? Faut combien de litres de flotte pour faire un kilo de barbac ? Là, je sais pas. Sur la barbac, je sais pas. Attention, je vois où on est. Ouais. Attention, parce qu'il y a plusieurs eaux. Il y a l'eau qui tombe, il y a celle qu'on va chercher dans les nappes, il y a celle qu'on utilise après pour viande, abattage, etc., sur le nettoyage, eau chlorée, donc il faut tout reprendre en perspective. Moi, je suis capable de dire combien moi ma vache par jour après là. Voilà, de ce qu'elle boit. Quand elle allait, elles sont à 50 litres par jour. Et c'est de l'eau du robinet ? Ah non, c'est de l'eau de puits, ouais, c'est de l'eau de puits que je récupère. Et si c'est la question, c'est savoir si c'est environnemental ou pas, c'est économique. Et c'est autorisé de faire boire tes vaches avec de l'eau de puits ? C'est pas une question que je me suis posée, je suis allé voir le véto, il m'a dit qu'il faut rajouter des minéraux dedans parce qu'elle est souvent déminéralisée ou carencée en ça. Peut-être que j'aurai un contrôle du coup après, c'est pas grave. sur les bassines. Moi ce que je pose à certains, c'est quelle solution on peut avoir aujourd'hui ? Il y en a qui me disent qu'il faut changer tout le modèle, 100% de permaculture, il faut installer partout, il faut mettre 1,2 million d'agriculteurs partout sur France. Et, ok, ça marche, mais à quel revenu ? Aujourd'hui, il n'y a pas de pépette. Comment on peut intéresser un jeune, lui dire viens jeune, viens t'installer. Viens être pauvre avec moi. Je vois très bien les jeunes arriver avec son baluchon. Super, waouh, quel avenir. Donc non, aujourd'hui, on est plutôt en train de dire, là, il y a un problème agricole qui est là, il y a un souci d'eau, comment on va le pallier ? Amélioration de l'irrigation. Il y en a sur l'irrigation d'aspersion à plein. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire du goutte à goutte ? Donc là, c'est des tuyaux enterrés sur les arbres ou dans les vignes ou quoi que ce soit, d'essayer un goutte à goutte, moins consommateur d'eau. Nappe phréatique, pompage nappe phréatique dans certains coins, rétention d'eau. Rétention d'eau sur l'eau qui tombe. Et puis, on a aussi les nappes. Il y a plusieurs types de nappes. On a les nappes vraiment souterraines, les nappes de surface qui, on va prendre là le cas des Charentes, 450, 500 mm qui est tombé autour du partir du 15-18 octobre jusqu'au 1er janvier. Là, ils se sont retrouvés sous l'eau.
il y a des nappes qui ont vite, trop jeté, qui ont vite été à niveau. Bah, pourquoi on n'est pas pris cette eau-là pour la mettre dans une bassine alors que du coup, on l'a regardée partir? Je vais prendre l'exemple là de la Seine. Il pleut, tout est béton sur Paris, tout est goudron, tout est impeccable. Il pleut, tout va dans la Seine. La Seine, ça file tout droit et puis ça la retrouve après, nous l'été, quand on fait nos vacances, là, on la voit arriver à l'embouchure. Ça y est, elle est arrivée là. Bah, tu la sens, la poudre de plaquettes de frein parisienne? Ben voilà, mais on ne peut pas essayer de se dire, éventuellement, cette eau-là, on pourrait peut-être en capter 15-20% de l'eau qui tombe sur Paris. Elle tombe, là, on la met sur des bassines. Madame Hidalgo, si elle nous regarde, peut peut-être se dire, tiens, on va financer des bassines pour les agriculteurs. Se dire, on va leur financer, on va leur mettre de l'eau dedans. Comme ça, au lieu qu'ils aillent pomper sur des nappes phréatiques autour de Paris, qui sert en plus à boire dans nos robinets, on va plutôt aller chercher cette eau-là pour la mettre, j'en sais rien, sur des grandes cultures, sur maraîchage ou quoi que ce soit. Enfin, je pense qu'il y a des solutions aujourd'hui qui existent. Et quand ça part sur les discussions, on va faire des bassines, ouais, mais ça capte l'eau, et les mecs, ils la mettent en extérieur, et puis ça évapore. Il y a un moment, c'est quoi la solution? Moi, je veux bien, ok, mais on se pose autour d'une table. Et aux États-Unis, mais des espèces de petites bibilles au-dessus de... Ouais, les billes en plastique. Ouais. Bon. Je sais pas, en termes d'environnement, j'ai pas étudié trop le sujet sur les terres. Les transferts de contenu plastique, y a pas peut-être des phtalates là-dedans? Y a peut-être sûrement des trucs qui doivent se... On avait regardé, j'avais vu une bassine où dessus ils avaient mis des panneaux photovoltaïques. Panneaux photovoltaïques qui pouvaient, avec la pluie, les vents, la nuit, qui pouvaient s'incliner de manière à bien laisser rentrer l'eau et puis ensuite qui arrivaient à se remettre. Juste ça, une zone d'ombre, c'est tout de suite un certain pourcentage d'évaporation en moins. Donc c'est plein de petites solutions aujourd'hui qui pourraient que ça soit plus efficace. Les discussions houleuses que... Désolé, t'as recoupé. Les discussions houleuses que tu as pu avoir, pourquoi c'est monté en pression? Pourquoi c'est monté en pression? Parce qu'en face, c'est vide. Je suis désolé, Non. Non, enfin, je te jure, il y en a, il n'y a aucune proposition. On nous tape dessus et je suis là et je dis, ok, c'est quoi? Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le système? Ok, vous ne voulez pas de bassine, on n'en fait pas. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qu'on propose? Et là, c'est vide. Là, c'est vide. Ou alors, on va venir me dire, faut arrêter le maïs. Ok, on arrête le maïs, pas de problème. Allez, on retire le maïs. Tu fais du sorgho un peu? Je fais un peu de sorgho, ouais. J'en ai fait 2 ans, j'ai arrêté. Catastrophe. Quoi? Parce que toute plante a besoin d'eau. Moi, j'ai fait du sorgho, je fais un peu de maïs. Cette année, j'ai fait 10 hectares de maïs sans irrigation. Continue, excuse-moi. Pour te dire, on essaye des choses. Sauf qu'en face, c'est beaucoup de petits marchés de niche. Le sorgho, on s'est dit, on va faire du sorgho. D'un seul coup, moi, j'ai plein de voisins autour qui ont fait du sorgho. C'était un contrat avec une oisellerie pour mettre pour les nourritures d'oiseaux, les petites cages. On a plombé le marché. On a plombé le marché. En 2 ans, blam. Là, ils nous ont dit, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Tu vas l'emmener à Rouen, on va essayer de te trouver un bateau et puis on va l'exporter je ne sais pas où. Par contre, je te le dis tout de suite, c'est 20 ou 30 euros de moins. Ok, super. Bon, déjà, j'ai fait des mauvais rendements. En plus, il aurait fallu un peu d'eau. J'ai fait du sorgho année 21 et année 22. 22, rec cagnard chez moi. Le sorgho, j'ai fait 3 tonnes de sorgho à l'hectare. Quand j'ai acheté la semence, on m'a dit... Oh, t'as des terres, on va sortir 8-9 tonnes. Ah, 8-9 tonnes, cool, super, je vais le vendre 200 euros. Et j'ai fait 3 tonnes, vendu 180. Super, j'ai perdu, là, j'ai perdu de l'argent. Donc j'ai dit, sorgho, merci, au revoir. Revenons aux discussions avec ceux qui ne sont pas d'accord avec les bassines. Donc quand tu leur demandes des choses opérationnelles, de terrain, opératives, il y a des propositions en face ou pas? Les propositions, c'est ce que je te disais, voilà. On retire... Faire des petites exploitations, laisser le cycle de l'eau, c'est laisser les tranquilles. Oui, tout en permettant. Mais derrière, on mange quoi? Je veux bien l'entendre, ça aussi, mais. je veux bien, mais faire pousser des pommes de terre sans eau, j'ai jamais vu. Faire pousser des salades sans eau, j'ai jamais vu. Du radis sans eau, j'ai jamais vu. Alors, ok, ça marche, pas de problème. Quels sont. Et c'est pour ça que je dis pas que les bassines, c'est la solution miracle. Mais pour moi, c'est une des solutions. Parmi plein de petites choses, amélioration de l'irrigation, captage d'une eau comme ça, amélioration des types de production. Tu vois, on parle de l'agriculture conservation. Je te disais, avec l'agriculture conservation, je vais garder un tout petit peu plus d'humidité. Alors, en période de gros cagnard, je vais gagner 2-3 jours. Oui, mais c'est 2-3 jours, c'est un petit truc. Et en plus, à côté de ça, je me lance dans un système arbo. Au lieu de faire soit de l'aspersion arboricole, soit au lieu de faire de l'aspersion à plein ou quoi que ce soit, je vais plutôt essayer soit un goutte à goutte, arroser la nuit.
Au lieu d'arroser en pleine journée, en plein cagnard, sur un canon avec du vent, des fois mal réglé, qui tombe sur la route, bon, bah, on va plutôt arroser la nuit, essayer. Et en fait, c'est plein de petites choses comme ça. Et c'est là qu'on leur demande, venez plutôt nous aider, venez réfléchir à des nouveautés qu'on pourrait essayer d'améliorer. Et là, ça plante un peu, là, des fois. Et quand ça devient violent, quand il y a des choses qui sont dégradées, vous, ça vous fait quoi ? Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Bah ouais, ça fait mal parce que en fait, voilà, au bout du bout, on fait tous le même métier, on défend la même chose, c'est produire. C'est juste que voilà, à un moment donné, faut arrêter. Enfin, moi, on n'est pas là pour détruire le truc du voisin si ça nous plaît pas. Enfin, moi, je suis des fois pas toujours d'accord avec ce qui se fait autour de moi. Et je vais pas aller cramer le truc parce qu'en fait, ça me plaît pas. Ça, allez, je crame. Et c'est ça en fait qu'on dénonce, c'est la violence. Enfin, je veux dire, c'est insupportable. Ou alors, ça veut dire que bon, il n'y a plus d'état de droit et à ce moment-là, bon ben, il y a un mec qui s'est endetté derrière quand même. Il y a un mec qui s'est endetté. Il y a quelqu'un ou deux, trois agriculteurs qui sont venus, qui se sont dit bah tiens, ça te dit, on essaye de créer quelque chose ici, on va faire une bassine. Paf, allez, hop, ils ont mis l'argent là, et puis derrière, ça se retrouve dégradé, ou ça se retrouve interdit, ou ça se retrouve où ils se font huer. C'est les familles, c'est la vie sociale, c'est tout qui en prend un coup. Enfin, ça fait mal pour certains. C'est pour ça que vous, quand vous avez essayé de créer un éclair de lucidité dans les gens qui nous dirigent par rapport aux mal-être de votre profession, vous avez évité de tout cramer en montant à Paris ? Parce voilà, que nous, on vous a regardé, ça faisait penser un peu à Wagner qui montait à la capitale quand même. Ouais, c'est l'effet de style. Ouais, c'est l'effet de style. Et puis au dernier moment, on plaque nos contrepoids de tracteur sur les blindés et on se met en mode viking, quoi. Mais parce que voilà, c'est comme ça aussi les mobilisations que ça se mène. En revanche, je veux dire, appeler à tout cramer parce que ça nous plaît pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prochain à qui ça plaira pas. Vous étiez prêt à le faire. Quand j'ai vu des ballots de paille sous les ponts, quand j'ai vu des aéroports pris, ouais, quand j'ai vu des autoroutes prises, quand j'ai vu des ballots de paille sur les voies ferrées, quand j'ai vu monter à la capitale taper sur la chaîne logistique, attends Quentin, quand j'ai vu tout ça, ah bah c'était qualité militaire les gars. Ouais. Sur les dégradations. Prendre les ponts, les voies ferrées, les autoroutes. Ouais, qui paye à la fin les dégradations ? Ah bah c'est nous. Bon, bah voilà, en fait, donc il n'y a aucun intérêt à tout péter. Et les messages passent pas mieux parce qu'on a tout pété. Moi je veux dire, je sais pas si mon gamin il tape une crise de nerfs, qu'il jette son jouet par terre parce qu'il n'est pas content qu'il le casse, je suis pas sûr que si je lui hurle dessus en lui mettant une branlée, ça passe mieux que si je lui explique que je m'accroupis en lui disant ça écoute, faut plus le faire parce que voilà. Et là, il a un crédit, tu sais. Oui, voilà. Et je me dis, est-ce que ça fonctionne pareil avec le gouvernement ou du moins les dirigeants ? J'ai l'impression que oui, parce que derrière, les gens, la majorité des gens, ils sont quand même plutôt intelligents, plutôt sensibles au respect du bien public. Ils se disent, bon, mais ok, les agriculteurs, ils sont pas contents, ils manifestent, mais on va pas tout péter sous l'autel de on n'en peut plus, on souffre. Il y en a des énervés. Et notre rôle à nous. Il y a des gens qui sont à bout. Il y a des gens qui sont à bout, mais je veux dire, c'est toujours pareil. Où on met le curseur ? Et moi, j'ai pas le même. Enfin, je supporterai pas la même pression qu'un autre, qu'un voisin ou quoi. Et nous, notre rôle aussi de syndicat, c'est de pouvoir accompagner cette colère, mais comme il faut. Et de dire au mec qui est vraiment à bout, mais qui dit putain, mais vraiment, vous êtes des nuls, putain, vous n'arrivez pas à négocier quoi que ce soit pour nous au national, voilà, et à quoi ça sert qu'on adhère au syndicat ? Ben, ça, c'est à nous de transformer ce que va dire les avancées du gouvernement, les annonces du gouvernement pour canaliser ça. Et je peux entendre, à juste titre, que ça ne corresponde pas à tout le monde et que ces gens qui sont à bout ont vraiment envie d'en découdre. Parce que c'est de ça qu'on parle. Hein. Au bout, là, c'est de ça qu'on parle. C'est les gens, ils veulent aller au contact, ils veulent aller au conflit parce qu'ils sont au bout et qu'ils ont, pour certains, plus rien à perdre. Ils ont la mort aux fesses, aux trousses. Ouais, ils sentent la mort, ils sentent le bout du processus, et ça leur est insupportable, ça je peux le comprendre. Et voilà, et nous derrière, il faut qu'on essaye d'harmoniser ça dans un mouvement, dans un truc massif, un rapport de force pour voilà, et c'est pas évident. Mais voilà, je pense que c'est aussi important de pouvoir manifester comme ça encore dans ce pays, parce qu'on a un rapport aussi particulier avec les manifestations en France, notamment agricoles, hein, je veux dire, un caractère violent pendant, voilà, la Révolution française, qui est partie de loin et qui est arrivée tout en haut. Et t'es plutôt Marat ou t'es plutôt Robespierre ? Joker. Attends, c'est content de connaître l'histoire. Non, mais je pense que voilà, il y a de ça aussi qui coule dans l'ADN des agriculteurs. Les Français tout court. Et les Français tout court. Et donc voilà, il y a aussi cette responsabilité-là. Et moi, j'ai l'impression que de vouloir faire la révolution, c'est très bien. Vous avez été entendu
Où t'avais l'impression de... Non, ils ont écouté un moment, ils n'ont pas entendu, parce que s'ils avaient entendu, ou alors ils sont vraiment incompétents, et là c'est inquiétant. Mais s'ils nous avaient entendu, je pense que là ils s'affoleraient un peu, mais là, je sais pas, ils sont au rendez-vous, on va voir, ça bouge, on a le salon d'agriculture, ils vont tous venir. Ils vous ont proposé un poste ? Non, un poste de... Un petit bacchiche, une petite amélioration. Vous avez eu un contrôle fiscal ? Non plus. Non, pas pour l'instant. Vous avez été menacé d'un contrôle fiscal ? Non. Vous avez un bon expert comptable ? Oui. J'y donne 4 500 euros à l'année. Te plains pas, hein ? J'ai pas envie de me plaindre, mais bon, quand même. Non. Mais aujourd'hui, écoutez, quand on y allait avec les revendications, en fait, comment ça a fonctionné ? C'est parti d'un coup. On s'est dit, il faut qu'on arrête toutes les dernières manifs qu'on a pu faire où il y avait un ou deux mots d'ordre. C'est bon, là, rentrez tous chez vous. Là, on a vu qu'en fait, ça pétait partout. Tout le monde. Tout à l'heure, on parlait sur les filières qui vont mieux que d'autres ou quoi que ce soit. On a parlé du Comté. Comté, ça va, les gars, ils ont su s'organiser. On prend à l'inverse, on prend les gars qui travaillent avec un industriel qui vend 40 ou 41 centimes le litre de lait. Ils vendent à perte, clairement, hein. Je veux pas le citer, hein, mais là, honnêtement, il y a un ménage à faire dans un industriel bien particulier, à 40 centimes du litre de lait, c'est du vol. Mais nous, on l'achète en supermarché, une blinde, le lait. Bien sûr, mais il y en a un entre deux qui se gave. Ce sucre. Voilà, on peut savoir. Et donc, en fait, on a pris tout le monde, on a appelé tous les départements, toutes les régions, et on a dit, faites-nous remonter tous vos revendications. Tout ce qui va pas, faites-nous tout remonter. Et là, on est arrivé avec une mallette, un truc rempli, on a tout sorti, on avait 7 pages, on s'est fait, wow, là, là, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais il faut faire du tri et tout, on s'est dit, non, vas-y, on fait pas de tri, on y va. On avait posé ça, on a dit, allez, il y a tout ça. Ah, premier discours, on a ressorti 5-6 mesures, 10 mesures du Premier ministre qui ont répondu. Là, on a fait, ouais, il y en a que 10 sur 120. Il est où le reste ? Ah, mais je pensais que ça allait suffire. Ah non, ça va pas suffire. Intensifié. On y va, on repart, en discussion. Et là, ça a craché, ça a bossé. Hein. Là, j'ai passé 10 jours ici à Paris. Hein. Alors moi, je faisais beaucoup la relation entre les régions, nous le national, comment ça va ? Oh là non, oh, vous les brûlez ? Arrêtez les gars, attendez, on se calme. On en est où des avancées ? On en est là, essayez de... raisonner, concevoir, voir où est-ce qu'ils allaient, essayer de suivre aussi un peu les manifestants. On a eu quasiment 81 000 qu'on a recensé, nous, d'exploitants agricoles qui se sont mobilisés. Donc les mecs, ça veut dire que quand on en arrive là, sur 380 000 agriculteurs qui restent, c'est que ça commence à faire du monde, hein, parce qu'on peut le prendre sur les autres corps de métier, donc ça fait un sacré pourcentage quand même qui a sorti. Les mecs, ils sont tous partis à fond, ils ont laissé leurs femmes, ils ont dit aux salariés, je suis désolé, je vais te laisser. C'est leurs femmes et montées sans leur homme. Ou les femmes qui sont montées, clairement. Hein. Il y a les femmes qui ont laissé les bonhommes en disant, il faut trouver une solution, il y a les enfants, pas d'enfants, la ferme ou quoi que ce soit, faut gérer. Hein, on n'a pas assez remercié les salariés, mais il y a des salariés qui ont passé 10 jours sur les exploitations, à gérer les exploitations, pour que leur patron puisse le payer à la fin du mois. Ouais, voilà, parce que les patrons ont dit, ou des salariés, moi j'ai vu des salariés sur des manifs, qui sont venus sur des manifs en disant, je suis là parce que, en fait, je vois la misère que c'est, je vois comment dans l'état est mon patron, j'aimerais bien qu'il me paye un petit peu plus aussi, donc, il faut y aller, quoi. Donc, des revendications dans tous les sens. On les a toutes présentées, on nous a dit, ok, ça, on fait ça, 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 ça. Et alors, on nous a sorti un calendrier, des pas de temps, des mesures plus ou moins d'urgence, de la perf. Moi, c'est ce que j'en ai marre de toutes ces subventions à gauche et à droite. On peut me parler de la PAC. Moi, demain, j'ai envie de vivre sans PAC. Si demain, je gagne suffisamment de revenus ou d'argent sur mon exploitation et qu'on me dit, t'en as plus besoin, tu gagnes suffisamment, au revoir la PAC, mais que du bonheur. Là, on est comme ça, on a des perfs derrière, et puis de temps en temps, on a faim. Allez. Alors, on nous a dit, les vitis, ça va mal, les vitis, vous n'arrivez plus à vendre, il n'y a plus de structuration, vous ne vendez plus, il n'y a plus rien qui va. Allez, je vous mets 160 millions. Oui, ok, ça marche. Mais dans 2 ans ou 3 ans, on refait quoi ? S'il y a le même coût climatique, on fait quoi ? On recommence ? C'est pas logique. Il faut peut-être se réfléchir et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je vais dire au jeune demain qui va venir me dire « Moi, je veux m'installer en Viti. » Ok, alors mon petit pauvre, t'es prêt à vivre sous perf ? T'es prêt à te faire éventuellement une bonne année ? Et puis, à faire la quête, à faire l'aumône ? C'est pas ça, notre boulot. On veut vivre. Enfin, voilà, on revient toujours au même truc, quoi. Tu veux trouver cette coupée juste vas-y. Quand je t'entends décrire que t'es sous perf,
Moi, je vois les cultures sous perf d'intrants, de produits phytosanitaires, et qu'en gros, l'agriculture moderne, sans intrants, sans produits phytosanitaires, c'est un peu à l'image de notre agriculture sous perfusion d'argent public, de dette, et la dette, c'est de l'énergie future. Tu comprends ce que j'essaye de te faire passer comme parallèle ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc malade là-dedans ? Il y a tout à revoir. Il y a tout à revoir. C'est ce qu'on demande quand on dit on veut changer le logiciel. Je te dis, on s'assoit autour d'une table, tous, anti, pour, gouvernement, monsieur bien-pensant, tout le monde. On se met tous autour d'une table, on réécrit l'histoire. On réécrit l'agriculture, de A à Z. Il y a tout à revoir. Tu crois au Père Noël, toi, définitivement. Ah, hein, c'est ce qu'on pousse quand même, là. Là, aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, on dit, on a 120 revendications. Là, on commence à dire, les gars, vous comprenez quand même que c'est un petit peu le bordel, quand même, sur l'agriculture. Là, ça va pas, là, ça va pas, là, ça va pas. Quand il y a un truc, à un moment, qui va plus, là. Quand on a une exploitant, enfin, je sais pas, je vais prendre un industriel qui a son industrie. D'un seul coup, ça part dans tous les sens. Il y a un moment, il faut peut-être s'asseoir et se dire, bon, peut-être me remettre en question, quand même, un petit peu, là, sur mon truc. On revoit tout. Si le mec, il le fait pas, il est voué à l'échec. Dans 2 ans, il est plus là. Là, aujourd'hui, l'agriculture, elle est comme ça. Là, nous, on en est là. Nous, on est là en train de dire, oh, faut se remettre en question. Et on en a des bien-pensants devant nous qui nous disent, oui, bon, on va vous en remettre un petit peu là, ça. Allez, ça va couvrir la crise. Puis, taisez-vous, rentrez chez vous. Ok, cool. Non. C'est fini, ça. C'est fini. C'est ça, le rôle du politique, en fait. Le rôle du politique, pour moi, enfin, j'ai l'impression, quand même, normalement, ce pourquoi on les a eus, c'est pour qu'ils nous disent, ben, là, on va vous générer les conditions. Vous voulez vous remettre en question, vous voulez faire ces transitions, parce que la société nous le demande, parce que nous, on en a envie. Eh bien, ok, on va vous mettre dans les dispositions pour faire ces transformations. Non pas dire, oh là, ça barre d'un côté, on n'en peut pas, ce que disait Quentin. Et ça, c'est plus tenable. Ça ne correspond même pas au mindset des jeunes qui s'installent. C'est pas, c'est... Ici, en France, on parle français. À l'état d'esprit des jeunes qui s'installent, autant pour moi. Et en fait, c'est Sébastien Chabal. Oui, pas personnellement, mais. et du coup, en fait, ça ne correspond pas à l'état d'esprit. Le truc, c'est de dire, ben, donnez-nous la capacité de pouvoir faire ces transitions. Et là, on demande juste une pause, arrêtez 2 minutes, parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus d'en prendre de tous les côtés, de machin, de ci, de là. Bon, voilà, ce climat d'insécurité qui est entretenu et par les politiques et par les médias, ça ne nous met pas dans les bonnes dispositions. Enfin, les mecs, ils sortent travailler de chez eux, bientôt, ils ont la peur au ventre, parce que, ah, il est avec tes vaches dans un pré, ça fait du bruit, l'autre, ça pollue, l'autre. Voilà. Et donc ça, c'est du délire. Et nous, on n'est pas en sécurité. Et pourtant, enfin voilà, moi j'aimerais pouvoir faire ces transitions et être voilà, être un peu mieux rémunéré, un peu moins dépendant de la géopolitique mondiale. Que s'il y en a un qui décide de faire un coup de travers à l'autre, et ben que ça me change pas trop ma vie. Même si tout ça, voilà, je m'inscris dans le monde et dans l'Europe, il y a pas de problème. Mais que ce soit un peu plus favorisé. Et là, on n'y arrive pas. Les politiques ne sont pas capables de faire ça. Ils sont pas capables. Nous, là, le pacte de confiance, il est rompu avec eux, complètement. Enfin, je veux dire, moi, je le dis, c'est fini. Il y a zéro confiance. Zéro confiance. Parce qu'en fait, là, on a été obligé de leur donner les 120 mesures. Mais ils se foutent de nous. Enfin, ça fait 30 ans qu'on leur donne un peu moins, je suis un peu plus jeune que ça, mais ça fait 15 ans que je fais du syndicalisme, ça fait 15 ans qu'on leur dit, les gars, c'est ça qu'on dit. Et là, il faut qu'on leur ramène leurs mesures pour leur dire, enfin, moi, c'est bon, je fais pas le service après-vente du gouvernement ou des gouvernements. Moi, ce que je veux, c'est favoriser l'agriculture, créer ces dispositions-là, d'accord, mais qu'ils y aillent. Qu'ils y aillent. Mais non, mais toi aussi, tu crois au Père Noël. Oui. Mais la jeunesse, l'expérience, je sais pas, on n'a pas encore la sagesse, tu vois. Je vais parler phyto. Phyto, environnement. Pollution. Pollution. Il n'y a pas de problème. La phréatique contaminée, rivière contaminée. On y va, on sort des phytos. Allez, on se tape dans la main. C'est pas comme ça qu'on va y sortir de la main. Moi, si demain j'ai du revenu, si je suis capable de gagner ma vie, et que derrière on me dit, regarde, t'as vu, on va sortir du phyto et ton revenu ne va pas descendre. Au contraire, tu vas peut-être un peu moins produire, mais de meilleure qualité. Mais derrière, on a su organiser, construire l'agriculture. On y sort, il n'y a pas de problème. Sauf que là, c'est pas ça. Là, on nous dit, les gars, vous êtes au ras, vous ne pouvez plus. Mais il faut rattraper les erreurs qu'on a faites depuis 30 ans. Vous allez sortir des phytos, vous allez diminuer, là c'est ce cas en ce moment, là, vous allez diminuer de 50% d'ici les 5 prochaines années. De 50% de phytos en moins. Ok, ça marche, ok. Qu'est-ce que vous mettez en face ? Bon, je vais vous mettre 250 millions sur la recherche. Ah ouais, s'il y en a qui nous regardent, ils peuvent aller rechercher un petit peu qu'est-ce que les gros industriels, on va dire, créateurs de chimie mettent sur la table en termes de recherche. On est loin avec notre recherche publique avec 250 millions. Hein. Faut voir un peu plus, hein. Faut mettre le milliard, 2 milliards sur la table.
par an pour commencer à aller rechercher des solutions alternatives. Aujourd'hui, on nous dit, on met 250 millions, sur 250 millions, on va mettre un petit peu par là, un petit peu à gauche, un petit peu sur de la pédagogie, un peu sur de la formation, et dans 5 ans, on vous en retire 50% au fur et à mesure, là, dans 5 ans, boum, 2 mois. Inch'Allah, ça va marcher. Bah, et puis, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Bah, là, aujourd'hui, on en est là, on dit, mais waouh, moi, je leur dis, je veux une vision d'avenir. J'avais interrogé le ministre, Fesneau, en lui disant... Comment il s'appelle? Marc Fesneau. Je lui dis, c'est quoi cette histoire? 250 millions par an, sur 5 ans, 50% en moins. Je veux une vision d'avenir. Plein de Quentin. Mais je lui dis, je veux une vision d'avenir. Il faudrait mettre... Donnez-nous le temps. Tirons la chaise, laissez-nous discuter avec vous, trouvons des solutions, mettez le pactole qui va bien sur la recherche, sur comment changer des nouvelles variétés, des cultures qui prennent moins d'eau, des cultures qui prennent moins de maladies, une recherche accrue sur le bio. Aujourd'hui, le bio, on l'a laissé comme ça, et le bio, il est en train de s'écrouler. Comment on a envie? On nous demande 25% de bio pour 2030. D'agriculteurs en bio, 25% des agriculteurs en bio pour 2030. On est à 10%, 10 et quelques. Cette année, on est en train de baisser en plus parce que ça a déconverti. On a fait 0,1 pour 2023. Voilà. Plus 0,1 de conversion. En fait, on a conversion des conversions. On a des agriculteurs qui sont convertis au bio. D'autres bah, qui ne s'y retrouvaient plus, qui sont déconvertis et revenus au conventionnel. On a fini à plus 0,1. Plus 0,1 et là, on est à 10 et quelques, 10,6, 10,7. Et on doit être à 25% pour 2030. Ah. Bah, ce n'est pas avec 0,1 par an qu'on va y arriver, hein. Et derrière, ils nous disent, je comprends pas. Mec, le bio, il vend à perte. Comment vous voulez nous emmener sur le bio? Moi, je veux bien, mais le nerf de la guerre revient toujours là. Il n'y a pas de souci. Accompagnez-nous, on crée une agriculture forte, on se dégage des subventions et des machins, là, c'est bon. Vous nous laissez gagner de la vie, faites-nous confiance, on y va. Écoutez-nous un peu plus. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. On va nous parler éco-phyto, réduction de 50 phyto en moins. On va avoir 4 agriculteurs, 10 ONG, 4 ministres qui vont être là en face de nous, qui vont nous dire, bon, on a réfléchi. On va changer un petit peu l'indicateur, hein, comme ça, sur le à quoi sert le phyto. Mais on va tenir 2030 et puis on va tenir 250 millions. On leur dit, ouais, mais les gars, on a fait 10 jours de manif, c'était pour tout revoir. Oui, oui, bon, on va revoir les indicateurs un petit peu. Mais le reste, on reste. C'est du vécu, ça. Ah bah là, oui, c'est du vécu, parce que là, c'est du direct. C'était hier. Ah ouais, mais là, on est en plein dedans. Voilà. Il n'y a pas de problème. On est en plein dedans. On est là, on nous dit, oh, mais c'est comme ça. Et moi, j'aurais dit, non. Vous savez ce qu'on va faire? On va se tirer une chaise, on va mettre un peu plus d'argent, un peu plus de temps. Ok, 2030, c'est un peu serré. Mettez-nous à un 2032, 33, 34. On essaye de trouver des trucs qui vont bien. Appelez les firmes. Aujourd'hui, il y a les firmes, on tape sur les firmes qui vendent des produits. Mais appelez-les, mettez-les autour de la table. Il faut leur dire, de toute façon, les gars, ça va plus, le phyto, ça va plus. Est-ce que vous avez des trucs en face à nous amener? On vous le dit tout de suite, si vous avez rien, vous dégagez. Maintenant, il faut qu'on discute. S'ils n'ont rien. Mais c'est, moi, je ne suis pas chercheur. On a des chercheurs aujourd'hui qui sont là, il y a des gars qui réfléchissent. Non, parce que malheureusement, ils n'ont pas le revenu en face. Ils n'ont pas l'argent en face pour aller faire de la bonne recherche. Ils partent à l'étranger. Voilà, on peut parler des nouvelles variétés, les nouvelles variétés de blé qui viennent d'être validées en Europe, qu'on appelle NBT, NGT, on va parler, c'est que je parle français, c'est les nouvelles techniques génomiques, merci. Où en fait, on a une variété qui aujourd'hui, grâce à de la génétique, donc on va ouvrir le gène avec du ciseau, prendre le ciseau et on va dire, tiens, cette plante-là, elle a une maladie qui est là. Je vais la couper, cette gène de maladie, je vais la retirer, puis je vais lui remplacer par peut-être une meilleure résistance à la sécheresse. Boum, on a créé une plante qui va mettre 4-5 ans. C'est exactement la même aujourd'hui pour créer une variété, ça va durer 10-15 ans, mais ça va être à la pipette, on va prendre la fleur mâle avec la fleur femelle, on va essayer de la multiplier, c'est un échec, c'est une réussite, on réessaye, 10-15 ans après, il y a. Puis derrière, on a l'extrême OGM, où là, on va prendre, ouvrir, on va prendre une molécule totalement différente de la plante de base qu'on va intégrer dedans, type on va connaître le maïs au glyphosate, hein. on va prendre la molécule de glyphosate. Pas de marque. Bah, glyphosate aujourd'hui est dans le public, donc c'est bon, il n'y a plus de problème. On va prendre la molécule, c'est une molécule en plus, hein, qu'on va mettre dedans, et hop, on va se créer un maïs qui va devenir résistant au glyphosate. Ça, c'est de l'OGM. Le NGT, hein, les nouvelles variétés, elle fait gagner du temps par rapport à la sélection naturelle. Elle fait gagner du temps par rapport au truc. Là, on leur dit... Les gars, go! Le prix Nobel, j'ai oublié son nom. Il est où? Je crois qu'on avait de la recherche française. C'était le système CRISPR-Cas9, ouais. Je crois. CRISP, non? CRISPR-Cas9. Ouais, on est en train de mâcher les mots. Voilà. Certains très bons en recherche en France.
On leur a dit, non, non, mais là, vous voyez trop loin, les gars. Là, vous n'êtes pas loin de toucher limite à de l'OGM et tout. C'est mort. On ne touchera jamais à ça. Qu'est-ce qu'ils ont pris? La valise. Avion. Chine, États-Unis. Et là, ils sont arrivés, ils ont fait, ça y est, nous, c'est fait. Et là, ça y est, l'Europe vient de dire, OK, bon, bah, on va peut-être s'y intéresser un peu plus que s'y intéresser, parce qu'ils ont dit maintenant, OK, on y va. On y va. Mais vraiment sous un angle très serré. Hein. Faudra pas en mettre trop partout quand même. Hein. Et voilà, bim, on vient de se prendre 10 ans en retard. Et derrière, on dit, bah, allez, rappelez-les, ces chercheurs-là. On y va maintenant, on met de l'argent. Non, non, mais il y a les firmes qui vont le faire. Par contre, pas de brevet, les gars, hein, s'il vous plaît. Hein. S'il vous plaît, nous faites pas mal. Bah, c'est ça, les visions d'avenir. C'est comme ça qu'on va attirer du jeune. Il en manque un peu, quoi. On a envie quand même de redonner un peu. Mais voilà, c'est pour ça qu'on reste quand même convaincu. Jeune agriculteur, il y a le mot jeune. On reste une partie très forte. On a envie de croire à l'avenir. C'est compliqué, mais on va tout faire pour. Et c'est pour ça que syndicat aujourd'hui, quoi. Non, mais sinon, les gars, si ça marche pas, vous faites un calendrier. Hein. Ça va... Ouais, bah, ça sera pour nous. Alors, on partagera le magot pour nous. Là, pour le coup, ça sera pas pour les autres. L'Europe. Comment vous voyez l'Europe? Bah, l'Europe, pour le coup, à titre très personnel, je pense que c'est un super truc. Je pense que c'est un bel outil, cette partie d'une belle énergie, d'une histoire qui est celle de l'Europe. Là, pour le coup, moi, je suis inquiet. Franchement, je suis inquiet parce que quand je vois les petits camarades autour, ils ont tous envie de croquer dans la galette, quoi. Et nous, on est là, les Français, des fois, je sais pas, je vais peut-être en faire bondir quelques-uns, mais après tout, on est là pour se dire les choses, mais on est là à toujours vouloir donner des leçons, à vouloir faire mieux que les uns, que les autres, parce que voilà, comme on dit chez nous, hein, l'agriculture, on est le coq sur le tas de fumier, quoi, qui chante le premier. Et je pense que c'est plutôt mal perçu dans ces temps un peu troublés qu'on a à l'Europe de vouloir aller donner des leçons à tout le monde. Et encore une fois, cette position d'acteur historique européen qui voudrait dicter machin, je pense que ça, c'est très, très, très mauvais pour l'Europe. Et on se met en danger sur le plan mondial, et c'est ça qui m'inquiète, parce que du coup, on se dispute entre nous, et ça, c'est pas l'essence de l'Europe. Enfin, pour moi, l'Europe, c'est une communauté vraiment. Mais on veut de l'Europe, en fait. La France veut de l'Europe. Elle veut que tout le monde soit copain, mais personne n'est pareil. Donc il y a un moment, en fait, sur sa lancée. Je voyais tourner. Non, mais si tu veux, en fait, c'est ça. C'est tout le monde a envie d'y aller, mais personne n'y va franchement. Ou j'ai l'impression qu'on y va là-bas, on se regarde dans le blanc des yeux. T'as vu, moi j'ai une bonne idée, tu devrais me la prendre et tout. Et en fait, c'est pas ça. C'est ok. Attends, peut-être t'as une bonne idée, pas une bonne idée. On va l'essayer. On se donne la possibilité d'aller explorer des trucs et tout. Et là, non, chacun reste campé sur ses positions. Enfin, je sais pas. Sur la question migratoire, la gestion migratoire, c'est pareil. En fait, tout le monde se renvoie la patate chaude et personne n'est là à se dire « on va avoir une vraie politique migratoire sur l'Europe et on va vraiment se poser les questions ». Et moi, je me dis, moi, en tant qu'Européen, parce que je me considère français, mais je me considère Européen, ça me fait mal, ça m'enquiquine. Parce que voilà, je me dis, bah, super, on a une monnaie, bon, très bien, on a un espace où on peut aller et venir. Et en fait, non. En fait, non, non, c'est pas ça. On a des choses qui sont très injustes parce qu'il y a de la TVA sur certains, parce qu'il n'y a pas de TVA sur d'autres, parce qu'il y a de la main-d'œuvre, il y a du dumping social, il y a du dumping économique. Et pourquoi on n'est pas capable, depuis tout ce temps-là, de donner, de faire table rase de ça et de donner de l'ambition à ça? Moi, encore une fois, je suis jeune, mais j'ai l'impression que les anciens qui avaient créé cette Europe et donné cette volonté à l'Europe, eh ben, les petits nouveaux là, qui arrivent, la nouvelle génération, ils ne voient pas l'Europe de la même façon. Ils le voient comme un outil géopolitique, stratégique, pour servir les intérêts personnels des pays. Moi, ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète vraiment. Et je me dis que c'est dommage parce qu'on avait une vraie puissance, on avait une vraie force, on a des vraies perspectives. Et là, on se gâche. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on se gâche, que voilà. Et ça, je trouve que c'est super dommage et ça nous met en danger. Ça nous met en danger tout de suite et ça nous met en danger pour l'avenir parce que voilà, il y a des messieurs qui sont un peu moins fréquentables qui regardent ça, comme un vautour posé sur sa branche, qui regarde le cadavre en train de gigoter avec les nerfs, et ça, c'est inquiétant. Quentin ? Non, mais il a tout dit sur. Quand on parle de l'Europe, je vais revenir dans mes rêves d'enfant encore. Hein. Je te rassure, 33 ans, t'es encore un bébé. Mais t'as envie de te dire,
à l'Europe, on va tous fonctionner ensemble. Je peux poser une question indiscrète. Vas-y. Les cheveux blancs, c'est génétique ou c'est le stress sur ton exploitation? C'est génétique. Mon grand-père, à 40 ans, il était blanc. Non, t'inquiète. Bon, après, ça a été plus vite que prévu. Je pense qu'il y a un peu de stress quand même. Mais sur le volet européen, on a envie de se dire, on va tous marcher ensemble, tous dans la même vision, on va tous y aller. Main d'œuvre, le coût. Aujourd'hui, le revenu aussi. Europe, efficace, quoi. Un truc où on sait que si je prends, nous, face agricole, que je vais produire mon kilo de tomates, derrière, j'ai une charge de main-d'œuvre ou de ci ou ça, qu'elle soit la même sur le pays voisin. L'utilisation de phyto, je l'utilise comme ça, c'est le même à côté. Déjà, au moins, même de l'Europe, si demain tu manges des tomates polonaises, qu'elle est quasiment le même goût que la tomate française, parce qu'en fait c'est la même. Donc c'est un libre-échange au milieu de tout ça, c'est une bonne mixture, super. Non, aujourd'hui ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais trop parler sur les éco-phyto. Éco-phyto, on a eu la réglementation sûre qui a été discutée à l'Europe. C'est une réglementation où dedans, environnementale, où dedans il y avait le volet de diminution de produits phytosanitaires. Elle a été rejetée, là. Là, elle a été balayée. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en France? On a continué à appliquer et on continue là, à travailler sur le plan éco-phyto. On va pas le jeter, le plan éco-phyto, parce que c'est une nécessité de discuter de produits phytosanitaires. Il n'y a pas de problème, on va discuter. Mais encore une fois, il y a une concurrence au sein même de l'Europe, où nous, la France, plus vert que tous les autres. Et derrière, quand on dit ça à certains du gouvernement, ils nous disent « Oui, mais il en faut bien un qui commence. » Ah ouais, mais au bout d'un moment, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça commence un petit peu à faire long, quoi. C'est toujours nous les meneurs, là, mais on n'a rien en retour. On n'a rien en retour. Donc l'Europe, on a envie d'y croire, moi j'y crois, mais il faut reprendre un peu ce leader Europe, d'amener tout le monde dans une même vision, dans une même trajectoire. Bon courage. Les professions en tension, les visas, la main-d'œuvre externe. Ah ouais, faut y aller là. Je t'écoute. Ouais, faut y aller, on en a besoin. On en a besoin parce que les tomates, les pommes, en tout cas pour les fruits et légumes notamment, mais enfin, c'est pas demain qu'on va les ramasser avec des machines qu'on va pouvoir payer avec ce qu'on se tire sur, comme revenu sur les exploitations. Donc ce qu'on dit, c'est que, métier en tension, nous, je veux dire... Faut de la main-d'œuvre, pas de faire. Faut pas se cacher derrière le petit doigt, c'est des étrangers qui viennent travailler dans les champs. Donc on en a besoin. Ça travaille, je m'en rends pas cas notamment, mais ils travaillent avec l'OFI, l'organisme français de l'immigration. Et après par contre, faut quand même que ça se fasse dans de bonnes conditions. Enfin, je veux dire, on a un niveau social en France minimum, et faut le respecter jusqu'au bout, que ce soit les conditions de logement, que ce soit voilà. Pour le coup, c'est ce qu'on demande aux agriculteurs. Et là, pour le coup, ça, c'est contrôlé. Hein. Et c'est très bien. Mais, comme les vendangeurs avec les hélicoptères, c'est ça? C'est-à-dire? C'est-à-dire tu contrôles combien il y a de vendangeurs avec l'hélicoptère? Ouais, alors, ils contrôlent... avec les drones. Ça fait moins de bruit, c'est plus discret, c'est classe. On en a besoin. Enfin, les arboriculteurs, les viticulteurs, les maraîchers, ils en ont besoin. Donc pas de sujet. Mais c'est peut-être dans le fond un problème un petit peu à retourner aussi. Hein. Pourquoi on est obligé de prendre la main-d'œuvre étrangère? Parce qu'en France, déjà, payer 1002 ou payer 1003, ça n'intéresse pas le jeune d'aller travailler, d'aller faire ça, un truc pénible pour payer cette misère-là. Enfin, je les comprends clairement. Connaissez le visa australien pour aller travailler un peu dans les champs, là? Le working holiday, ouais. Ma sœur habite à Melbourne, est partie avec un visa working holiday. Tiens, dernière dédicace avant la prochaine, Coralie, si tu me regardes. Mais on n'a pas la capacité de faire ça en France. Pas avec les travailleurs des champs. Non, pas la même philosophie. Enfin, un agriculteur... australien, je veux dire, c'est pas tout à fait le même business qu'un agriculteur français. Je me rappelle, m'avait invité à un voyage, du coup j'étais parti quelques temps là-bas, puis j'avais discuté avec des gars. C'est ce que dit Quentin, c'est cyclique. Mais quand ils tapent en haut très fort. Ils achètent le village, le bateau, la marina et tout ce qui va avec, quoi. Donc, ils peuvent rémunérer. Et voilà. Par contre, quand ça tape au fond, ils vendent le bateau, la marina et tout ce qui va avec. Mais c'est comme ça. Nous, on n'a pas du tout le même rapport avec le métier. Voilà. Mais oui. Mais ce qui est vrai en Australie avec le social, pour le coup, on est vraiment à l'extrême opposé du globe, vraiment, mais sur la question du salaire, du rapport au travail,
ferais bien d'y aller voir un peu nos dirigeants, comment ça fonctionne aussi. Quentin, je t'ai coupé, vas-y, continue. Mais ça répond. Demain, on a suffisamment et on paye suffisamment et on vend suffisamment nos camelotes à tout le monde et que tout le monde a assez de revenus. Moi, je veux bien payer quelqu'un 2000 ou 2500 euros pour venir faire des vendanges ou arracher ou cueillir des pommes. C'est logique l'histoire, sauf qu'aujourd'hui tout le monde est tellement serré que pour finir. Vos modèles d'agriculture, est-ce que vous avez essayé de les mettre sous stress avec des facteurs extérieurs, faire des expériences de pensée sur qu'est-ce qui se passe si on se tape X années de grêle, X années de géopolitique qui flanche, si on se tape un rideau de fer avec les Russes? Qu'est-ce qui se passe si le monde est coupé en deux? Comment on fait avec le prix des intrants? Comment on fait avec le prix des machins? Vous avez essayé de faire ça, non? Non, il n'y a pas besoin, on est déjà tellement... bien stressé. Ouais, en fait, on est déjà dans l'antichambre. Allez. Tu rajoutes un an ou deux, ouais, et puis c'est bon. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va rendre les clés du business. Hein. Moi, je pose ça à la banque, ils vont faire une vente aux enchères, et puis c'est terminé. C'est ça, en fait, le bout du bout, là, on est... Enfin, le stress test... Tu sais que tu vas emmener les banques avec toi, hein. Ouais, ils vont peut-être se réveiller à un moment donné, mais bon... Enfin, moi, je veux dire, je pense qu'on met beaucoup de volonté là-dedans, on met beaucoup d'énergie, et au bout d'un moment, si on met tellement sous contrainte, on a affaire à des êtres humains au bout du bout, hein, donc ils vont rendre les clés du business, et puis ils vont dire, vous savez pas, débrouillez-vous, les banques vont tomber, les banques tomberont. Et puis, ça entraînera ce que ça doit entraîner. Je me sens pas irresponsable quand je dis ça, en fait, parce que j'engage ma responsabilité tous les jours quand je rembourse mes emprunts. Et mon objectif, c'est bien d'aller au bout de ces investissements, parce que voilà, il y a l'engagement personnel, et puis de la fierté, et puis voilà, ça me plaît. La réalisation. Puis la réalisation, voilà. Mais si on met encore un peu trop de contraintes, on n'y arrivera plus, et voilà. Et c'est ça, en fait, qu'on se dit, là, on est comme ça. Parce qu'on ne sent pas les gens qui sont en capacité de prendre des décisions pour l'avenir réellement en pleine possession de leurs moyens, je dirais. Enfin, et du coup, il ne faudrait pas qu'il y ait 3 années de grêle ou 3 années de sécheresse ou 3 années de trop de pluie. Enfin bref, un aléa climatique quelconque. Guerre. Sur les aléas climatiques, on a encore le petit côté un petit peu assurance. On peut essayer, oui, vis-à-vis d'une grêle, d'aller chercher un système assurantiel. Une guerre, on n'avait aucune assurance. Hein. Là, l'assurance, si on ne se l'était pas créé, on se l'est mangé plein de fouet là, et puis en x2. Hein. Donc j'en sais rien, si ça refait un yo-yo ou quoi que ce soit, j'ai intérêt de fort anticiper, et je ne sais pas trop comment, mais il va falloir que je réfléchisse dans tous les sens. Donc s'il y en a un qui sait me dire là, à tel jour, achète, ok. Le suicide des agriculteurs, on en parle? On peut. Il y a combien de morts par an? C'est un agriculteur qui suicide tous les deux jours. Tous les deux jours. Mais encore une fois, je sais pas comment on peut l'aborder, mais c'est pas un concours de la profession qui se suicide le plus. Enfin, je sais pas, chez les gendarmes, j'entends dire clairement. Qu'il y a d'autres professions aussi qui sont sous contrainte et où les mecs passent à l'acte. C'est un sujet en agriculture. Le sujet qui est quand même avec l'agriculture, c'est que. Souvent, c'est une transmission. Souvent, on est fils d'exploitant. On a repris la ferme familiale, la ferme peut-être du grand-père ou de l'arrière-grand-père. Donc, on a un poids sur la dimension patrimoniale, mais qui est énorme parce que tout le monde a réussi avant et on veut pas être la génération qui va couler la boîte. Donc, on est là, on se donne. Puis au bout d'un moment, on a beau se donner, mais à la maison, quand il y a plus d'argent, ça pète, quoi. Hein. Enfin. Il faudrait que mon père il me la redonne, mais quand il n'y a plus à bouffer dans leur atelier, les choses battent. C'est ça aussi à la maison. Quand il n'y a plus d'argent, au bout d'un moment, et que c'est le conjoint ou la conjointe qui ramène, on se retrouve dépendant un peu à essayer d'avoir une entreprise qui coule, donc qui fait perdre de l'argent, et au bout d'un moment, ça craque. Et malheureusement, il y en a, on essaye de les accompagner aujourd'hui, il y a des trucs qui sont créés avec la mutualité sociale agricole, d'accompagnement, essayer de trouver les personnes en difficulté pour essayer de leur dire, peut-être. Arrêter ou trouver autre chose ou de ramener encore de l'endettement supplémentaire, ça n'a jamais sorti quelqu'un. De lui dire, attends, réinvestis là-dedans, tu vas voir, ça va aller mieux. Alors là, ça marche 1 fois sur 10, c'est une cata directe. Mais d'essayer d'y trouver un système, attends, on va t'accompagner, il y a des aides, est-ce qu'on peut te rapporter un peu? Et puis au bout d'un moment, des fois, il y en a qui veulent voir personne parce qu'ils ont tout perdu ou ils sont seuls sur l'exploitation. La femme est partie, ou la femme est encore là, mais c'est compliqué. Ou avec quelqu'un d'autre.
Et c'est compliqué. Et la banque, on n'a plus envie de les voir. La mutualité sociale, on n'a plus envie de la voir. Et on tombe dans une dépression. Ton courrier. Ouais, c'est ça. Ça commence comme ça. Et puis tu plonges petit à petit dans les enfers. Et puis il y a une chose aussi quand même qu'il faut se dire, c'est que les agriculteurs, ils ont pour habitude d'aller au bout du bout des choses. C'est-à-dire que il y a cette fierté qu'on disait, notamment vis-à-vis du patrimoine, mais un agriculteur, il va pas accepter de déposer le bilan. Ouais, jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout. Les banques le savent. Hein. Et donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, ils ont aussi accès à des prêts et un système bancaire plus facilement ou qui favoriserait l'endettement parce que les banques savent qu'ils vont aller jusqu'au bout. Donc, le mec va perdre sa santé, va perdre sa famille. Il va tout perdre avant d'en arriver là. Et quand même, dans la majorité des cas, finalement, la banque récupère son actif. Et ça, c'est dramatique. Et ça, il faut aussi que les jeunes qui s'installent, ils prennent conscience que non, on débranche avant, on arrête. Enfin, les billets, c'est du matériel, hein. Ça n'a pas de valeur. On rend les clés de la baraque et on arrête. Parce que la vie, c'est ça, la valeur des choses, c'est la vie, c'est le vivant. Et les agriculteurs devraient le savoir, ils le savent mieux que tous les autres. Les billets, les pièces, ça n'a pas de valeur. Quentin, tu veux rajouter un mot ou on passe à un autre sujet ? Non, c'est... On passe à un autre sujet. Ouais, vas-y. Quand vous avez fait un petit peu Prigogine monte à la capitale, vous avez été suivi un petit peu par les services de renseignement, vos téléphones, vous aviez... Bien des... sûr. Ouais. Raconte un peu. Vas-y, quand tu étais tout à l'heure au téléphone avec... Ouais, bah, ils adorent ça. Bon, en fait, Monde Agricole a toujours été très, très actif, très, voilà, dès qu'il y a les mobilisations, on est quand même une tranche de métier où on va dire qu'on est quand même très suivi parce que quand un agriculteur se met à se mobiliser et à bouger, ça peut vite bloquer quelque chose, ça peut vite emmerder le monde. Donc, ou casser, ça s'est quand même amélioré, mais bon, il y a eu des arriérés de manifs où quand même il y a eu pas mal de dégâts, donc bon, ils savent que quand ça pète, ça peut péter fort. Ah bah, une claque de vigneron. Ah bah celle-là, ça laisse des traces. Ils ont des mains. Bon, donc il y a toujours une relation, on va dire, en fonction des départements, qui se passe plus ou moins bien, parce qu'avec les renseignements territoriaux, ils viennent te voir, on les repère. Ils sont sympas, les renseignements territoriaux. Les trois quarts, ceux-là, ils sont très sympas. Ils viennent nous voir. L'idée, en fait, c'est que si on leur vend une petite carotte, derrière, ils vont nous en donner une autre, et puis c'est bon, on serre la main, on va travailler un peu comme ça. Ils aiment bien savoir aussi. Ils sont aussi un outil pour nous, parce que des fois, on les appelle en leur disant, là, je te le dis, hein, préparez-vous à quelque chose, c'est en train de monter, les gars, ça va chauffer. Vrai ou pas, n'importe, tu lui racontes ça, derrière, ça remonte, ça arrive sur... Tu fais d'intoxication en plus, c'est bien. Ça arrive un petit peu sur le bureau du préfet, et là, alors les gars, ce qui paraît, ça a chauffé, ça vous dit, on se rencontre, on discute un peu. Ouais, parce que là, il y a des sujets qui sont chauds, il faut qu'on se voit, bam. Et puis, il y a des fois, bon, ben, on est là, on dit, bon, on va rien dire aux renseignements territoriaux, on va faire une petite action coup de poing dans un coin d'une GMS ou d'un truc. C'est quoi une GMS ? Une grande surface. On va, l'autre là-bas, il nous enquiquine un peu, on va laisser là, le plier, ou tiens, il y a la députée qui a sorti une connerie, ou le député, ou le sénateur. Bon, on va faire un truc, on va aller déposer une benne, ou la préfecture va déposer une benne devant. Ça, c'est action coup de poing. Donc ça, on essaye de se taire. Bon, ça, ils apprécient un petit peu moins bien. Des fois, ils viennent nous voir en disant, hey, les gars, on avait créé le la confiance. Caca, là. Il va falloir le ramasser, quoi. Hein, ou sinon, vous allez refaire la facture. Mais oui, il faut ramasser. Pas toujours. Pas tout le temps. Et puis maintenant, on a chopé aussi un peu les techniques, quoi. Le téléphone, on le met en mode avion, hein, quand on fait ces conneries-là, ou on le laisse à la maison. Hein, parce que bon, quand on s'aborne, hein, maintenant, faut faire attention. Donc, on fait nos conneries. Les renseignements, on a toujours un bon échange, plutôt assez bon avec eux, parce que ils ont besoin, en fait, c'est les premiers à donner au plus haut la température. C'est les capteurs de température. Ouais, clair, totalement. Enfin, voilà, encore tout à l'heure, là c'est on sent que là, il y a une tension quand même, toujours, hein, malgré les mobilisations qu'on a eues, les revendications. On voit qu'on n'a pas forcément de réponse sur certains points. On sent que ça repart un petit peu. Bon, bah, ça n'a pas loupé tout à l'heure. Oh, tiens ! Numéro inconnu ? Oh bah non, bah, numéro bien connu, parce qu'il me l'a donné carrément, son numéro. Il m'a dit comme ça, tu m'appelles quand tu veux. Ah là, je... Ah, tiens, oui, ça va, ouais. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Ah. Qu'est-ce que je peux te raconter ? Et puis là, bah voilà, on essaye de dire, bah là maintenant, là faut être clair avec eux. Voilà, ça va mal, c'est la merde. On n'a pas été répondu partout. C'est un renseignement symptomatique en fin de compte. Deux. Oui. Là. Oui.
Oui, ça vient chercher la petite information, mais pas celle en profondeur, pas celle qu'ils auraient besoin de savoir pour changer les choses. Non. Ils viennent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire là vite fait pour désamorcer le truc. Un coup de téléphone en préfecture, ramener un dossier au préfet, dire attention, ou à la gendarmerie du coin, ou les députés, alerter, en fait, dire les gars, en fait, mais c'est malheureux, en fait, quand je redis tout ça, que les premiers lanceurs d'alerte directement avec les préfets, en fait, ça soit clairement les renseignements territoriaux. Ça devrait être plutôt, j'en sais rien, nos banques, nos mutualités sociales agricoles, ou nous-mêmes, exploitants agricoles, de dire au préfet, bah, ça va mal, ça chauffe, et en fait, là, ils disent, ouais, non, non, et puis d'un seul coup, quand on appelle les renseignements et qu'on dit, les gars, j'ai 5 bennes d'attelés derrière, remplies de pneus et de fumier. Dans 2 heures, on est là-bas. Oh, souvent, dans les 5 minutes, il y a un coup de téléphone du préfet. Le renseignement de terrain est sur du long terme, il n'y a que ça de vrai. Question pseudo-internet, arrivée par SMS. Comment aimeriez-vous que l'agriculture évolue, en quelques mots? En un mot, hein. Bien. Maintenant, ça décrit que dalle. Comment on aimerait qu'elle évolue? Qu'on soit écouté, qu'on soit rémunéré, sa juste valeur. Nous, les consommateurs, qu'on vende au mieux, qu'on soit libre. Mais les transitions. Environnemental, social. Environnement, mais oui. Mais l'environnement, on est prêt à y travailler. Mais qu'on nous écoute. Autre question. Que pensez-vous de la position du gouvernement concernant l'utilisation des pesticides? Bah, ils ont une position où aujourd'hui... Enfin, j'ai du mal à voir un peu la question, mais position, ils ont une position où aujourd'hui, elle est là. Ils ne veulent pas 100% l'interdire parce qu'ils savent que derrière les solutions alternatives, il n'y en a pas des masses. Ou bah, ils ne veulent pas mettre suffisamment d'argent pour aller les rechercher. Je peux prendre l'exemple du glyphosate. Hein. Glyphosate, ça a été le grand débat des années et des années sur le glyphosate. Et encore toujours, le glyphosate, il est là. C'est ça qui tue, etc. etc. On le voit sur les OGM, sur les États-Unis. Bref, on ne va pas dire de marque, mais il vient de créer d'une grosse firme aujourd'hui que c'était l'homme, c'était le truc à abattre. Il faut... Ok, ça marche. Aujourd'hui, on dit, moi, je le retire. On a quoi en face? On n'a aucune solution alternative. Donc, si moi, j'en ai une sur mon exploitation... Bah, chèvres. C'est d'aller brouter. Alors, ça veut dire que j'oublie toutes mes grandes cultures. Mais ou plutôt, ouais, et puis où je vais m'installer dans le Larzac et puis je me mets des chèvres, un chevaux de paille et... Oh, mais non, aujourd'hui... Si, j'ai une solution. Bah, je remets 100 litres ou 150 litres de gasoil et de GNR en plus sur mon exploitation parce que je vais travailler... intensément mes sols, détruire malheureusement ce que je viens de réussir à créer, où j'ai des sols vivants, qui fonctionnent, et voilà, faut savoir un peu ce qu'on veut. Autre question, pourquoi y a-t-il une déconnexion si grande entre la base militante et les dirigeants? Parce qu'on n'a pas su s'exprimer, parce qu'on n'a pas su raconter ce qu'on allait faire, ce qu'on faisait en fait. La question elle est bienvenue, hein. Y a une vraie déconnexion, en tout cas une incompréhension entre l'adhérent et son représentant, son mandant, là, comme on est nous à Paris ou ailleurs, parce qu'on ne sait pas s'exprimer, parce que voilà, on n'a pas su faire aussi, et que je pense qu'il y a du décalage entre l'agriculteur qui prend tout ça sur lui, toutes ces attaques sur la ferme, et nous qui essayons de trouver des solutions et qui prenons pas forcément le temps de se pencher, d'écouter, de dire bon les gars, qu'est-ce que vous avez vraiment à nous dire? Nous on peut le faire un peu chez JIA, mais on manque de temps et on manque de bonhommes et de femmes pour faire ce travail, on manque de responsables. Et en fait, on subit des problèmes, on court derrière des trucs et on n'arrive pas à expliquer vraiment ce que c'est que les combats syndicaux. Et... Un peu comme les services de renseignement, quoi. Ouais. Ouais. On est presque aussi mauvais. Tu veux rajouter un mot? Je passe une autre question. Bon, c'est bon. Pourquoi la transition vers l'agriculture biologique, ou tout du moins plus raisonnée, est très peu représentée alors que de nombreux jeunes agriculteurs souhaitent s'installer en bio? Eh ben, le secrétaire général de Jeunes Agriculteurs est en bio et il négocie pour les agriculteurs bio et il essaye de faire entendre l'agriculture bio parce que voilà, elle est moins bien représentée parce qu'à un moment donné, on a fait comme on fait beaucoup avec cette société, on nous demande de choisir entre le noir et le blanc. Le bio, c'était le blanc pour certains et l'autre le noir. Et c'est pas une vision binaire des choses et donc il y a peu de gens qui ont pu se retrouver dans cette vision binaire des choses et c'est déplorable. Pourquoi soutenir le libéralisme et l'industrialisation des fermes si on peut soutenir une agriculture paysanne? Parce qu'il faut tout. Parce qu'il faut tout. On a été... C'est pour ça qu'on dit qu'il faut tout revoir. C'est pour ça qu'on veut tout mettre à plat. Parce qu'en fait, on a été formaté et on l'est toujours. Il faut nourrir le monde.
Moi, j'ai, enfin, on peut revenir dans les années 90, hein, et même encore toujours. Mais à l'époque, moi, gamin, j'allumais la télé, des fois, ah, juste à 20h le soir, on voyait Afrique. Claire Chazal. Ouais, voilà, Claire Chazal. Et puis derrière, elle nous montrait une famine supplémentaire, et encore, et encore. Et des gamins qui avaient mon âge à l'époque, maigris comme pas, des horreurs qu'aujourd'hui, j'ai pas envie que mes enfants voient. Donc moi, j'ai été élevé en disant, tu vas être agriculteur, tu vas nourrir le monde. On le nourrit, bam, on y va, allez, vas-y, tac, tac, tac. Et puis maintenant, on nous dit, oh, 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 oh les gars, non, non, c'est pas ça le truc, le délire. On va faire du ultra-vert, quitte à moins produire, tant que nous, on mange, les Français, ça va le faire. Moi, j'en ai qui disent ça. Hein. J'en ai qui nous disent ça en face de nous. On est là, on dit, vous êtes sûr, oui, mais il y a le monde. Non, mais parce que vous croyez que c'est nous qui allons sauver le monde. Regardez, il y a tout qui va bien et tout, plus personne a faim, etc. Afrique, tiens, mon petit. Oui, je pense qu'il y en a qui peuvent aller faire des petits allers-retours. Hein. Donc, voilà, l'agriculture paysanne, elle a sa place. Il faut savoir l'emmener tout en ayant quand même une grosse part de production parce qu'on a quand même le devoir de nourrir. Pourquoi faire lutte commune avec la FNSEA alors que l'avenir de l'agriculture est ailleurs ? Parce qu'on n'est pas complètement opposé sur certaines choses avec la FNSEA et donc oui, on pousse sur certains trucs et puis la FNSEA, c'est puissant. Ça pousse fort et donc bah, pour faire pousser quelques idées, bah, nous, des fois, on s'accroche et on se fuit un peu, quoi, comme un petit cycliste qui s'accroche à la benne de tracteur pour pas pédaler à la montée. Oui, non, mais il faut juste charger le vélo dans le tracteur et boire une bière avec le. Avec modération, la bière. Mais prendre la place, en gros. Ouais. Prendre la place, hein. Prendre la place. Mais aujourd'hui, c'est former nous, jeunes agriculteurs, et peut-être demain, on sera les futurs représentants de la FNSEA. Et en fait, moi. Qu'est-ce que tu vises à 15 000 balles par mois. Déjà, je sais pas s'il touche ça. Ah, il touche combien ? J'ai aucune idée sur les salaires. Aucune idée non plus. Hein. Des indemnités, je sais pas du tout. Mais pour l'instant, non, moi, je vise vraiment de finir mes mandats syndicat, JA. JA, c'est jusqu'à 37 ans. 38, excuse-moi. En plus, on l'a fait. Ah oui, 38 ans. 38 ans, arrivé à 38 ans, on peut plus être. On peut toujours être adhérent syndicat jeune agriculteur, mais on peut plus être élu représentant dedans. Donc après, il y a différents syndicats. Les vieux agriculteurs. Et ben après, il y a FNSEA. Ah. FNSEA, si on veut suivre. Donc moi, éventuellement, pourquoi pas. Mais en fait, là où j'ai envie de dire certains, des fois, agriculteurs qui disent « Oui, corrompu, oui, ici, oui, ça. » Moi, je leur dis bah, « Tu as des super idées, tu les prends, tu vas dans n'importe quel syndicat que tu vas et tu les pousses. » Vas-y, prends le leader. Les mecs, ils sont là. Ouais, non, Confédération, ça m'intéresse pas. Ouais, FNSEA, pourquoi pas, mais c'est que des corrompus, ça fait 20 ans qu'ils sont là, et les vieux, et ci, et ça, et ça. Vas-y, prends la place. Je suis sûr qu'il y en a qui vont la laisser. Il y a eu des preuves de corruption dans les syndicats agricoles ? Non. Des preuves de corruption, non. Pas de preuves de corruption. Non. Pas de preuves de corruption. On fera fact-checker ça. Quelles sont les évolutions positives récentes de la PAC ? Pourquoi opposer écologie et agriculture ? On ne l'oppose pas. Sur la PAC, bon, je vais être clair, je vais tout donner. Sur la PAC, l'année dernière, il y a un an et demi, ouais, sur la dernière récolte, la récolte 22, j'ai dû toucher 39 000 euros de PAC. 39 000 euros de PAC. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle modalité PAC. 20% du montant PAC est ciblé sur des obligations environnementales. On est peut-être un des seuls corps de métier où on va nous dire, pour toucher ta PAC... On va revenir sur la base. Hein. J'aimerais bien ne pas la toucher, la PAC, pour pouvoir en vivre. Hein. Mais on me dit, bah voilà, tiens, t'as ta PAC qui va créer une partie du revenu. Tu as 20% de ton revenu là, c'est des obligations environnementales. Je les ai respectées. J'aurais dû avoir 39 000 euros encore cette année. J'ai perdu 4 230 et quelques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a trop d'agriculteurs qui ont respecté cette norme environnementale. Et puis à la fin, l'Europe nous a dit « Ah, bah nous, on avait mis un tel budget, bah, on ne va pas pouvoir le réaliser pour tous, alors on va vous en donner un peu moins. » Ça a été encore un acte là, que tous là revendiquent encore là. On dit « Mais attendez les gars, déjà on est asphyxiés. » Et puis là, moi j'ai perdu 4 200 et quelques là, encore en plus cette année, qu'on nous a retiré de la PAC, parce qu'on n'a pas été capable de me payer mes critères environnementaux que j'ai respectés. Donc nous, on ne l'oppose pas. On ne l'oppose pas à la PAC. Pour moi, la PAC, elle va pouvoir accompagner. Mais on revient toujours sur ce revenu et sur l'accompagnement et sur l'explication. En fait, on est sur de l'écologie punitive actuellement. On punit, et on lui dit tu fais ça et derrière, tu auras une petite carotte éventuellement. C'est pas ça l'écologie. Il faut accompagner, il faut faire une transition. Le chiffre d'affaires de ton exploitation, c'est combien ? Chiffre d'affaires sur 2022, 320 000 euros. Et toi ?
Chiffre d'affaires 2022, bah, ouais, 380 et quelques, je ne l'ai plus exactement en tête, 380 000 euros. Question Internet, quelle est la différence entre la paysannerie et l'agriculture ? C'est la même chose. C'est la même. C'est la même chose. Les deux travaillent le vivant, exploitent ou pas le sol, mais peu importe, en fait, c'est de la sémantique pour moi. Pensez-vous que l'agriculture bio pourrait nourrir toute la France ? Non. Non, ouais. Mais non, bah parce que ce que je disais, Quentin, il fait, je sais plus combien tu disais, 80 quintaux, 60 ouais, ouais, 80 quintaux de moyenne en blé, la référence, machin, moi j'en fais 30 en bio. Et entre, bah, y en a qui vont avoir le ventre qui gargouille. Alors le blé, c'est une chose. Maintenant, il y a plein d'autres cultures. En oui, fait, mais globalement... C'est le blé, aujourd'hui, je crois qu'on est en surproduction en France. Donc, ça va, oui, on pourrait aller en bio sur le blé... Ouais, quelque chose près, oui, ça va, on va peut-être respecter les critères français, mais on oublie l'importation, on oublie l'exportation, je veux dire. Hein. Donc ce que je disais tout à l'heure sur les crises, famine ou quoi que ce soit, on oublie. Ça, ok, on se nourrit que nous, entre nous, pas de problème. Mais après, il y a tout le reste aussi à côté, il y a toutes les autres cultures. Et en fait, quand on met tout bout à bout, bah, nous, on voit des chiffres hein, sur le bio, ça laisse quand même perplexe à réfléchir, quoi. Est-ce que sortir de l'Europe est une solution ? Sûrement moi, pas. Je pense pas. Sûrement pas. Êtes-vous heureux de pouvoir utiliser plus de pesticides librement ? Du tout. Du tout, je me lève pas le matin. En termes de phyto, j'ai dû lâcher une ardoise de quasiment 70 000 euros de phyto avec les hausses de phyto là, pour l'année-là. J'aurais préféré m'en passer, hein, ou en lâcher peut-être deux fois moins. Je me lève pas le matin en me disant « qu'est-ce que je vais faire et si j'allais en épandre un petit peu ?» Non. Déjà, je prends ma voiture, la veille ou l'avant-veille, je vais faire le tour de mes parcelles. « Ah tiens, il y a de la maladie qui se crée là. » Ah, ça m'embête de sortir, il n'y a pas suffisamment. Bon, ça va peut-être passer, ça va le faire. Puis des fois, on revient le lendemain. Oh, putain, c'est pas plus que ça. C'est bon, un passe. J'en mets pas. Puis des fois, bah, on va connaître l'année dernière, avril, très frais et pluvieux, là, ici, hein, par chez nous, là. Et la pluie, un peu de fraîcheur. Et puis, t'es arrivé un peu les chaleurs avec des cultures qui étaient assez humides de base, une terre assez humide. Et là, un température humide, développement des maladies. L'année dernière, j'ai dû faire. Il y a deux ans, j'ai fait un fongicide. Donc, fongicide, c'est pour les maladies. Cette année, j'ai dû en faire deux. Voilà, donc bah, c'est deux fois le prix. Ça ne m'intéressait pas d'aller le faire. Ça ne m'intéressait pas. Ça ne nous intéresse pas d'aller les traiter. C'est juste que bah, c'est ma solution. Si je ne le fais pas, je sais que je vais perdre 30 ou 40% dessus. Connaissez-vous d'autres alternatives pour la culture de céréales ? Pardon, la culture de céréales que le glyphosate ? Je recommence. Connaissez-vous d'autres alternatives pour la culture de céréales que le glyphosate ? Alors, le glyphosate, il est utilisé avant de mettre la culture. En France, on ne traite pas de glyphosate sur la culture. Pourquoi ? Parce que le glyphosate est non sélectif, il détruit tout. En fait, hein, il va tuer les herbes, il va tuer le blé, il va tuer les mauvaises herbes. Donc, aujourd'hui, il y a des solutions, oui, c'est-à-dire travail du sol intensif, fort, on va travailler plusieurs fois le sol pour vraiment évacuer ces mauvaises herbes-là. Donc, bah, après, travail du sol. Bon, bah, on connaît aussi ces déboires derrière, hein, érosion, au vent, à la pluie, à la sécheresse. Hein, un sol nu au 15 août, quand il fait 30 degrés dehors, vous mettez votre pipette, vous prenez la température, vous allez avoir 2-3 degrés de plus. Un sol qui est couvert, bien couvert, tout vert, etc., vous allez le mettre, il va y avoir 2-3 degrés de moins. Donc bah, voilà, il faut pallier aussi ça au réchauffement climatique. Pour moi, ça fait part. Pour moi, le glyphosate aujourd'hui est une part. Est un produit qui permet l'accompagnement face au changement climatique dans certains coins. Alors là, c'est un commentaire. D'ailleurs, c'est pas la section commentaire, donc il va se faire taper sur les doigts, mais je vais quand même le lire. Le monsieur s'appelle Julien Métayer. Incroyable ! Ils ne sont pas politiques ! Avec 1, 2, 3, 4 points d'interrogation. S'il vous plaît, invitez de vrais paysans. Ils sont insupportables. Donc vous n'êtes pas politique, vous êtes politique ? Je ne suis pas politique, en tout cas je ne me considère pas comme tel. Question, qui a détruit le bâtiment de la Fédération de la Pêche à La Rochelle ? On n'a pas suivi cette histoire. Non. Question de Clément, pourquoi on entend la FNSEAJA réclamer toujours à la baisse des normes pour toujours plus de compétitivité, plutôt qu'exiger des mécanismes de garantie de revenus ? Point d'interrogation. Pourquoi ne part-il jamais de l'euro alimentaire ? Sur 100 euros dépensés en alimentation en France, 6,4 euros reviennent aux agriculteurs français en 2017, alors que la moyenne 95-2007 était de 9,9 euros.
Source Philippe Boyer, source Eurostat, INSEE, Calcul, INRA. Ça vous parle ? En partie, oui. Pour la question, si on fait la synthèse, c'est plus ou moins de dire pourquoi on ne se bat pas pour le prix plutôt que pour les normes, en fait. C'est là qu'on communique mal, en fait. Parce qu'on demande les deux, et on a même réussi à créer un outil qui nous permet de ramener de la valeur, qui s'appelle Egalim, et c'est des contrats où on sécurise le prix, et dedans où on construit un prix minimum qui est sur les coûts de production. Donc ça y est, on y est, et c'est, voilà. Deuxième partie du commentaire, qui est à la fois un commentaire et une question, toujours de Clément 2. Lien FNSEA, JA. Les JA ne sont-ils pas la chambre de recrutement pour la FNSEA, permettant de repérer les profils compatibles, entre parenthèses, par exemple, pas trop remuants contre la mainmise de l'agroalimentaire sur la politique de la maison? Fermez la parenthèse, point d'interrogation. Ça l'a été. Ça l'est encore pour quelques personnalités. Il y a des gens qui, après leur parcours JA, vont à la FNSEA. C'est pas la règle. C'est pas la règle absolue. C'est pas comme ça que c'est défini. Et voilà. Il y a aussi beaucoup de jeunes agriculteurs qui ont fini leur processus chez jeunes agriculteurs, qui sont partis dans les milieux économiques, coopération, peu importe. Question d'Internet. Les préfectures vandalisées qui portaient les drapeaux de la FNSEA JA, point d'interrogation. Vous avez matraqué les préfectures ? Il y a eu des tas de fumier déposés devant, oui, chez certains préfets, où il y a eu des demandes de rendez-vous qui ont été faites, à demander, et puis soit ils n'ont pas respecté, ou soit ils n'ont pas répondu aux attentes. Mais en fait, un tas de fumier avec, j'ai envie de dire, bon, ça va, hein, ils ont été assez tenables. Parce que dégrader ou mettre à feu ou à sang une préfecture ou un bien public, bah, ça reste toujours nous qui payons derrière. C'est déplorable de voir ça. On dénonce tous les actes de vandalisme. Et en fait, malheureusement, ça montre quand même une colère et puis un mal-être agricole. Là, c'est un commentaire. La loi Egalim est justement contournée par la grande distribution grâce à l'Europe. Point d'interrogation. Oui, non, est-ce que... Elle est en partie contournée parce qu'ils peuvent aller négocier en fait les contrats Egalim à l'étranger. Et c'est pour ça qu'on a entendu parler d'une Egalim européenne. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas sortir de l'Europe et que, voilà, on revient sur le sujet européen. Mais en fait, oui, elle peut être contournée et c'est ça qu'on dénonce parce que c'est des petits malins. Il y a beaucoup de questions. Ils sont fâchés que vous soyez copains avec la FNSEA. Hein. Sûrement, ben oui. La FNSEA. Pourquoi ça vous... Ça parce que dans, j'ai l'impression qu'on aime bien les totems en France. La FNSEA est le totem de l'agriculture parce qu'ils ont défendu et ils défendent un modèle qu'on qualifie de productiviste. Et comme on a un peu du mal avec ça, au même titre qu'on a un problème avec les lobbyistes en France, pourtant, Dieu sait s'il y en a sur le territoire, sur toutes les corporations... Mais on a un problème avec ça, et donc tout ce qui serait toucherait de près ou de loin la FNSEA serait considéré comme Satan. Ils font pas que des mauvaises choses pour l'agriculture, la FNSEA, et ils ont aussi, il y a bien des combats qu'ils ont menés qui ont permis de garantir ce qu'est le pays aussi en termes de souveraineté alimentaire. Et voilà. Ils ont fait des conneries. Il y a d'autres syndicats qui étaient représentés lors des manifs ? Oui, on a vu la coordination rurale, les bonnets jaunes, la Confédération paysanne aussi était mobilisée, le MODEF qui est un plus petit syndicat aussi. Voilà. Tous les syndicats pour le coup étaient mobilisés. Il y a beaucoup de questions. Hein. Oh là, je suis en train. Faites un peu la conversation entre vous, je choisis mes questions. Non, pas de problème. C'est bien si ça réagit. Ouais, ça réagit fort. Alors, très oui, bien. Elle a raison. Non, on s'en fout, ça. Connaissent-ils le couple Bourguignon ? Si oui, que pensent-ils de leur travail et de leur discours ? Alors, faudra pas que la communauté de Finkerview me blâme, mais j'ai vu qu'ils étaient venus, Claude et Lydia Bourguignon, sur Finkerview. J'ai pas encore regardé, donc voilà. Mais moi, j'ai les ouvrages de Claude et Lydia Bourguignon à la maison, évidemment. Et moi, j'ai regardé pas mal de leurs vidéos, j'ai suivi pas mal de leurs chantiers, étant donné qu'eux, ils sont quand même sur un côté à dire il faut fortement limiter le travail du sol, il faut un sol couvert, sans chimie. Donc un système permaculture, hein, clairement, où il faut un sol efficace, sans pollution, sans rien. C'est un petit peu dans ce sens-là que j'ai essayé de m'orienter avec l'agriculture conservation. Un sol couvert, sans travail du sol. J'essaye de limiter l'utilisation de ma chimie. Moi, j'ai fait des réductions de chimie. Hein. J'ai réussi des années à me passer zéro insecticide, de réduire par deux ou par trois mes utilisations de fongicides, insecticides pour les insectes, fongicides pour les maladies.
reste le volet herbicide qui est des fois assez compliqué parce qu'en fait, très concurrentiel. On va prendre mauvaise herbe. Voilà, par exemple, les bourguignons ne vont pas vous parler de mauvaise herbe, mais une plante qui n'a rien à faire là, mais c'est pas grave, il faut construire autour d'elle. C'est ce que tu as dit aux gendarmes ? Ouais. Et sur ces mauvaises herbes, ultra concurrentielles pour ma culture, sur du blé, de l'orge, du colza, peu importe, ça va être, et là en fait ça impacte fortement les rendements. Et étant donné qu'on a des charges très fortes devant et qu'on sait qu'on est limité sur le prix de revenu, on a toujours cette carotte d'utilisation. Donc, mais oui, je connais. Que pensez-vous des tracteurs autonomes de John Deere avec la. Avec l'IA et les satellites, avons-nous encore besoin d'agriculture ? Et les petits robots qui ramassent les pommes et ainsi de suite là. Il y a de belles choses, hein, il y a de belles choses. Moi, j'ai un exploitant juste à côté de chez moi qui fait des betteraves en bio. Et il s'est acheté un petit robot autonome qui travaille 7 jours sur 7, 24 sur 24, et qui vient tournicoter autour des betteraves tout en avançant pour désherber les betteraves. C'est fabuleux. Il a payé 150 000 euros pour 1,50 m de robot. C'est de l'horlogerie. Donc 1,50 m, il l'utilise pour 20 hectares. 20 hectares de betteraves. Il est vendu pour 20 hectares de betteraves max. Pour l'instant, c'est sa première année. Il voit les premières pièces d'usure arriver. Il me dit « Ouh, voilà, ça va sûrement coûter. » Il a dû avoir, je pense, des accompagnements, de subventions et autres. Donc, il y a des belles choses qui se font. Après, l'agriculture, je crois qu'elle a le droit aussi d'avancer dans son temps. Aujourd'hui, on utilise l'IA un petit peu partout, pour tout et pour rien. Je pense que l'agriculture, si elle a des possibilités technologiques de l'utilisation, au contraire, qu'elle l'utilise. Après, attention, on a toujours cette notion d'homme, de main-d'œuvre, d'emploi, et puis quelle agriculture on veut aussi. Mais ça peut être aussi une vision demain de notre gouvernement ou de nous dire, les gars, de toute façon, nous on veut de l'agriculture 100% digitalisée, 100% informatisée et robotique, donc allez comme ça, on oublie la main-d'œuvre, de toute façon, l'agriculture. Mais c'est pareil, aujourd'hui on jongle un petit peu sur tout, donc voilà. Vous avez suivi un peu que quand les agriculteurs se faisaient taper leur GPS pour que ça parte dans les pays de l'Est, là. Oui. Ça gueule fort, ça, non ? C'est pas très cool, c'est pas très fun comme truc. Ouais. Bah, c'est surtout que en plus, je vais prendre la marque, vous l'avez cité, avec les robots, les John Deere. Il y a Ami Voleur, il y a un traceur dedans. Ils doivent aussi comprendre comment détruire. Oui, on les voit une fois qu'ils arrivent en Ukraine, ils s'éteignent. Ah, c'est en Ukraine ? Oui, on en a vu traverser, on en a suivi. Parce que moi, j'en ai eu des voisins à côté qui se sont fait voler. Et on a une application, je veux dire, où on peut suivre le tracteur depuis son application, savoir où est-ce qu'il est. Et en fait, quand le GPS disparaît, on voit le GPS qui. Ah, tiens, pouf ! Il s'arrête à un endroit, il a disparu, signal perdu, à la frontière. Impressionnant. Magnifique. Que pense-t-il de l'étude prospective 2050 de l'INRA ? Laquelle ? Ah ouais, il n'y a pas marqué. Parce que l'INRA fait plein d'études prospectives et c'est vrai qu'ils en ont plusieurs. Je ne sais pas si la question c'est sur les produits phytosanitaires. Enfin voilà. Attends, faut que j'apprenne. Recherche variétale, voilà. INRA 2050, je crois que ça parle du zéro phyto. Je crois que c'est très axé là-dessus sur le zéro phyto 2050. Je veux pas dire de bêtises. Je l'ai plus comme ça en tête. Maintenant, tout ça, moi, j'ai envie d'y croire. Moi, ça me dérange pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je veux bien taper dans la main de n'importe qui si on nous garantit une agriculture propre, sans phyto, avec un nouveau modèle totalement, voilà et tout. Mais oui, c'est encore croire aux bisounours, et oui, c'est. Voilà. Mais faut tout poser, faut discuter. Et c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Faut arrêter de nous dire là, à nos générations là tout de suite, ou là, dans les deux prochaines. Dans les prochains mois ou dans les prochaines années, qu'on doit réparer les conneries qui ont été faites depuis 30 ou 40 ans. Ta source sur les 20 000 hectares en superficie des exploitations en Ukraine, c'était quoi ? Ah, c'était moi, c'était Julien de Normandie cette semaine sur un plateau télé. D'accord, c'est qui Julien de Normandie ? Un ancien ministre fort brillant de l'agriculture française. D'accord. Le mec qui pose des questions, il n'a pas l'air très, très rigolo. Bon, est-ce que vous voyez Alors, il y a tellement de questions. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que vous voulez aborder avec nous ? Ouais, on en a pas mal brossé, hein, moi, y de y moi y je y trouve en a partout, que c'était. En fait,
là, il ouais, y a plein de commentaires qui arrivent et autres. Ah bah là, y en a plein. Moi, j'invite hein, vraiment tout le monde, hein, tous ceux qui regardent, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui veulent apprendre avec de l'agriculture, il faut aller discuter. On est là sur nos fermes, on n'est pas enfermés hein, à se cacher derrière ou quoi que ce soit. Vous voyez quelqu'un qui traite ou quoi que ce soit, il faut arrêter de chercher les insultes ou la bagarre ou quoi que ce soit, parce qu'on en a. Moi, j'en ai. J'ai rigolé à l'automne, j'ai sorti le pulvérisateur pour le nettoyer. J'ai eu le droit à un bras d'honneur et un va te faire, voilà. Il n'y avait rien, il était vide, c'est juste que je l'ai sorti. Et en fait, cette personne-là, j'aurais préféré qu'il s'arrête et qu'on discute, sans forcément aller se foutre sur la gueule, mais qu'on discute. Qu'est-ce qu'il me reprochait? Qu'est-ce que moi, je peux lui reprocher? Et que je lui explique un petit peu quel est le modèle agricole. Comment fonctionne l'agriculture? Aujourd'hui, on voit l'agriculture, comment elle est formatée sur les médias ou comment elle est formatée dans nos livres, comment on a envie de la présenter. Le meilleur moyen aujourd'hui pour connaître l'agriculture, c'est l'échange. C'est la discussion avec l'agriculteur même. Alors là, ça tombe bien parce qu'il y a une question qui va dans ce sens-là. Ces messieurs accepteraient-ils une seconde interview en présence de leur contradicteur? Au hasard, une figure des soulèvements de la terre aurait sans doute un argumentaire constructif pardon, à apporter à la discussion. Il n'y a souvent que du vide en face, comme vous avez noté. Non, il n'y a bien plus que de l'indignation stérile. Vous acceptez les soulèvements de la terre en direct live? Bien sûr. S'il y en a un qui m'ouvre, c'est moi qui tape tout le monde. Vendu. Vendu. Même à deux, vous ne faites pas de poids contre moi. On est d'accord. Le comté, il est au Fort des Rousses dans le Jura. Bon, il y a tellement de trucs. Je voudrais... non, mais il y a un homme des questions. Oui, là, bah, Juradou. Je suis désolé, on posera plein d'autres questions. Je voudrais avoir trois bouquins chacun à conseiller à notre communauté. Donc... Qui choisit de commencer? Et après les trois bouquins, préparer un conseil pour les jeunes générations. Faut que ce soit des bouquins en lien avec l'agriculture? Non, des bouquins qui ont été très intéressants, qui vous ont aidé à être... à vous former, à vous éveiller l'esprit. Alors là, bon, moi, pour le coup, ça va, on va changer totalement de style, mais Marcel Opagnol. Ah ben non, on retourne en Bretagne et on fait Bernard Moitessier, donc Le Grand Voyage. On fait Jour barbare de, c'est un livre sur de, ah, j'ai perdu l'auteur. Ça parle de surf. Voilà, donc culture marine à fond, et puis bah, tous les ouvrages d'Éric Tabarly sur comment construire Pendwick, et puis hein, on est bien, quoi. Ouais, la fille de Tabarly qui est en expé, là, elle est extraordinaire. Ah, si on peut faire une interview avec Marie à Fingerview, Marie Tabarly. Ah bah si on peut, ça je serait... Je peux t'organiser ça. Ah, volontiers. Ah, il est beaucoup plus littéraire que moi. Moi j'ai été... Les seuls bouquins que je lis, et j'en ai encore deux, trois, c'est uniquement sur l'agriculture. Qu'est-ce que je peux aller... Bon, pendant que tu réfléchis, je fais un commentaire. Il y a le tout dernier, justement, avec... putain, j'ai mâché son mot. Avec Julien de Normandie et Eric. Sur... le blé... Attends, putain, faut que je retrouve le titre. Là, ils viennent de le présenter là. Voilà, ce livre-là, j'ai réussi à le récupérer. Ça, c'est le truc qui est posé. Je pense que ça va être le futur livre à lire. Ouais, moi, je suis très. En fait, ma plus grande des littératures, c'est la compréhension du sol, c'est la technique. Moi, nourrir très... sans dévaster. Nourrir voilà. Sans dévaster. Merci. C'est très de Eric. Orsena. Eric Orsena, et je viens de Normandie. Exactement. Et donc ça, c'est le petit livre de chevet là, qui vient d'arriver. Et puis sinon, après, énormément, oui, plutôt d'écriture sur compréhension du sol, la vie du sol, sur l'agriculture. Moi, je suis vraiment plus axé sur le côté technique que sur les littératures. Et puis après, sinon, tous les très bons livres. Je suis désolé pour ceux qui vont me taper dessus, mais je les regarde à la télé dès que ça peut sortir. Avant que tu me donnes ton conseil pour les jeunes générations, un commentaire, tu vas y répondre. Ni de gauche. Le mec, il porte un col roulé quand même. Mais j'arrive du sud et à Paris, il fait froid, donc je m'habille, c'est tout. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations? Une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable? Lâchez rien, vos idées iront jusqu'au bout. Et voilà. Lâchez rien, on lâchera rien et les idées iront jusqu'au bout. C'est ça, aux jeunes, vous avez plein d'idées, vous avez de très bonnes idées,
Il faut venir, il faut JA ou pas JA, peu importe. En fait, il faut les pousser, il faut les amener. Et je suis sûr que de toute façon, les générations de demain vont réussir ce métier agricole, vont réussir aujourd'hui notre monde. Et il faut leur donner confiance. Et nous, malheureusement, là, avant, on a brassé beaucoup de noir. C'est une bouteille à la mer, on a dit. On a brassé beaucoup de noir. La mer est grande. Mais je suis sûr et certain qu'il y a encore énormément de choses à faire sur ce beau pays. Pierre Corel, Quentin Le Guillou, merci. 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 Bien. Merci.